Bonjour tout le monde <laughs> Salut les gens Que nous n'avons pas encore vu... Euh, si, si, bon, okay. euh, ici, nous allons faire bel et bien le premier stream dont vous êtes le héros, avec euh, les Maîtres des Ténèbres, qui est le premier loup solitaire qui, comme je le disais tout à l'heure, tombe en petits morceaux. Oui, là, le livre a quand même son âge, hein. il doit avoir 25 ans plus ou moins. Ce qui m'a permis de sortir la table de combat du bouquin. <laughs> c'est de... ça l'avantage des livres qui tombent en morceaux ah et qui sont en kit. On va voir, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience, on va voir un petit peu comment, comment ça va se passer. Il euh, le... n'y a pas tout ce que je voudrais mettre euh, sur, euh, sur le stream. Alors, ici, vous avez la carte et la feuille d'aventure, mais pour les combats, vous n'aurez pas vraiment les combats en direct sous vos yeux, on va vous les, on va vous les compter. Euh, petit détail aussi, normalement, les loups solitaires marchent avec euh, une table de hasard qui, en gros, équivaut à un des 10. Mmh. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien à quoi sert cette table de hasard, que vous pouvez voir oops, ici. C'est l'histoire avec le crayon. Il, Il faut, faut taper avec son crayon hasard là-dessus. Je ne comprends pas quoi ça sert pour une bonne raison. C'est que tu veux faire un truc qui va de 1 à 10. Tu utilises les pages, tu fais... Ok, j'ai fait, autant. À ah cap. Il n'y a pas de numéro de page sur ce hey, bouquin. Mais ah, j'ai lu s'il fallait bien trouver un moyen comme un autre de faire un, un pseudo D10 à une époque où tout le monde n'avait pas de D10. Mais d Mais des pages d'un bouquin, de n'importe quel bouquin, tu prends un Agatha Christie, tu Et je... oh. <laughs> Tu fais péter l'Agatha Christie Exactement. Il y a de la chiasse dans l'Agatha Christie C'est ça que tu dis Donc, moralité, nous allons utiliser un D10, hein, ce sera beaucoup plus facile, qui est mon dé de jeu de rôle, des rouges. Mmh. Quoique peut-être qu'on changera. Si jamais il n'est pas bon, mmh. là, on changera. Mmh. Euh, et en fait, je précise que, j'ai vérifié en ce bouquin, d'habitude, dans les jeux de rôle, le 0 sur le D10 signifie 10. Ici, ça signifie 0. Mmh. Donc c'est pas bon si on fait 0. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour tout le monde, on est, on est pas mal là déjà. On est 45, waouh Alors là, il y a quelqu'un déjà qui a une, euh, une, une superbe ouais. réflexion, qui est de dire on veut Ragnar le Barbare. Eh, ben, eh bien, nous allons pouvoir on pourrait, faire ça. On pourrait appeler loup solitaire Ragnar dans cette version-ci. Ce serait l'ancêtre de Ragnar le barbare. Ce serait eh Ragnar bien, le subtil. Eh bien, vous savez, nous avons commencé. Nous avons commencé à la création de personnage. Et la première chose que nous allons décider est le nom du personnage. Et si vous suivez les histoires au point des 20 je précise euh, dans le précédent, je crois que j'ai le papier quelque part. Du, de, on avait fait un test, on fait un test euh, de ça il y a très longtemps où c'était super pas bien. J'avais rien à préparer. Et le personnage s'appelait Arcaï la Bleusaille. Donc c'est juste pour. Remercier ceux qui étaient là, les huit, les huit personnes qui étaient là euh, au premier test il y a deux ans, quelque chose comme ça, qui avaient créé Arkhai la bleusaille la, la Mais je mmh. crois que nous allons faire un nouveau personnage ici. Hein. On fait déjà voter pour le nom Ou on décide arbitrairement tel des tyrans euh... Est-ce que, est que Ragnar le barbare, ça vous dit Il ah, y a Ragnar, il y a David Bowie, il y a Jean-Claude. Euh... Jean-Claude le barbare. <laughs> ok, ben... On va garder les, les premiers et on va faire le premier vote. Je vous rappelle que pour voter, il faut copier le, le, le texte que vous allez voir dans, dans, dans le, chat, le chat, où il faut le taper, hein, vous pouvez le taper, mais ça commence par un point d'exclamation, vote, espace, et puis le truc. Donc oui. soit, soit nous allons avoir euh, Ragnar, comme ça. Ragnar, oui. C okay. Soit nous allons avoir Ragnar, soit euh, Jean-Paul. Jean C'est Jean-Claude, Jean-Claude. Jean Jean-Claude, comme Jean-Claude Van Damme. Uh -huh. En tant que belge, on, on vote pour. Euh... Et on avait dit quoi David Bowie. Agenor. Agenor. <laughs> David Bowie. Moi, personnellement, je vote Ragnar. Mais. D'ailleurs, je peux voter. J'ai lu Sniard le Trouillard. Non, on ne fera pas ça. <laughs> euh, Jean-Claude. Jean-Claude. Ici, c'est Jean-Claude, ce sera Jean-Claude de Barbare, je précise. Mm -hmm. Eh bien, donc, on va lancer ce premier vote. <coughs> Et rien ne m'empêche de voter. Donc personnellement, je vais voter. La plupart du temps, je ne vais pas voter. Mais ici, c'est important. Je vais voter pour Ragnar. Donc, il, il, faut que vous ah, tapiez, okay. il faut que vous tapiez euh, le le point d'exclamation, <laughs> vote, et puis le truc. Et donc, le truc qui est, qui est donné par euh, Mobot. Euh, c'est Jean-Claude, c'est juste Jean-Claude avec un, avec un espace. Et il y a des tonnes de, de trucs invalides. Alors, pour le moment, Jean-Claude Gagne. <laughs> tu mais, mais n'est pas loin. Nous avons... Oh, on a pas mal de votes. 49 personnes, déjà, c'est pas mal. Mmh. Et on, on laisse... Là, j ai, j ai mauvais on, bouton. On laisse un certain temps pour chaque vote ou pas On laisse le temps que l'on... Mmh. L'on destine. Allez, allez, oh. faites gagner Ragnar, 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 Ragnar! Ragnar et Jean-Claude sont vraiment. Ragnar est dans, dans la fin de la course! Alors, ah, au pionnier avec Jean-Claude! Je compte encore 5 secondes et je, et je fais refresh. Et ce sera bon. 1, 2. Attention, euh, par exemple, Kylian, il faut vraiment taper. Euh, bon, c'est vrai qu'ici, c'est pas, pas évident, le, le premier. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti! Comment va s'appeler le héros? Isabelle Ragnar. Ragnar. <laughs> Ce sera Ragnar. Donc oui, nous, allons, nous allons, taper ça tout de suite. Je... Il n'y a pas vraiment de place <coughs> pour son nom ici, donc. Mais non. Ragnar le barbare. Re. Le barbareux. Hmm. Donc nous alla... ça fait un début. Mm -hmm. Ensuite, nous allons voir dans le bouquin. Euh... Avec Jean Claude, ça aurait été drôle aussi. <laughs> Mais ce sera le Ragnar. En honneur à Ragnar le barbare qui est mort, si vous n'avez pas encore vu du Oui, les au coin oui. Si, regardez là. C'est dans, dans lequel C'est dans euh, celui qu'on a tourné en Corse, il me semble. C'est Histoire au coin du 20, euh, Finlande et Corse, pour euh, voir les histoires de Ragnar. Alors, nous allons maintenant tirer nos points d'habilité et d'endurance. Donc ça, je vais le faire pour vous. Il n'y a pas de vote, sinon le vote, ça va être... Au fait, je précise aussi un, un détail, donc nous allons suivre les, les trucs. Si jamais vous avez le bouquin chez vous et que vous voulez tricher, vous pouvez, mais je vous demande une chose, et c'est de ne pas dire dans le chat vers quoi vont, vont mener les différents choix. Si vous, vous, vous voulez utiliser le bouquin que vous avez chez vous pour amener vers les bons choix ou les, ou les mauvais choix, si vous voulez faire chier, vous pouvez. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas dans le chat... Euh, tel choix ça va, ça va faire ça, tel choix ça va faire ça. Parce que là. Ah, sinon il y a plus de jeu. Il y a du bannissement dans l'air voilà, dans, dans si vous faites ça. Donc nous allons mentir tirer. C'est très important. Ça va nous suivre tout le long du jeu. J'expliquerai les points de destin après. Le, le 1D plus 10 pour notre euh, quand, quand habilité. Quant à, quand à moi, je ferai maître Norguelos. Je vais vérifier qu'il triche pas. Habilité au combat. Oh 9. 9 9, naturel. 9, 9. 19 en, en combat. Ça c'est cool. Bah déjà, tu vois, ça va bien avec Ragnar le barbare. En effet. C'est une grosse brute. On va mettre plus grand, hein. 9 9. <coughs> L'endurance maintenant. 1D plus, euh, plus euh, 20. Je vous rappelle que 0 est 0. 3. Ah. Ça fait 23 en endurance. C'est un glass canon, Ragnar. Il est, il est balèze, mais il. Il tient pas très bien la route. Mm. Euh... La bière du jour, tiens, il y a quelqu'un qui... <laughs> C'est Gilles Top Secret. La bière non. du jour. <laughs> euh, ben. Il nous reste encore un, euh, du spécial au frigo ou pas du tout euh... euh, Jacques Kong. J'ai la Kong. Mais on, la garde, on enregistre normalement demain une histoire au coin des vins. Je, je vais garder la Kong pour ça. Mm -hmm. On va juste voir un petit peu ce que vous racontez. Euh, les disciples Kai. Oui, on va bientôt passer aux disciples Kai. Je suis désolé, on n'arrive on on pas à suivre tout le monde. Je pense que la prochaine fois, peut-être que je demanderai à, à quelqu'un de faire le modérateur. C'est parce y a... Ragnar le barbare. Alors, nous allons maintenant choisir nos cinq disciples. Cinq disciples. Discipline Kai. Qui sont donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, euh, les cinq pouvoirs que l'on commence. Or, nous avons le choix parmi une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9, 10, 10. Donc on va, en avoir, on va avoir la moitié des disciplines Caille. Je vais vous les dire et puis je ferai... dire tu veux que je les lise et tu les notes Ça marche. Le, lis pas tous les détails. Alors, la première compétence que notre disciple Kai pourrait utiliser, c'est bien évidemment le camouflage. Alors le camouflage, ça lui permet de se fondre dans le paysage. -il. Euh, il peut très bien se cacher parmi les arbres et les rochers. C'est un véritable petit renard des bois. Qui ne se fait jamais attraper. Ça, c'est euh, le premier truc, c'est le camouflage. Ensuite, le deuxième pouvoir, c'est la chasse. Le camouflage, c'est un truc d'elfe. Oui. La chasse. Donc, avec ça, ben, notre personnage, il va pouvoir chasser dans les bois. Il va pouvoir trouver, euh, se sustenter en euh, chassant quand, par exemple, il n'a pas été au magasin acheter des Ce biscuits. Ce très utile parce que sinon, on peut crever de faim et c'est bête. On peut, on peut mourir Obligement, de faim. Moi, je vote chasse. Hein. Bon. Ça c'est le deuxième, c'est la chasse. Et au tu... en fait, vous avez raison, l'habilité c'est 19, <c racke schle> pas 9. Ben oui, c'est bien ce que je me disais. mais... Okay, oui. Alors, le troisième pouvoir c'est le sixième sens. Avec le sixième sens, eh bien, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Notre Seigneur Kay, il va parfois sentir le danger une fraction de seconde avant qu'il lui tombe sur la couque. Et euh, ben, donc bien souvent, ça peut lui sauver la vie. Aurait-il le sixième sens L'aura-t-il pas Aura-t-il un sens en moins tel un chevalier du zodiaque qui est passé à travers un mur de la maison du Bélier Probablement. On sait rien. Euh, après, c'est cha... le sixième sens. Hein. Sixième sens, oui. Euh, ça s'écrit écrire... avec un X au milieu. Mais j'écris ça, simplement pour que ce soit le plus simple pour les gens qui tapent su... peut-être sur leur téléphone. Bon, je vais, écrire... je vais écrire vraiment sixième sens, voilà. Ok. Alors... Je, com... je rappellerai comment faire les votes après. Ensuite, il y a l'orientation. Eh oui, parce qu'un bon sens de l'orientation, ça peut vous sauver la vie de votre personnage. Hein. Quand il est perdu dans un labyrinthe avec un minotaure ou simplement pour trouver les chiottes dans un restaurant chinois, eh bien, l'orientation peut être très, très, très utile. Ensuite, la guérison. La guérison, les la mecs. guérison. C'est pouvoir se soigner. Hein, en faisant des bandages et euh, avec de la magie. Il faut guérison. <laughs> c'est un peu le truc obligatoire. On a besoin de guérison. Besoin euh, la guérison, c'est le truc que, que moi, à chaque fois que j'ai fait le loup solitaire, je l'ai pris parce que... Je... Poum. Il faut la guérison. Euh, la maîtrise des armes. Alors, la maîtrise des armes, il faut que je me souvienne comment ça marche. Euh, c'est au hasard, hein, si je me souviens bien. Ça. En fait, euh, la maîtrise des armes, c'est cool. Ça permet d'augmenter notre habilité au combat de deux avec une arme bien précise. Mmh. Le problème, c'est que, L'arme est tirée au hasard, il faut avoir cette arme. On ne l'aura pas forcément. Voilà, c'est. Euh... Mais bon, c'est encore un peu de hasard. Moi, j'aime bien le hasard dans ce genre de jeu. La maîtrise des armes va nous permettre d'être plus bourrin avec une de ces armes. Vous pouvez voir. Il faut essayer d'avoir la meilleure chance qu'on puisse avoir, c'est la hache parce que là, la... on commence avec une hache. Voilà. Et l'une de ces armes, ben, on sera un grand maître dans le maniement de cette arme. Il euh, y a le bouclier psychique. Euh, bouclier psychique à ne pas sous-estimer hein, c'est un, une discipline caille qui permet de fermer son esprit aux attaques de magie et les espèces de créatures euh, on voit pas ma main qui fait comme ça et les, les créatures obscures qui essayent de prendre possession et influencer votre comportement euh, je me souviens que je suis mort une fois parce que j'avais pas le bouclier psychique la puissance psychique c'est l'inverse c'est un petit peu euh, attaquer son ennemi mentalement en hein, le dominant et en essayant de l'écraser de l'écraser mentalement si je puis dire un peu comme font tous les politiciens aujourd'hui euh, tu l'as noté oui et ensuite il y a un qui me plaît beaucoup que j'aime bien c'est la communication animale c'est cool ça euh, Lou solitaire enfin Ragnar le solitaire pour <laughs> parler avec les animaux dans une certaine mesure On peut blablater avec un aigle un, un renard un putois c'est encore un truc d'elfe un, un concombre de mer euh, je ne sais pas très euh, important voilà. le concombre de mer Ensuite, il y a la maîtrise psychique de la matière. Je vais appeler ça télékinésie, ce sera plus simple. Oui, voilà, c'est euh, une, une forme de télékinésie, euh, mais un peu plus euh, en mode templier, je ne sais pas, pas très bien. Et je crois que c'est le dernier. Euh... Oui, voilà, c'est le dernier. Et donc, nous allons passer aux fautes. Donc, c'est parti, vous avez voté, votez chacun pour euh, ce que vous voulez, et on prendra les cinq en plus... Euh... Plus de votes. Euh, dans le doute, c'est nous qui choisirons. Ha, ha, ha. Mmh. Le... Et c'est parti. Les fous du volant. Tu <laughs> t'avais pas pensé à de la musique, toi Ça va pas être pratique. Ça va pas dire. être pratique, ok. C'est toi le maître de la technique, hein. Moi, je ne dirais rien. <coughs> Qu'est-ce qu'ils racontent, euh, nos petits voyeurs Pour le moment, nous avons euh, quelques trucs. Oups. Votez, votez. Vote donc, guérison, voilà, les gars je, je vais répéter comment on fait les votes. Donc, euh, le plus simple, si vous êtes sur un ordinateur, vous voyez dans le chat plus haut, euh, Moobot qui, qui dit euh, Poll Opened, et qui vous donne donc euh, un truc à copier, qui est, qui est point exclamation, vote, espace, et puis le truc euh, qui, qui va représenter le vote. Euh, le plus simple, c'est en effet de, de copier avec, avec votre souris ceci. Euh, sinon, vous pouvez le taper. Point exclamation, vote, espace, et le bon truc. Bah ça va, hein, ils votent comme des, comme des animaux, hein, les gens. Alors on a un petit peu de tout là, intéressant. Euh, la guérison me semble bien mise, la maîtrise des armes, communication animale, orientation. Il y a, y a des chasses, oh, beaucoup de gens aiment la chasse. Euh, bah je ne sais pas répondre à est-ce que Moubot marche bien. Euh... Mais Moubot marche bien. Paul euh, j'ai essayé, j'ai pas vraiment euh, compris que, euh, comment ça marchait. Peut-être que la prochaine fois on le fera comme ça. Mais si on va utiliser Moubot. Euh... Peut-être que la prochaine fois on utilisera un autre programme. Mais euh, c'est un truc, comme je disais au début, ah. c'est une expérience. On ne <coughs> sait pas encore exactement com comment euh, tout va. Et vas-y tape dans le micro. Hein. Bah, moi, c'est moi, j'ai des trop grands pieds. Alors vote Lance de Nain. Attention que si vous le plusieurs fois, ça remplace votre vote. Hein. Ah, ça faut pas oublier. Attention, je compte, je laisse encore 10 secondes et puis après nous allons voir quels sont les résultats. 10 9 8 7. Et on dit une bêtise. De quoi Dis n'importe quoi. Ah non, mais moi j'aimais bien le lancer de nain, ça, ça aurait dû être une compétence dans le bouquin de base. Mon Allez. cher euh, tonton molécule, mais non, ça n'était pas le cas. C'est parti, nous allons voir quelle discipline caille. Qu a... Ouh, guérison déjà très clairement. Euh, guérison, maîtrise des armes, communication animale, orientation. Et, et, et camouflage. Mm -hmm. Ça me semble. Ah, quoi, camouflage et chasse sont égalités. Une, deux, trois, quatre. Donc camouflage et chasse sont égalités. Donc euh, moi j'irai chasse. Euh... Quand, Allez, on, va, en, va pour va pour chasse. Alors. En cas d'égalité, on nous okay. tranchons. Euh, je vois ici que nous avons quelqu'un qui a des frises toutes les 30 secondes. Il n'y a pas il a pas un truc à fermer pour euh, ne pas avoir les frises? Euh... C'est peut-être une... par rapport à votre connexion internet. Normalement, ici, notre connexion internet doit être, euh, doit être bonne. Est-ce que tout le monde a ça, des freezes, euh, de temps en temps Parce que sinon, il faudra, faudra voir. Mais comme je dis à nouveau, c'est une expérience. Et ici, normalement, la connexion doit être bonne. J'ai essayé de couper un maximum de, de trucs inutiles. Euh, donc, chasse, qu'est-ce que nous disions euh, pour euh, les personnes qui ont éventuellement des frises, oui, vérifiez que vous n'avez rien d'autre qui tourne en fond. J'ai eu des problèmes sur un, un Twitch, parce que je l'écoutais en jouant euh, à un jeu, et ça faisait, ça, ça faisait péter le Twitch. Peut-être que ça marchera pour vous. Alors, Nurgle, lance un dé pour voir quelle arme nous allons maîtriser. Yeah La hache La hache Ou la lance. 3, merde. 3, c'est le sabre. Le sabre, ça va, c'est cool. Je ne sais pas si on va on va le, le trouver facilement. Ouais, sabre. mais le glaive du sommaire, ça compte comme un sabre. Non, non ça compte comme un glaive. Merde. C'est un truc à part, glaive. <laughs> euh, donc nous disions maîtrise des armes, orientation, communication animale. Cool. Il me semble qu'orientation et sixième sens, sixième sens, il était cool aussi, mais bon. Euh, non, euh, on n'a pas sixième sens, on va devoir faire sans. Voilà. Donc, tut tut tum, nous avons un barbare. Il était une fois dans un monde magnifique. Alors vous dites, euh, j'ai vu quelqu'un qui disait, voilà, euh, c'est un barbare samouraï parce qu'il connaît les sabres, mais quand on regarde le dessin... C'est plutôt un glaive. C'est plutôt un, un petit sabre ben, romain. On, on dirait un glaive viking, pour être exact. Hein, ouais, en fait. romain. <laughs> Et je suis pas d'accord, c'est pas useless le sabre. C'est une super arme le, pas le sabre. Enfin, euh, en tout cas dans, dans, dans la réalité, quand j'étais un, un viking romain il y a 2000 ans dans ma vie précédente, je vais je, je fermer ma gueule et je Donc, bois. Donc nous, nous avons mmh. maintenant nos, nos euh, disciplines Kai, Et si je me souviens bien, on gagne une par bouquin. Donc au fur et à mesure, on va les gagner. Et d'ailleurs ça c'était un petit peu bizarre, c'était tous les cinq bouquins, tu avais toutes les disciplines, mais tu, après tu avais besoin. Des, des super disciplines caille oui. et puis après des super ultra les disciplines su... kai, Mais, et donc et après, les giga tous les 5 bouquins tu, tu devais euh, refaire toutes tes disciplines, enfin voilà. Mm -hmm. Alors nous avons un équipement de base, donc une partie qui va être tirée au hasard. Euh... J'ai le dé en main déjà. Alors nous avons, je vais noter ici en piti, mm. une hache. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mm. Euh, un sac à dos, oui. Un repas. Qui <laughs> va vite être mangé. Ouais. Et notre personnage va mourir de faim, tel un clodo. On a une bourse de cuir. Bon, je vais pas le noter ça. Avec avec combien de pièces d'or Un des dix pièces d'or. Compte sur ma chance. Dix. Oui. oui pièces d'or. Oui, pièces d'or. Ça aurait pu être zéro. Ah bah ben oui. <laughs> Oui, PO. Ok, et dans les ruines fumantes de monastères, ça vous verrez au début de l'histoire, nous trouvons une carte géographique. Bah, elle est là. Elle est là. 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 Donc, euh, on va pas la noter. Euh... Ils disent de la mettre dans les objets spéciaux. Tiens, repas, oui. Un repas. Et ça nous allons effacer le gomme. Alright. Et 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 enfin nous commençons avec un objet tiré au hasard. Lance encore un dé, espèce de salaud de Ragnar. Les suppositoires, si les ça... suppositoires. 7. Un bâton. <laughs> un bâton, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec un bâton C'est très bien le bâton C'est un bâton de marche et puis on. ça aurait été bien un bâton si jamais euh, on, bon. on, était, on était maître du bâton. Mais... J'aurais préféré la potion de soin, mais on peut pas faire un vote pour tricher Alors, euh, oui, en parlant de vote, je, je vais expliquer les points de destin. Non, nous n'avons pas triché encore. Pas encore. Oh. Voilà, donc euh, le personnage est créé, ça c'est cool. Alors, je, vous ai, je vais vous expliquer les... On va voir un petit peu ce que vous... On ne suit pas très bien ce que, tout ce que vous, vous allez dire. oui. Euh, déjà, combien de sommes-nous maintenant On est 75 Waouh mm -hmm. <laughs> C'est plus que ce que j'attendais. C'est cool. Merci. Et, allez, faites venir encore des gens. Donc, le personnage écrit, nous allons enfin passer aux choses sérieuses du Maître des Ténèbres. Nous allons essayer de gagner. Mais euh, comment marche un livre dont vous êtes le héros Avec ses petites pattes. En fait, comment faire un livre dont vous êtes le héros il y a, En gros, il y a deux méthodes. Soit vous trichez. Parce que y a des, on va choisir des chapitres qui vont nous amener à des endroits, et il y a un moment où on va crever. Et dans ce cas-là, la plupart des gens, ils trichent, ils disent « Ok, on va dire que je ne suis pas mort, je vais retourner un petit peu en arrière. » Soit on le fait legit. Et legit, ça veut dire que donc on ne triche pas. Mais si jamais on le fait legit, il y a de bonnes chances que, comment ça se passe On fait le bouquin, on meurt, ok, on recommence, en se souvenant de, des bons chemins, on remeurt, on recommence en se souvenant des bons chemins, or on ne va pas refaire 100 fois le même bouquin. Mais je veux qu'il y ait un enjeu. Et donc pour qu'il y ait un enjeu, on doit pouvoir mourir. Mmh. Non, et... non, mais ne me regarde pas comme ça, je suis d'accord avec toi. Et donc pour que l'on puisse mourir, eh bien, nous avons... nous allons garder les points de destin. Nous avons trois points de destin. Euh, vous voyez ce qu'ils peuvent faire, mais je veux quand même expliquer. Et il faut savoir que si jamais on les perd, eh bien, on peut mourir et recommencer le bouquin à zéro. Et si on recommence à zéro, on aura quatre points de destin pour essayer de ne pas recommencer mille fois le même bouquin. Mais je veux qu'il y ait un enjeu, c'est important ça. Okay. Oui non j'aime bien. Euh... Oui le mec c'est un barbare, il a un bâton et, et un petit sabre. Il oui. aurait pu être pire, hein il aurait pu commencer, à... commencer avec un sac rempli le de tisane Le problème c'est qu'il a pas ça. de petits sabre On est bon dans les petits sabres, <laughs> mais on en a pas. C'est vrai, vrai, mais il a un bâton quand même. Euh, il a un bâton. Il a un bâton. Et il a une hache, mais il est nul dans le bâton et la hache. Ah bah, c'est comme ça. Les points de destin nous permettent de récupérer tous <laughs> nos points d'endurance si on est prêt de mourir. Ça permet de retourner jusqu'à deux chapitres en arrière parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui disent, ok vous avez fait un mauvais choix, vous êtes mort. Donc, dans ce cas-là, on peut retourner un petit peu en arrière, ou on peut recommencer un combat à zéro si on se rend compte qu'on n'a vraiment pas eu de bol. Et on a le droit à faire ça trois fois par bouquin. Voilà, voilà. Sinon, on recommence et euh, c'est tous les dimanches comme ça. On refait le même bouquin. Voilà. Et euh, en fait, en parlant de, de tous les dimanches, régularité de ces, de ces streams, on va essayer de les faire régulièrement parce que ça a l'air d'amener du monde. Euh... Ah non, mais là c'est la première, hein. il y aura trois fois moins de monde la prochaine fois. Je ne sais Les pas gens si... ils ne sont pas encore rendus compte que c'était de la merde ce <laughs> qu'on faisait. Hein. <laughs> eh bien, euh, donc euh... je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Tu disais qu'on allait commencer l'aventure. On va commencer l'aventure. Hmm. <coughs> il était une fois. Tiens, tu peux commencer le temps que je, je boive un petit peu. Nous allons voir ici un urgle-compteur. <coughs> Alors, départ. De, des Maîtres des Ténèbres de la série Loup Solitaire écrit par Gilus qui fait tomber sa bière non par Joe Dever et Gary Schalk le début Avertir le Roi Au nord du royaume du Sommerlund il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils des seigneurs de guerre au monastère Caille c'est là qu'on leur enseigne l'art la science et la science de leurs nobles ancêtres les moines Kai sont de grands maîtres dans l'art qu'ils enseignent. Oui, on va faire semblant de rien, Gylus. J'ai renversé ma bière. <laughs> J'arrive. Ok, ok, ok. Oh, on est mieux là quand même sans Gilles. Donc les moines Kai sont de grands maîtres dans l'art qu'ils enseignent. Pour transmettre leurs connaissances, ils doivent faire subir à leurs disciples de rudes épreuves en, au cours de leur apprentissage. Mais ces derniers ne s'en plaignent jamais. Ils témoignent au contraire amour et respect, sachant très bien qu'ils quitteront un jour le monastère en possédant alors tous les secrets de la tradition caille. Ils pourront alors rentrer chez eux, l'esprit et le corps formés aux techniques de la guerre, profondément attachés à leur patrie, ils seront ainsi prêts à la défendre contre les dangers constants qui la menacent. La soif de conquête des maîtres des ténèbres venus de l'Ouest. En parlant de soif Oui, euh, à la bonne tienne. Autant jadis, à l'époque de la Lune Noire, les maîtres des ténèbres menèrent une guerre sans merci contre les royaumes du Sommerlund. Ce fut une longue et douloureuse épreuve de force à l'issue de laquelle les guerriers du Sommerlund remportèrent la victoire alors que la grand... lors de la grande bataille de Mahaken. On parle pas trop, trop près du oui, je sais, je sais. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Le roi Ulnar et ses alliés de Durnor anéantirent l'armée des maîtres des ténèbres, dans le défilé de Moitura. Et précipitèrent l'ennemi au fond de la gorge de Mahaken. Vansha, le plus puissant. Ah oui, non, de Mahaken. Vansha, le plus puissant parmi les maîtres des ténèbres, périt d'un coup mortel que le roi Ulnar lui porta de sa puissante épée. L'épée du soleil, que l'on désigne généralement sous le nom du glaive du Sommer. Oh yeah Sommer ou sommaire Sommer. Euh... Le glaive du Sommer. Oui, le glaive du Sommer. Depuis ce temps, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre tu leur revanche. Bah ben oui. Les maîtres, donc, euh, les maîtres des ténèbres ont juré de prendre leur revanche sur le royaume du Sommerlune et de la maison d'Ulnar. Lorsque l'aube se lève sur les premiers jours de votre aventure, tous les seigneurs Kai, ou Kai, Kai, Kai sont présents au monastère. On doit en effet célébrer aujourd'hui même la grande fête du Femharn. Du fe, du Femmarn. Tu sais même pas prononcer <laughs> correctement des mots en langue nordique ancienne, et l'on se prépare tôt le matin aux réjouissances. Mais soudainement, un immense nuage noir s'élève au ciel d'Occident. D'énormes créatures aux ailes sombres emplissent les nues en si grand nombre que le soleil semble s'éteindre. Cette invasion porte la marque des maîtres des ténèbres, les ennemis jurés du royaume du Sommerlund. Ils passent encore une fois à l'attaque. La guerre a recommencé. En ce matin fatal, loup silencieux, c'est le nom qui vous a été donné par les moines Cailles, est allé chercher du bois dans la forêt. Il était chié dans la forêt. Oui, il a dit qu'il allait chercher du bois, mais en fait. C'est la corvée qu'on vous a assignée pour vous punir de votre inattention en classe. En fait, on joue le plus nul des mannequins. <laughs> bah ben oui, mais c'est souvent comme ça. Oui. Or, sur le chemin du retour, vous apercevez tout à coup ce gigantesque nuage de créatures noires qui font sur les... le monastère et semblent l'engloutir aussitôt. Vous laissez tomber votre bois à terre et vous vous précipitez sur les lieux de la bataille. Mais les monstres noirs ont obscurci le soleil et il fait à présent si sombre que vous trébuchez contre une racine et en tombant la tête la première vous, vous fracassez le crâne et vous recommencez le non pardon non. <laughs> euh, donc le personnage tombe dans votre chute vous heurtez violemment du front une branche basse qui vous assomme une fraction de seconde avant de perdre connaissance vous avez cependant le temps de saisir du regard un terrifiant spectacle les murs du monastère Kai sont en train de s'écrouler sur eux-mêmes dans un fracas de tonnerre. Vous ne reprenez conscience qu'au bout de plusieurs heures et les larmes aux yeux, vous contemplez avec horreur le tas de ruines que l'ennemi a laissé derrière lui. Non Merci. Les guerriers Kai ont été ensevelis sous les décombres et il ne reste plus aucun survivant parmi vos compagnons. Avec une infinie douleur, vous levez alors votre visage vers le ciel, à nouveau clair, et vous faites le serment de venger la mort des moines et des seigneurs cailles. Vas-y, fais le serment. fais le serment. Voilà. Vous ferez payer leurs crimes au maître des ténèbres. Votre tâche, d'ailleurs, commence à l'instant même. Il vous faut, en effet, gagner la capitale du royaume pour prévenir le roi en personne de l'effroyable péril qui menace le pays. Car maintenant, l'ennemi est en marche et, si vous n'agissez pas assez vite, <coughs> si vous n'agissez pas à temps, votre patrie tombera sous son joug. Vous êtes le dernier des seigneurs Kai. Il est long, ce chapitre. Ah, bah oui. Et le sort de votre peuple repose entre vos mains. Le loup silencieux est devenu loup solitaire. solitaire. Et les envahisseurs feront tout pour vous empêcher d'atteindre le palais du roi. Exactement. Le alors, le livre, 1. il est fini. Et donc, chapitre 1. Chapitre 1 euh... un peu ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. <coughs> il faut vous hâter, car quelque chose vous dit qu'il serait imprudent de vous attarder parmi les ruines fumantes du monastère détruit. Les monstres volants peuvent en effet réapparaître à tout moment. Il n'y a d'ailleurs pas de moment à perdre. Il a dit deux fois moment. Vous devez au plus vite prendre la route de Hol Holmgard, la capitale du Summerlund, pour, pour aller annoncer au roi cette terrible nouvelle. Les guerriers Kaï, l'élite du pays, en fait, ce sont un peu les, Je en fait, ce les, Jedi. les Jedi. Ce sont ouais. vraiment les Jedi, quoi. Ce sont des moines psychiques, etc. Enfin, ont été massacrés à l'exception de vous-même. Or, sans l'autorité et le savoir des, seigne des seigneurs Kai pour commander l'armée, le royaume de Sommerlune se trouve à la merci de ses plus anciens ennemis, les maîtres des ténèbres. En retenant vos larmes à grande peine, vous dites adieu à vos compagnons morts et vous faites le serment de les venger. Vous tournez alors le dos aux ruines et vous descendez avec précaution le sentier escarpé qui s'ouvre devant vous. Au pied de la colline, le chemin aboutit à une bifurcation. Là, deux autres sentiers mènent l'un et l'autre à une grande forêt en empruntant deux directions différentes. Si vous souhaitez prendre le sentier de droite, rendez-vous. Soit on va prendre le sentier de droite, soit nous allons prendre le chemin de gauche. Et si nous avons le sixième sens, eh bien nous avons... Le... Il nous donne le bon choix, mais nous n'avons pas le sixième sens, malheureusement. Alors ce que je vais faire, par contre, je vais.. Ah ben voilà, j'ai mis sur la carte, si vous regardez la carte... Euh, nous avons le petit logo Loup Solitaire, qui est ici, qui est sur le temple Kai. Et mmh. je vais essayer de mettre plus ou moins où on est, même si ça va être très approximatif. Elle est où, la... Bah, la, la capitale, elle est où ouais, Elle est juste... C'est Hollandcar c'est pas loin, c'est... Je... je ne vois pas bien... là-bas. Là oui, en fait, on est vraiment pas loin. En fait, il... en gros, il va pas bouger de là, le logo Donc, nous allons <laughs> faire le premier véritable vote. Après la création du personnage, qui est donc. Ça y est, c'est parti. Et euh, je précise, vu la carte, vu la, à quoi ressemble la carte, parce que ça peut être utile. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut prendre. En fait, j'en sais rien. Soit nous allons prendre à gauche, gauche, ou à droite. <laughs> Donc, je vous rappelle comment il faut voter. Pour... Il faut taper point d'exclamation. Dans le chat, vous devez taper point d'exclamation, vote, espace, et ce, ce pourquoi vous votez, gauche ou droite. Le plus simple étant de copier-coller ce que vous dit le Moubot. Euh, parce qu'il y, y a Nix qui dit c'est à gauche, à droite ou en arrière. On peut très bien partir et faire sa vie ailleurs, tu vois. <laughs> non, malheureusement, nous n'avons pas le choix. On doit être un héros, on n'a pas le choix, ça. Donc, votez. Nous allons pour le moment, c'est euh, quasi 50-50, même s'il y a une légère préférence ah, pour ah, la gauche. Ah. Sol Invictus nous dit que le repas prend un stack dans notre sac. Je ne sais pas. Faut vérifier Il dans, truc... la, dans la giga-bible. On verra on verra si jamais, quand on aura plus de place. <laughs> on mangera vite notre bouffe, histoire de faire de la place. Je sais pas, t'as pris quoi toi finalement comme direction Eh bien, nous allons voir. Euh, il me semble que la gauche est en train de gagner. J'aurais préféré que ce soit la droite, n'est-ce pas Oh <laughs> mon dieu Quand Tu fais une référence <laughs> ben oui, forcément. Jean-Marie Le Pen. Mais ben non, ben, c'était tout droit. De... Plus solitaire. Alors, je laisse encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on ne va pas passer 3 heures à chaque truc. Et c'est bel et bien la gauche qui gagne. Ah, Hollande encore Eh oui. <laughs> Et donc, nous allons prendre à gauche. Rendez-vous page deux cent Chapitre 275, oui, cent Je vous rappelle, 275, je vous rappelle que nous somme belge. Donc nous disons 70. Oui ou, ou soixante-quinze. À mon avis, c'est pas bon. Vous avez suivi ce sentier sinueux pendant environ dix minutes lorsque vous entendez soudain des battements d'ailes au-dessus de vous. Flap flap flap. Vous levez les yeux et vous apercevez alors un immense crâne qui s'approche de l'endroit où vous êtes. La créature vient du nord et bientôt, ses grandes ailes noires projettent une ombre gigantesque sur, les feuillages des arbres, sur le feuillage des arbres. On est foutu. Deux êtres armés de longues lances chevauchent le monstre. Ce sont des gloques qui ne sont pas des orques, attention. Ce sont des glocks. Ce sont des gloques euh, De petites créatures d'une grande laideur, animées de haine et vouées à la malfaisance. En fait, ce sont plutôt des gobelins. Autrefois, il y a de ça plusieurs siècles, les Glocks servaient d'esclaves aux maîtres des ténèbres, et ceux-ci fire euh, leur firent bâtir la cité infernale d'Elgedad, située dans le désert volcanique qui s'étend au-delà du mont Dunkrak. Il y a quand même de l'exposition de, de hein, dans voilà. ce seuil. C'est le premier bouquin, c'est normal. Mmh. La construction de cette ville, on s'en fout un petit peu. La construction de cette ville représenta une longue et douloureuse épreuve pour ces créatures dont seuls les plus forts survécurent aux vapeurs empoisonnées qui se dégageaient des terrains alentours. Les deux monstres portés par le crâne sont des descendants de ces anciens esclaves. Lorsque le crâne passe au-dessus de votre tête, vous vous cachez sous un arbre, le cœur battant, en priant le ciel que le, double, le redoutable trio ne vous ait pas repéré. Utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Euh, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Lance le dé. Bah... Euh, on va les buter quoi On va tirer, ah. oui. À mon avis, c'est pas bon. Non, mais c'est bon, c'est de la baston quoi. Ragnar, il est prêt à tout. Note que si on meurt dans le premier combat, ce sera cool. <laughs> Alors... Je te laisse le lire. C'est quoi, c'est le 345 Ouais. Vous rabattez sur votre tête le capuchon de... Votre cap de seigneur Caille. Et vous retenez votre souffle tandis que le crâne tournoie au-dessus de vous. Quelques minutes plus tard, vous entendez les Glork pousser des jurons furieux. Faites des Glork qui poussent des jurons furieux. Jack Black. Jack Black. Et les battements d'ailes des crânes s'évanouissent bientôt. Ils sont partis vers l'ouest. La promptitude de vos réflexes vous a sauvé d'une capture certaine et d'une mort probable. Vous pouvez à présent revenir sur le sentier en vous rendant à... Ou vous pouvez également choisir de poursuivre votre chemin parmi les arbres de la forêt en vous rendant au euh, arrière Alors c'est Plata ou. Continuer. Attention, on lance un nouveau vote. Arrière ou continuer. On continue les mecs. Je oui je ne sais pas. On n'a pas peur de la forêt. On a en plus on a on a orientation quoi. Comment vous voulez qu'on se perde. J'ai pas confiance en orientation. Mon personnage dans Warhammer 000, a orientation. Mais oui, ben voilà. Je n'ai fait que des échecs critiques. Alors. C'est toujours droite et gauche Tout le monde veut que l'on continue. Ah, bien. bah attendez. Là. Eh, C'est pas des tapettes, hein Enfin, c'est pas des tapettes. <laughs> ok, je laisse encore quelques secondes et puis après nous allons avoir le vote final. Continuez, continuez, continuez. Ah, il y a un arrière, j'ai vu. Ah, oh, il y a un autre arrière oh eh bien, nous allons continuer. Du m'étonnes. Et donc alors bah, On poursuit notre chemin, et c'est le 19. Attends, attends. Oui, parce que c'est le livre en kit. Hein. Oui, je euh, sais. 19. Le suspense est insoutenable. J'espère qu'on va finir au moins un bouquin ce soir. Hum. On est là pour un certain temps, à mon avis. Un peu plus loin, à travers les arbres, vous apercevez des buissons de couleur rouge. Ce sont des brosses à potence dont les épines écarlates et pointues sont communément appelées des dents de sommeil. Ça va chier. Elles ont en effet la propriété... Pourquoi vous avez dit de continuer Il fallait retourner en arrière Non ah euh, Elles ont en effet la propriété, lorsqu'on s'y pique, de provoquer faiblesse et engourdissement. Et diarrhée. Et diarrhée. Vous pouvez éviter le, les dents de sommeil en revenant sur le sentier. On nous le repropose, on peut encore revenir en arrière. Vous pouvez au contraire essayer de frayer un chemin parmi ces buissons pour pénétrer plus profondément dans la forêt. Euh, et par contre, si vous maîtrisez la discipline K et de l'orientation, ah ben voilà Voilà Eh bien, nous allons aller au 69. Je vous jure. Petite pensée pour Ragnard, le chapitre le 69. boss, Le boss de la forêt. Je t'en prie. Hein, C'est le 69. 69 en plus mmh. <laughs> Euh, vous vous trouvez à proximité d'un village ami. Contournez les brosses à potence et rendez-vous au 200 2. De... Encore. Enfin. Merci, notre, notre, entraînement, notre entraînement Kai nous a servi. Mais bien sûr. Ce qui n'a rien à voir avec l'entraînement euh, Jedi, hein, je vous rappelle. Euh, putain, ce bouquin tombe en, en morceaux. Quoi. Tombe en petits morceaux. 272. Alors, euh, montre-nous les illustrations du bouquin, je les montrerai quand il y en aura. Euh, Mais il y en a bictus. assez peu en fait. Il n'y en a pas beaucoup en général. Mais quand il y en a associé au chapitre, eh ben, je, vous, je vous les montrerai. Donc, nous avons évité le buisson d'ortie euh, panette. Et voilà ce qui se passe. Vous vous hâtez le long du chemin tout en surveillant le ciel au-dessus de vous. Vous savez que ce sentier mène au bois des brumes. C'est là que s'est installée, depuis presque 50 ans, une famille qui fait le commerce du charbon de bois. J'espère qu'ils ont un sabre. Hein. Les membres de la famille vivent dans des huttes bâties en cercle au milieu d'une clairière. Vingt minutes plus tard, vous parvenez à la lisière de cette clairière. Les huttes, contrairement à l'habitude, paraissent étrangement calmes. On ne voit plus de traces de la fumée qui envahit d'ordinaire les environs. C'est cette fumée qui a donné à l'endroit le nom de bois des brumes, et son absence vous semble tout à fait insolite. Si vous maîtrisez la discipline caille de l'orientation, quand je vous dis que l'orientation. Rendez-vous au Intel. Dans le cas contraire, vous dégainez votre. Enfin, bref. On a orientation. Waouh, waouh, waouh. Moi, sens... je sens bien, cette aventure-là. Vas-y, euh, vas-y, vas-y. Je te vas je... vas sens, vas vas sens motivé. Alors, vos talents de seigneur Kai vous permettent de déceler des traces de Glork. De Glork. De Glock. De glor... de glor... de glor... J'ai envie de dire Glork. Tout autour de la clairière. Mais ce sont des Glork, non Non, c'est des Glock dans celui-ci. Ah, Mathilde, ils ont oui, changé. Ce sont des, des Glock. Ouais. Les empreintes sont Comme fraîches. Les empreintes sont fraîches. Elles sont fraîches. Et il ne fait aucun doute que ces cruels serviteurs des maîtres des ténèbres se trouvent là où il y a se trouvaient là il y a moins de deux heures. Si vous décidez d'inspecter la maison, rendez-vous au troisième Si vous préférez éviter la clairière, rendez-vous au papa pa, pa, pa. Moi, je visite très bien la maison. C'est bien sûr. Donc soit nous allons faire oui. un ah, nouveau attends, vote. Attends. Les gens, les gens, ils sont comme nous, ils ont envie d'aventure. Soit donc. nous visitons la maison. Soit on se barre. Soit on se barre. <laughs> <laughs> Allez-y les trolls, si vous voulez, on peut se barrer. Moi je vote maison. Donc nouveau vote. Je rappelle le point d'exclamation, vote, hmm. espace, et puis le mot Maison, 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 maison Maison. maison. Vous, avez bien, vous avez bien raison, maison. <laughs> et là on va mourir, bouffé par une sorcière. Je, je vais vérifier que, que le. Tout ait est bien, est bien été partagé sur le Facebook de Zone Geek. Ah, ouais, c'est bon, c'est partagé. Mmh. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Bon, allez, il n'y a que maison. Ah, s'il y a un parti. En fait, il y a un moment, il faudrait à chaque fois qu'on lance un D30. Et si on fait 1 sur le bon, D30, je... on fait l'inverse. Je pense qu'il n'y a aucun doute, <laughs> c'est maison. Allez, rendez-vous à la maison. Mais attends, je te le refourgue. Ok. Euh, donc, c'est 305. Voilà. Et moi, je vais me chercher une bière pendant ce temps-là. Ça marche. Ah, je, je, je peux déjà entrevoir qu'on va trouver quelque chose. Par la porte ouverte de la première hutte, vous apercevez le corps d'un homme étendu face contre terre, pendant qu'il dort. Euh, sur, le pied, sur le sol de pierre brute, c'est bon pour le dos. Euh, on l'a assassiné à l'aide d'une lance, sans aucun doute. Tous les meubles et les objets que contenait la hutte ont été détruits. Il ne reste rien d'intact. Merde. Ce forfait porte la marque des Glocks. Euh, leur goût du vandalisme est en effet bien connu. En entrant dans les autres huttes, vous contemplez un spectacle semblable de meurtre et de destruction. Dans la dernière hutte, vous découvrez une lance Glock, ce qui confirme vos soupçons. Vous pouvez la garder si vous le désirez en l'inscrivant sur, sur votre feuille d'aventure. Plus décidé que jamais à mener à bien votre mission, poursuivez votre chemin le long du sentier. Donc nous avons gagné une lance. Ce qui n'est toujours pas... On a une non, hache, un bâton, une lance, et tout ça ne sert toujours à rien. La lance est aussi une arme de ma boule. Oui, Moi, je... Elle a juste les mêmes carac. Je dis, vive la lance. De manière générale, de manière générale, les épées boucliers... Oui. Et alors, d'un autre côté, lance, c'est le mieux. C'est le mieux, c'est le must. Et alors, lance bouclier, quand t'as d'autres potes qui sont avec toi, ça c'est parfait. Alors. Hop. Eh bien, c'était le bon choix, en effet, nous avons trouvé une lance. Et je viens de fermer le bouquin. Ah, bah bravo Non, euh, c'est bon. nous allons continuer au 105. il n'y avait même pas de méchants Non, ah. nous avons trouvé que des corps. Oh. Des gens massacrés par les glocs. Ils seront vengés Exactement. Un peu plus loin, vous apercevez un corbeau, d'un noir de jet, perché sur la branche d'un vieux chêne. Si vous maîtrisez la discipline K et de la communication animale, yeah. cette aventure elle commence t in, t in, t in. parfaitement pour nous. Vous pouvez appeler cet oiseau et vous, en vous rendant au oh, 298. <laughs> <Okay>. René René <laughs> Tu vas faire la, la voix de l'oiseau <laughs> Je fais super bien les, les, les corbeaux. L'oiseau tourne lentement la tête vers vous et se met à vous injurier. Ah, fils de pute, enculé, <laughs> <oculaire, rire> nique ta mère Ça commence bien. Les autres t'es mort <laughs> <laughs> C'est un oiseau gitan. <laughs> Un instant plus tard, il s'envole au-dessus des arbres et disparaît bientôt. Ce que vous, ce que vous venez d'entendre ne vous laisse plus aucun doute. Le corbeau est un éclaireur au service du maître des ténèbres. Merde. Et il ne va sans doute pas tarder à les informer de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous souhaitez poursuivre votre chemin le long du même sentier, rendez-vous au 121. Si vous préférez quitter ce sentier et vous enfoncer dans la forêt, rendez-vous au 38. Je pense que c'est une bonne occasion de se planquer dans la forêt. Comme un bon, c'est toi qui choisis, hein, maintenant, c'est un peu toi le... Mais c'est pas moi qui choisis, ce sont les gens Oui, oui, tout à fait, mais bon, tu choisis pour nous deux. Donc... En même temps, le corbeau, il nous a fait un peu... la calotte, t'es mort Donc... Euh... Et donc, hop, nouveau vote, soit nous continuons notre chemin, mais je vous rappelle que maintenant, les, les, les glocks savent où nous sommes, soit on se planque dans la forêt. Donc moi, je dis... Forêt. Vote forêt. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Ah, oh, pardon. Allez. La forêt, la forêt. Et coup de lance dans la gueule du corbeau était une bonne idée aussi. Si seulement, si seulement on avait pu. C'est vrai qu'on a une lance, on aurait pu la lancer sur le corbeau pendant qu'il nous injuriait. Eh bien, eh bien les gens vous êtes, <laughs> les gens vous êtes bien. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Je pensais qu'on serait trollé à mort et que vous essayeriez de tuer notre personnage le plus vite possible, mais en fait non. Non, allez, le but c'est quand même de finir ce, ce bouquin. Eh Donc je pense qu'il n'y a aucun doute, nous dirigeons vers la forêt. Euh, forêt. 38. huit Tu continues Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. va à la forêt ouais. quoi. Tant qu'on peut éviter un peu les combats, c'est pas plus mal. Pendant plus d'une demi-heure, vous poursuivez votre chemin dans la forêt, parmi les fougères, les feuillages touffus, des arbres et des buissons et des capotes usagées. Bientôt, vous parvenez au bord d'un ruisseau où vous vous arrêtez quelques instants pour vous laver le visage et boire un peu d'eau. Lorsque vous vous sentez rafraîchi, vous traversez le ruisseau et vous reprenez votre marche. Quelques instants plus tard, vous entendez une odeur de bois brûlé qui semble venir du nord. Vous entendez une odeur de bois brûlé euh, Vous sentez. <laughs> vous entendez... Genre, il est une tellement oh bonne ouïe C'est l'essence caille, ça marche pas comme, comme tout le monde. Euh, si vous souhaitez aller voir d'où vient cette odeur, Rendez-vous au Shnebaha et si vous préférez ne pas y prêter attention, rendez-vous au Tethonet. Alors, bon, est-ce qu'on va voir là où ça crame ou pas Moi j'ai comme l'impression qu'ils nous ont mis bien en confiance alors, là avec tous leurs trucs. Je vais taper odeur pour suivre l'odeur ou ignorer. Ok, j'aurais mis à mais... Mais c'est plus facile pour les... Un seul mot, c'est plus facile pour les gens qui écrivraient éventuellement sur Qui leur petit écriverait. Qui écriverait... éventuellement sur leur petit téléphone. Hmm. Donc nous avons un nouveau vote, soit nous euh... soit nous suivons l'odeur, soit nous ignorons. Ignorer odeur ou ignorer. Vote capote usagé. bonne réponse. <laughs> Parfait. Ah, 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 ah. Ça euh, non, 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 non. Je crois que nous allons... Là, hein, quand Ragnar, il sent... On sang, est curieux. Hein. Hein. Quand Ragnar sent, il sent, il sent. C'est très difficile d'ignorer dans ce genre d'aventure, de, de se ouais. dire, ok, on va manquer quelque chose. Ragnar, il sent des trucs, il y va. Quand il voit une maison pillée, il ramasse... En fait, on est en train de jouer Jacouille la fripouille. Ok, bah, on va suivre l'odeur. Mais je, je vous dis simplement, c'est un réflexe de jeu vidéo, ça. Mmh. Se dire... Ça ne fait jamais de mal d'aller à un endroit, mais dans les livres dont vous êtes le héros, c'est pas toujours le cas. Aller au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut très largement nous coûter la vie. Ah, oh, mais oui. Très facilement. Alors, vous écartez prudemment le feuillage, et une vision d'horreur s'offre aussitôt à vous. Un peu plus loin, dans une petite clairière, trois glocks ont attaché un homme à un poteau. Ils sont en train de mettre le feu à un tas de broussailles disposées à ses pieds. Sa tunique est celle d'un garde-frontière. Il appartient au régiment chargé de surveiller les frontières occidentales du royaume en bordure des monts d'Unkrag. L'homme a reçu une sévère, une sévère correction et il est à demi conscient. Si vous maîtrisez la discipline Caille de la chasse, on l'a. Hein mais comment il est OP notre perso Rendez-vous euh, au Duncrag. Ok. Eh ben. Mais nous avons la chasse, donc on va, on va l'utiliser. Oh Parce que si on doit en combattre trois, c'est un là. petit peu chaud quand même. Alors on essaie de se retrouver dans les pages des. Ouais, j'arrache les pages. Bon, alors écoutez ça, les gens, écoutez ça. Mettant en pratique vos talents de chasseur, vous frayez lentement un passage à travers l'épaisse végétation sans vous faire repérer. Moins d'une minute plus tard. Vous vous trouvez derrière le poteau auquel le soldat est attaché. Le bois a été allumé à ses pieds et un nuage de fumée commence déjà à envelopper le malheureux. Vous empoignez alors votre hache et vous vous ruez en avant en profitant de la fumée pour vous yeah. dissimuler au regard. D'un seul coup de hache, vous coupez la corde qui retient le soldat prisonnier et vous l'emmenez aussitôt à l'abri dans la forêt. Tandis que vous avancez, parmi les arbres, les glocks se mettent à pousser des cris. « Oui, oui, oui mmh. !» Ils viennent de s'apercevoir que leur victime s'est littéralement volatilisée dans un nuage de fumée. Et on les a bien enculés, mais ces crétins C'était bien joué. Vive la chasse. Mais vive la chasse. On a toutes les meilleures compétences. Tiens, on est à 117. Je te repasse le truc. Ça marche. Moi, je dis, là, pour l'instant, c'est pas de l'aventure, c'est du tourisme. C'est vrai que pour moment il n'y a pas de baston, mais, mmh. honnêtement, récupérer des points de vie après une mauvaise baston, c'est très difficile. C'est-à-dire, nous sommes... Nous avons une habileté étonnante. L'homme est grièvement blessé et sa mort est proche. Merde. Si vous maîtrisez la discipline de la guérison. <laughs> si on maîtrise la guérison. <laughs> Pardon. Vous pouvez soulager quelque y... peu la douleur de ses plaies, mais il est si mal en point que, seul vos, talents su... que vos seuls talents ne seront pas à le tirer d'affaire. Donc en fait, ça ne, à... ça ne servira à rien de le guérir. Bravo, c'est les points de mana utilisés pour rien. Bientôt l'homme perd vos connaissances. Vous essayez alors de l'installer aussi confortablement que possible en l'allongeant sous un grand chêne, puis vous repartez en direction du nord-est en vous frayant un chemin dans la forêt touffue. À quoi ça servait Attends, il est, le mec est retombé dans les pommes et il a essayé de l'aider en rentrant dans la forêt touffue. En gros, on n'a rien il, fait. Là. Il, a, il, a fi, il lui a fait un fist ou un truc comme ça. Ok, je sais pas. Nous n'avons nous rien fait. C'était nul comme chapitre. Merci de me donner le chapitre nul. Non mais vas-y, bah continue. Alors, nous allons continuer au trois. On a aucun choix, là. 330. « Vaincu par la fatigue, vous vous arrêtez bientôt devant un arbre mort sur lequel vous vous asseyez pour prendre quelques repos. Vous remarquez alors coincé sous le tronc un gros paquet ficelé comme un baluchon. » Oh, j'aime bien ça. « Si vous souhaitez examiner le contenu de ce paquet, rendez-vous au 315. Si vous préférez le laisser où il est et poursuivre votre chemin, dès que vous vous sentirez un peu reposé, rendez-vous au 213. » Écoutez, est-ce que j'ai seulement besoin de faire le vote Est-ce qu'il y a vraiment des si gens qui vont non, ignorer mais... le paquet Mais fais-le, fais-le. Okay. Si ça se trouve, c'est un paquet empoisonné, euh... ou alors un paquet plein de hackic, hein, comme dit je sais pas qui. Fouiller ou ignorer. Honnêtement, ça peut être très mauvais si jamais on fouille. Si ça se trouve, on va être empoisonné, mordu par un serpent ou un truc comme ça, mais qui pourrait se retenir de fouiller <laughs> Oui au fait, et le, le, j'ai pas suivi le soldat, il lui arrivait quoi voilà. Il était mourant, on l'a laissé là et on s'est barré. Donc, moralité, la rencontre n'aura servi vraiment à rien. À mon avis, c'est juste qu'elle aurait pu se passer mal. Mais oui, là, ça, ça, a juste été, ça a juste été neutre. Ouais, voilà. Alors je vais fermer le pool dans deux secondes. Attention. Close pool, refresh. Et nous allons fouiller. Sans grande surprise. Ah bah attends ah bah quelle originalité les gens. Alors. Vous me direz, hein. ça se trouve il y a un il y, a un glaif, euh, il y a une, une arme là-dedans. S'il y avait un glaive, ce serait cool. Enveloppé dans, un, dans des vêtements de femme, ok, équipement, vêtements de femme. Vous trouvez un petit sac de velours qui contient six pièces d'or et un morceau de savon parfumé. Vous pouvez prendre le savon et l'or en les inscrivant sur votre feuille d'aventure, ok. Ça, ça va mais alors regardez-moi ça, regardez-moi ça les gens. Hein, ça donne pas envie? Des thunes et du savon. Mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour commencer une carrière dans la politique. Il n'y a pas de savon parfumé. Et combien de pièces d'or 6 euh, hein. pièces d'or, oui. Okay. Qui se rajoutent à notre pécule déjà Pff, extraordinaire. Conséquent. Oui. Nous retrouvons à 14 pièces d'or. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Hein. Mais attends, mais c'est une balade de santé cette aventure. Euh, ah, c'est moi qui continue Vas-y, je t'en prie. Allez, hop, 213. Bon ça se passe bien Même si on n'a toujours pas de sabre <coughs> On veut un sabre. Bon, alors, le temps passe, le temps passe. Il y a bien deux heures à présent que vous vous frayez un chemin dans la forêt. Et votre crainte de vous être perdu semble bel et bien justifiée. Parce que vous êtes un gros boulet. Euh, mais vous n'avez décelé aucune trace témoignant de la présence de l'ennemi dans cette partie de la forêt. Seul le cri d'un Krahan au loin est venu. Corée Corée est venu parfois troubler la quiétude qui règne aux alentours. Cependant, en présence, euh, pardon. cependant, en descendant le flanc rocheux d'une petite colline, vous remarquez soudain quelque chose d'insolite dans l'enchevêtrement des sous-bois qui s'étendent devant vous. Rendez-vous au 331. Euh... Il est peut-être dans les pages déchirées. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est mmh. tout à la fin ici. Alors 331. Vous venez d'apercevoir l'entrée d'un tunnel qui disparaît dans les profondeurs de la colline. L'ouverture du boyau est entourée de ronces et de racines. Elle fait environ 2 mètres de haut et 3 de large. En vous approchant, vous sentez une légère brise souffler de ce vide d'un noir d'encre. Euh, si l'autre extrémité du tunnel aboutit au flanc opposé de la colline, vous pourriez vous épargner de longues heures d'escalade en l'empruntant. Mais vous prendriez alors le risque de vous, explo... de vous exposer à quelques dangers inconnus. Si vous souhaitez entrer dans le tunnel, rendez-vous au PNE. Et si vous préférez continuer à grimper comme un con, allez au Schnabeka. Intéressant. Curieux. Donc, alors soit nous allons prendre un tunnel, soit nous allons grimper. Regardez, regardez, regardez le tunnel. Tunnel. Hop. Enfin... Bon, en même temps, les gens. Hein on mais... est des petits grimpeurs, hein. Là, là, je serais On n'a pas li... encore perdu un point de vie. Et je, on je va, va sens... avoir peur de, du truc qui nous attend dans la grotte. Je ne sens pas ah. bien le tunnel, mais on. Oh. Je ne sais pas. Oui, oui, la Moria, la Moria. <laughs> tunnel, tunnel, tunnel. 100% pour le tunnel, les amis. Allons grimper. Vraiment, Il faudrait faire un truc spécial si jamais les gens votent 100% le même truc. Eh bien, on, on regagne 5 points de vie. Non, je sais, c'est triché. Le petit tunnel sombre. Mmh. Nous allons rentrer dans ce petit tunnel sombre. Très bien connu. Je... Ok. Euh, ok, Dans 5 secondes, je vais clôturer le vote. Attention. Préparez-vous. Ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air vraiment très en direct, le chat et ce qui se passe. D'habitude, il y a toujours un décalage d'environ 30 mmh. secondes, une minute, mais là, c'est c'est bien. Non et t'as raison un hein, black sheep c'est vrai que c'est toujours la merde les tunnels dans ce putain de jeu je clôture mais euh, bon et voilà nous avons ah c'est moins clair que ce que je pensais mais nous allons rentrer dans le tunnel oui oh, on va aller se faire tuer par le troll qui vit là dedans you doomed doom oh il y a une illustration Sérieux ok alors oh ça va chier je vous explique le bazar le tunnel est sombre bah tiens il y fait beaucoup plus froid qu'au dehors. Vous avancez prudemment en tâtonnant les parois et au bout de, chier. de 3 minutes, passé dans une obscurité totale, vous sentez soudain une odeur répugnante de viande pourrie. Si vous disposez d'une torche ou d'un briquet d'Amadou, vous pourrez vous en servir pour vous éclairer. Mais comme vous êtes un clampin, vous n'en avez pas On et vous pas. pouvez aller vous faire foutre. Soudain, une lourde masse tombe du plafond du tunnel et atterrit sur votre dos. Sous le choc, vos jambes fléchissent et vous vous retrouvez à genoux. C'est un gluâtre des profondeurs qui vient de vous attaquer en essayant de vous étrangler de ses longs tentacules visqueux. Et voici le gluâtre des profondeurs. Il est moche, hein? Et donc le gluâtre des profondeurs est une créature chier, qui a une habileté de 17 et une 17. endurance de 7. Et comme nous, nous a, et comme nous n'avons pas de quoi nous éclairer, euh, on doit baisser notre habileté de 3 points. Ça va chier. Euh, J'ai déjà dit Oui. Il est insensible à la puissance psychique et à la communication animale. Oui. Ben voilà, Gilles, ça n'a plus le buter. fais une musique de combat. Tintin, 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 euh, tintin. Non, euh... Tôt.

Si vous me dites que vous n'avez pas de briquet, c'est décidé, je me barre. Eh ben oui, c'est une très très bonne idée. Point d'habilité de votre adversaire. Ok, donc ça nous donne le quotient d'attaque. Et ensuite, on lance le dé. Alors, nous, avons, nous, nous avons plus que 16 en, en, en habilité, parce que nous sommes dans le noir. Et lui, il a 17, donc on se retrouve à moins 1 sur et la table. Ouais, ouais, ouais. Et nous allons... Pain, 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 pain. Il faut faire pour bien faire, il faut faire beaucoup. Ça fait un peu euh, pub pour du shampoing, ta musique. Je prends soin de mes cheveux. Non Deux. Alors, je vais noter ici. Oh là là là, on va se manger plein la gueule, mon vieux, avec ton dos. Alors, euh, nous perdons 5 points d'endurance sur ce coup-là. C'est moi qui vais gérer le dé après. Hein. Alors, c'est qu'on se retrouve à 18. Et l'ennemi en perd trois. Euh, il avait 7, donc il se retrouve à 4. Il relance le dé. C'est de faire beaucoup. Il euh, y a quelqu'un qui dit, mais on a un bâton. Oui. Il pas, il n'a pas un pouvoir spécial, le bâton. Non, c'est juste, je crois que quand on, on combat sans armes, si je me souviens bien, si on, si on combat sans armes, euh, on a des malus. Ouais, donc, donc on frite à l'âche. Bon, allez, là je vais vous faire un putain de score de ma boule. 7. 7, je crois que ça va être bon. Mais je vérifie so okay. 7 Ok, 7. Sauf so 7 euh, on perd quand même 2 points de vie, mais lui est mort. <laughs> on se retrouve quand même à 16 points de vie sur nos 23. Mais ça pas va. pas très bon. Ragnar s'est un peu fait bouf bouffer la couenne du dos, c'est pas grave. Euh, je vérifie juste comment on, on marche le... les armes. Pour être sûr. Ah voilà. 2 points. Non. Non. Mmh. Qu'est-ce que tu cherches toi Point d'audience, point d'habilité. Non, je crois que c'est tout en fait. En fait Cumuler les armes ne sert donc à rien. Si quelqu'un sait. En enfin, fait, on a combattu à la hache ou au bâton, peu importe. On n'a on a pas la maîtrise du bâton, malheureusement. Donc, je vais changer ici. Alors les gens qui disent qu'ils n'ont pas vu mon set, eh ben je suis désolé, mais je vous jure sur l'honneur de tous mes anciens personnages de jeu de rôle que c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fait un set. Donc nous retrouvons à 16 sur vingt. 20... Merde. Ah bah bravo. 16 points de vie sur 23. trois All right. Euh, c'est ça. Hein. On s'est pris 5 et 2, Ouais. Ça fait mal quand même, ça, ça fait mmh. mal. C'est pour ça que les, les, les combats sont très difficiles dans ce non, jeu. Non, mais là, l'aventure est déjà presque finie, de toute façon. Oh, je ne pense pas. <laughs> Ragnar, le King Tunnel, on a failli assister à un vol de bière en direct. On gagne en XP. On ne gagne pas d'XP dans ce jeu. Mais non. C'est pour ça. Alors, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 319. <coughs> J'espère qu'il aura de l'équipement. S'il avait un sabre, ce serait cool. Ouais, à fond. La gluante créature laisse échapper un long cri d'agonie, <rit> en s'écroulant sur le sol. Vous êtes proche de la panique et vous vous hâtez de vous relever en arrachant des, mâcho des mâchoires du monstre ce que vous pensez être votre ceinture. Vous apercevez une lumière au loin et vous courez à toutes jambes dans cette direction. Lorsqu'enfin vous retombez à l'air libre, vous vous laissez tomber à terre parmi les feuilles mortes et vous essayez de reprendre votre souffle en haletant désespérément. <laughs> oui, <rire> non, je disais euh, merci pour le cri d'agonie. J'ai une longue expérience de cri d'agonie. Euh, dès que vous pouvez à nouveau respirer normalement, vous vous asseyez et vous remarquez alors que votre ceinture est toujours nouée autour de votre taille. Finalement, vous ne l'aviez pas perdue dans la bagarre. Ce que vous avez arraché aux mâchoires de la créature est en fait une lanière de cuir à laquelle sont attachés une bourse et un poignard dans son fourreau. Donc on est en train de choper toutes les armes. On a, en fait, on, a, la... on est en train de choper toutes les armes du jeu <laughs> sauf le glaive dans lequel on a notre poignard sabre. <laughs> euh, en ouvrant la bourse, vous trouvez 20 pièces d'or. waouh Vous pouvez prendre les pièces d'or et le poignard si vous le désirez. Faites les modifications nécessaires. Vous sentez mieux à présent. Vous ramassez vos affaires, poursuivez votre route. Et tu peux continuer au 157 pendant que je rajoute. Okay. Ce... Moi je dis, elle se passe bien cette aventure. Ça se passe plutôt bien, même si on a perdu quelques points d'endurance. Donc on se retrouve à 34 ici. 157, c'est hein, sûr. Hein. Et nous avons un poignard. Je, je trouve quand même que notre meilleur euh, objet est le savon parfumé. Hum. Alors, Gilles, euh... toi qui as un beau chapeau, mets un bouton sur le dos de ton prochain. Ah oui. Bah, si vous voulez, euh, si vous regardez en bas, il y a un bouton pour, le... pour les dons Tipeee. Au cas où. Euh... cri digne Marion <laughs> Cotillard. Oui, la, la mort de Marion Cotillard. <laughs> Et toujours pas de sabre, en effet. <laughs> J'oublie que je suis légèrement synchronisé avec la vidéo, désolé pour les retards, pour les images du coup. Euh... Tu partages les images je, je ne sais pas. Mais il si y, on y les a quelqu'un qui partage les images, je Mais pense. C est, c est, c est, Je crois que c'est lui qui, qui travaille pour, euh... pour l'édition. Mmh. David, mmh. oui, c'est toi. Catching un... de la richesse. C'est pas un sabre C'est pas un sabre <laughs> C'est pas un sabre mais ça dit si jamais on rajoute le poignard au bout du bâton, est-ce que ça peut nous faire deux lances Ah avec un peu, mais c'est parce qu'on n'a pas la compétence crafting. Oh non. putain, j'ai déconné. T'as pas perdu Non non, tout va bien, tout va bien. Euh, ok. Eh bien, non, je voulais juste dire ici où on était parce que tu m'avais dit 157. Hein, sept, ouais. Ok. C'est reparti. La forêt s'éclaircit, et vous apercevez bientôt une route un peu plus loin. Une véritable foule occupe toute la largeur de la chaussée, et des hommes et des femmes tirent des carrioles remplies d'objets, de meubles, de vêtements, de capotes usagés. Ce sont des réfugiés qui fuient le nord du royaume. Si vous souhaitez vous joindre à ces réfugiés, qui pourront peut-être vous donner des informations sur ce qui se passe vers le nord, rendez-vous au Fuméha. Ah, si vous préférez poursuivre votre route vers le sud, et ignorer ces pauvres locteux, rendez-vous au... Donc, à nouveau, nous allons avoir... Euh, faire un truc ou ne pas faire le truc. Parler <laughs> ou ignorer. Honorer. Ignorer. Tu veux ignorer, les gens C'est reparti pour un vote. Votez, mais votez bien. Je sens qu'ils vont nous, euh, nous casser la gueule. Bon, ils sont gentils, les gens. C'est des ch'tis réfugiés mm. On a quand même perdu pas mal de points de vie. Hein. Sur un combat quoi. Sur un combat. Mais il était méchant. Il était vraiment méchant. En plus on n'avait ouais. pas de lumière et tout. Ah ah ah. Il y a des ignorés dans le tas. Je ne sais pas là. J'hésite vraiment. Je laisse encore quelques secondes. pam pam. Ah, à mon avis. C'est vrai qu'on a envie de mettre la musique de Conan là. Pom, 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 pom. On va pom, la faire à la bouche. Pom, 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 pom. Je vais clôturer le vote. Et. Clic. Clic. Et le résultat est. est hein, Parler. Ouais, C'est vrai ouais. qu'il est toujours plus agréable d'agir que de ne pas agir. Mais parfois, ça peut être mortel. Bah, attendez, attendez. Franchement, hein, le jour où on fait des sorcelleries, là, vous allez voir ce que ça en Putain, coûte. Les sorcelleries. De faire le truc qu'il faut pas. Les sorcelleries, ils sont super durs. Et oh, si jamais. Alors, enfin, voilà. attention. Il y a une illustration. Nyeh, on se Bon, un brief. <laughs> certes. Tous ces gens semblent fatigués et affamés. Ils ont parcouru des dizaines de kilomètres pour fuir leur ville incendiée. Soudain, vous entendez en direction du nord de forts battements d'ailes. Des crânes Cachez-vous Hurlent des voix tout au long du chemin. En face de vous, un chariot transporte des enfants. Hein ah oui, en face de vous, un chariot transportant des enfants casse un essieu. Je croyais qu'il fallait casser les enfants. L'une des roues s'était coincée dans une ornière profonde. Les enfants, saisis de panique, se mettent à hurler. Ah non, papa Oh, j'adore, parfait. Si vous souhaitez aider ces enfants, rendez-vous. Au... <laughs> si vous préférez vous mettre à l'abri dans les arbres. <laughs> bon, alors, regardez, regardez bien ces enfants. Vous allez laisser ces enfants, hein Le destin de, se de ces faire enfants manger. est entre vos mains. Regardez, regardez la petite, la, la petite Gluta, hein La petite Gluta. Bon, je vais aller pisser le temps qu'ils nous disent de nous cacher dans les bois. Hein. C'est vous qui décidez. On peut ignorer la mort des enfants. Je ne dirai rien. Donc nous pouvons sauver, ou du moins ça devrait, être, ça devrait plutôt être tenté de sauver, ou ignorer à nouveau ceci. Et c'est vrai que euh, c'est une bonne question euh, qui est l'illustrateur de ce bouquin et donc euh, Gary Schalk, en effet, comme comme le dit euh, David. Euh, j'ai personnellement j'ai j'ai vraiment une une nostalgie pour les dessins de John Blanche qui par exemple a fait les dessins dans Sorcellerie entre autres parce qu'il faisait les dessins de la première édition de Warhammer Battle à laquelle j'ai joué et ça m'a vraiment marqué. Mais euh, alors N'oubliez pas de voter pour savoir si on va sauver ou ignorer. Sauver les enfants ou ignorer. Attention, je vais clôturer le vote. Et nous allons les ignorer <rire> Ignorer <rire> Ok, on sauve pas les enfants C'est parti donc, euh, les enfants aux chiottes. Euh. Donc 261. <laughs> Ça promet. Ils auraient, pu avoir un, ils auraient pu nous donner un sabre, ces enfants, on ne sait jamais. Ruisselant de sueur et le souffle court, vous vous écartez les feuillages sous lesquels vous vous êtes réfugiés et apercevez un crâne, oui en effet, qui vole au-dessus du chariot. Trois, trois gloques, <laughs> ou rectus diabolique, sautent du crâne et se laissent tomber par terre devant les chevaux effrayés. Ils s'avance alors vers les enfants sans défense en brandissant leur lance. Si vous souhaitez retourner vers le chariot pour porter secours aux enfants, rendez-vous au 208. <laughs> si vous préférez vous enfoncer dans en forêt, rendez-vous au 264. Donc vous avez une deuxième chance pour vous. Ragnar, il se barre, il se barre. Rien à branler. Il n'y a pas d'argent là-dedans, dans cette affaire. <laughs> Donc nous allons refaire le vote. <laughs> non, là, bon, écoutez les gens. Là, c'est style. Non, loup solitaire, il va pas faire ça. Est-ce que vous pensez vraiment que Ragnar, le loup solitaire, loup solitaire Donc, il va faire ça Vous pouvez re -voter. Hein Bon. Vous pouvez tout à fait demander de, de laisser les enfants mourir dans d'horribles souffrances. <laughs> Ragnar le pleutre, effectivement. Vous pouvez, vous, pour le moment, <laughs> votre décision est assez unanime. Disons ont deux tiers, un tiers. Alors, ouais. Ragnar le pison. Ouais, ouais, non. Voilà. Enfin, oh, ouais, non ok, alors, ouais, bon, non. je clôturais. Voilà. C'est un coup à faire que notre personnage va mourir. Il une dernière fois. Nous allons ignorer non, les non. ignorer les enfants. Bien sûr. Bien sûr. C'était la bonne solution. Ils étaient de toute façon foutus. <laughs> Ils, étaient... Ils avaient tous la leucémie. Ils allaient quand même mourir de la peste. ma bah à fond, laisse tomber. Donc, 264. Après, donc en fait, ils disent même pas ce qu aux Après avoir couru dans les bois comme un pleutre et vous êtes légèrement taché le, le pantalon en ayant fui. Oui. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, vous entendez les échos d'une bataille qui fait rage un peu plus loin vers l'ouest. Si vous souhaitez vous approcher de ce champ de bataille, rendez-vous au 94. Si vous préférez poursuivre votre chemin direction sud, rendez-vous au 6. Donc à nouveau, il va, on va voter bataille. Ou Ignorer. Tu devrais... Ignorer, tu devrais mettre pleutre. Il devrait y avoir ouais. oui. l'option pleutre. Peut-être. Je crois que oui, je vais faire ça. <laughs> je Donc... suis pas fier de l'intelligence collective. Ragnar aura du mal à dormir ce soir. <laughs> mais non, mais non. <rire> <rire> il s'en fout, il a guérison, il va se guérir mentalement. Voilà exactement. Il va se, se soigner mentalement en allant en pute avec tout l'argent qu'il a, qu a gardé. C'est vrai qu'on a beaucoup de thunes. À quoi servent tous ces enfants de toute façon Alors... Putain, ça ah, y est mon vieux. C'est relativement euh, ah, serré. Euh, oui, 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 c'est vrai. C vrai, c vrai. Je, je laisse encore quelques secondes si vous voulez voter pour bataille ou ignorer. En fait, va, vous avez maintenant voté tout le temps ignoré. Oui, non, non, mais je Genre me pas euh... à partir de quel moment on allait commencer à se faire troller. Il fallait Alors. une caravane d'enfants. Et le vote dit oui. bataille à 51%. Ouais, bataille à 51,2%. Donc okay. il reste encore un tout petit peu d'honneur à, à Ragnar, mais il euh, a une, la, la, la deuxième moitié de son être qui était prêt à se barrer. Ah, et il y a un dessin. Et ça va chier pour notre ça va chier pour nos... En fait, oh, c'était la bataille qu'il fallait pas faire. Mais bon. On, a... On aurait pu sauver les enfants et ignorer cette bataille, bordel. Je t'en prie. Euh, je quoi, c'est le 97, c'est ça Je vais préparer la prochaine table de combat. 97, oui. Alors, attention parce que ça chie. Hein. Un peu plus loin devant vous, une terrible bataille a lieu sur un pont de pierre. Le fracas des armes, les cris des combattants, les hennissements des chevaux retentissent en écho dans la forêt. Une silhouette familière. Les silhouettes familières se dessinent alors au beau milieu du pont, là où les corps, les corps à corps sont encore plus violents. Vous reconnaissez aussitôt le prince Pelagayo, le fils du roi. Il est en train de se battre avec un énorme gourgaze qui brandit une hache noire au-dessus de sa tête couverte d'écailles grisâtres. Or, un instant plus tard, le prince tombe de son cheval et s'écroule sur le pont, atteint d'une flèche qui lui a percé le flanc. Si vous souhaitez porter, vous portez au secours du prince Pelagayo. Rendez-vous au chnananana. Si vous préférez vous enfouir dans la forêt, telle un pleutre. Rendez-vous au 306. Je vous montre quand même l'image, hein, parce que là, ouais. c'est le moment de briller. Il va y avoir de la baston. Ça, c'est le le gourgaze. pas mais ça fait jamais le point ton, ton truc. Ça devrait. On va aller, mais trop près, ça marchera pas. Il hein. ah, okay. faut mettre à une bonne distance, reculer un petit peu. Voilà. Ah. Euh, alors, messieurs, je vais lancer ah. un vote. Ah. Et là, dites sérieusement. Le but est quand même de réussir la mission, je pense que ce serait bien de sauver le prince. Même bon, si on s'en prend plein la gueule. Moi, Mais... je vais faire la mauvaise conscience de Ragnar. <laughs> C'est beaucoup trop dangereux. Et puis le prince ne nous connaît même pas. <laughs> Alors. Bon, je vais taper prince parce que sauver... ça, ça <laughs> Ou pleutre. Prince de l'U. Prince... Oh Pleutre. Non. Le, le... C'est pas mal ça. Le prince et le pleutre. Ça va être un peu... Ça va être notre série... Euh... Alors, Alors le, nous, prince va... le, le prince ou le pleutre Le prince ou le pleutre Écoutez, les gens... Allez, on est quand même balèze. on a, on a 19 en habilité, c'est pas rien. Je pense que... Et on a encore des points de destin, hein. Ouais, moi, dans un jeu de rôle, je le laisserais mourir et je lui volerais son armure. Mais on pourra pas faire ça, ici. Non, on pourra pas. Ouh, là, je sens que ça va, ça va chier, ça va chier. Ah, un peu de courage. <laughs> allez, les pleutres Allez, les pleutres Plus de votre pleutre <laughs> On va mourir sinon Le monstre va nous manger <laughs> Attention, je vais bientôt stopper les votes. Enfin, je laisse encore quelques secondes parce qu'il y a un petit décalage entre mm. ce qu'on voit et ce que, ce que vous voyez. En fait, si ça se trouve quand je lance le vote, vous ne savez pas encore de quoi ça parle. Ah oui, oui. Et... Je vais clôturer. Hop. Clôturer. Et... On les va aller prince, friter l'homme allons... lézard géant. Ouais, ça va quand même chier pour notre gueule, il est balèze. Hein. Ok. 255. Et là. La créature qui vous fait face à présent est un gourgaze. Un de ces reptiliens monstrueux qui infestent les profondeurs. Putain, t'as vu ces caracs Je sais. Les profondeurs des marais de maa Mais non Leur nourriture préférée est la chair humaine. L'épée du prince. Repose à vos pieds. Vous pouvez la ramasser et vous en servir pour combattre si vous le désirez. Euh, mais on n'a pas épée. Ça change rien. Ouais. Le gourgaz s'apprête à vous frapper. Il vous faut l'affronter jusqu'à la mort. Il a 20 en habileté et 30 en endurance. Putain ouais. Et il est insensible à la puissance psychique. Donc, moralité, notre premier point de destin va partir bientôt. Oui. Bah euh, ben pour... non, on va peut-être avoir une chance de tous les diables. Qui sait donc, on, on se bat à nouveau sur la table des coups portés à moins 1. Et ce serait bien que l'on fasse que des 10. Ben oui. Oui, ou plus en tout cas. <laughs> J'adore le petit Isaac en train de pleurer. <laughs> Donc, 30 endurance. Il a ouais, 20 en habileté et 30 en endurance. Tain, nous, on a 19 en habileté et c'est énorme. On a fait pratiquement le maximum. Mmh. Et 16 en endurance. On, on part pas gagnant, là. Premier, j'ai 6. Ouais. Donc, euh, il perd 7 points de vie. Et on en perd 2. Euh, on en perd 2, deux, 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 deux. Il a 23 et nous sommes à 14. C'est legit. Deuxième. On, on continue à lancer, hein. moi je veux dun, rien avoir à dun. voir avec ça. 8, Yes 8. Donc il en perd 9, ce qui fait qu'il se retrouve à 14 points de vie. Tu vois Tu étais déjà en train de te chier chercher. On en dessus, perd 1, hein. donc nous n'avons plus que 13 points de vie. Bon, allez, allez continue oh. à faire des bons jets, hein, vieux. Bon jet, bon jet, bon jet, bon jet. 6 pour être pire 7 il se retrouve plus qu'à 7 points de vie et nous on en avons 11. Allez, allez. Bon jet, bon jet, bon jet, bon jet. yes. Euh, il est mort et nous sommes à 10 points de vie. Bon dans le cul Et eh ben voilà. Ah, combat épique. C'était épique. Va là <laughs> On a regardé, regardé Mad Max hier. Witness me Witness me Witness me Vie Aïe Vie Aïe Vie Aïe <laughs> Bon euh, On va ouais. regarder Mad Max Free Road hier. Euh... Ben le truc est mort. Je continue Je fais encore un petit chapitre Vas-y, là je te sens motivé. Okay. J'ai eu peur, j'ai lancé les dés, tu te rends compte euh, C'est La responsabilité... Vrai. Donc nous avons maintenant plus que... 10 points de vie. Mm. Alors Nix dit gloire et honneur. Et moi je rajoute force et fraîcheur Force et fraîcheur ah, On a un savon <laughs> euh, C'est vrai, on a un savon Force et fraîcheur. Force et fraîcheur <laughs> bon, moi je suis prêt. C'est bon Ouais. Le gourgasse géant est étendu à vos pieds. Ses compagnons sifflent de rage en vous lançant des regards furieux. Puis ils sautent du pont, comme une bande de cons qu'ils sont. Les tirs de flèches reprennent de plus belle, tandis que les soldats du prince forment autour de vous et de leur chef agonisant un mur de protection à l'aide de leurs boucliers. Le prince moribond vous regarde alors dans les yeux et prononce ces derniers mots Seigneur Kai il vous faut transmettre un message au roi, mon père. L'ennemi est trop puissant. Nous ne pouvons le contenir. C'est à Nord que se trouve notre salut. Sa Majesté doit envoyer chercher ce qui peut nous épargner la défaite. Mon père comprendra ce que je veux dire, parce que là, on ne comprend pas nous. Mmh. Prenez mon cheval yes. <laughs> et gagnez la capitale. Puissent les dieux vous accompagner au long de votre voyage. <laughs> Le cœur plein de tristesse, vous dites alors adieu au prince. <laughs> oui, c'est ça, je rajoute cheval dans l'équipement. <laughs> et puis vous enfourchez son, son étalon blanc, alors que vous vous lancez au galop en direction du sud, le long du chemin forestier. Derrière vous, l'ennemi repart à l'assaut du pont, et les échos d'une féroce bataille retentissent encore longtemps dans vos oreilles. Rendez-vous au 235. Là, on, on s'en est bien tiré. C'était la bonne décision, et le combat, t as, t as vu comment... on a risqué gros, mais ça valait le coup. Ouais, mais il faut quand même essayer d'avoir un minimum de points de vie pour le guerrier drakkar à la fin, si je me souviens bien. Point de destin, hein. je sais, c'est un peu moche. Va, je préférerais ne pas avoir les utiliser, mais on va pas recommencer depuis le début. Euh... Ok, tu, tu reprends, je continue Je, euh, je vais reprendre, je vais reprendre. 235. Okay. <laughs> Le cheval du prince est un magnifique animal, rapide et sûr. Il galope le long du sentier sinueux comme s'il s'agissait d'une route large et droite, et bientôt les échos de la bataille se dissipent derrière vous. Vous avez faim, il vous faut prendre un repas tandis que vous chochez l'étalon blanc, sinon vous perdez trois points d'endurance. Quelques kilomètres plus loin, le sentier aboutit à un croisement en forme de T. Euh, donc bon, déjà on va perdre notre repas, mais il me semble qu'on gagne alors des points. Ou alors, on en, ou alors on fait qu'en perdre. Sinon, Gilles, tu as raison. Hein. Si les dieux nous accompagnent, on n'a rien besoin de faire. Ils déchirent tout à notre place. Ils sont comme ça, les dieux. Hein. Euh... Ah, euh, une très bonne euh, idée. De, sais, il faut voter pour le nom du cheval. Euh, oui, c'est pas bête. Attends. Mais si vous, si vous avez choisi la, la discipline K et de la chasse, vous n'aurez pas à rayer un repas de votre liste d'équipements chaque fois que vous devez manger. Eh bien, alors, grâce à la chasse. Nous n'avons pas besoin d'utiliser une ration, nous chassons. Je dis on a vraiment les meilleures compétences pour, euh, pour la première aventure. Dis, on vote pour euh, le nom du cheval Euh on va pas voter, on va choisir nous deux. OK. Moi je vote pour euh, Michel Polnareff. Ça va c'est être... un cheval blanc. OK. <laughs> OK, c'est Polnareff. <laughs> Polnareff le cheval. Euh, quelques kilomètres plus loin, le sentier aboutit à un croisement en forme de T. Il y a là un panneau indicateur, mais il est illisible. Si Ciao, il... monsieur Gilles. Et euh, mais avant que j'aille de reste, vous maîtrisez la discipline K et de l'orientation. <laughs> C'est parfait. 254. Donc on, a, on avait un choix, mais on, est, on va utiliser or orientation. Mmh. Ah, est Goldo, le cheval, ça aurait été pas mal. <laughs> Votre sens et de l'orientation vous permet de distinguer plusieurs séries de traces qui partent du chemin de droite en direction du chemin de gauche. Ces traces ont été laissées par des loups de grande taille. Qui ne sont pas des wargs, non, parce qu'on n'avait pas le, les, les droits. Non, non, c'est des loups de grande taille. Ces animaux sont utilisés comme éclaireurs par les armées des maîtres des ténèbres. Ce sont des créatures malfaisantes et cruelles, souvent chauchées par les glocks. Euh, le chemin de gauche mène vers Holgard. Celui de droite vers Durncrag. Quelle direction souhaitez-vous prendre Donc. Euh, on doit aller à Holgark pour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à Durncrag déjà Holgark euh... c'est notre destination. Ben, regarde, a on, a, on, a, on a la carte Oui. Qu'est-ce qu'il y a à Durncrag C'est un petit village Je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait quelque chose à Durncrag. Durncrag Vous vous souvenez vous Oui, parce que. Oh. Euh, Holmgard, c'est la capitale, en effet, euh, et c'est là qu'on devait aller pour prévenir le roi. Il me semblait qu'il y avait quelque chose à Duncrack, mais je... Bon. Ah, euh, bah on peut essayer Duncrack, le... moi je me souviens plus de cette partie-là. On va vous donner le, le choix, hein, comme ça... Euh... Duncrack, c'est la frontière avec les Maîtres des Ténèbres, donc ça me semble pas une bonne idée. Mm. Merci, David. On veut pas aller vers Duncrack, Bien vu. <laughs> <laughs> ah bien... Mais cela dit, ce n'est pas nous qui choisissons. <laughs> Donc je vous rappelle que le, le bon choix c'est non, non, non. Alors non, s'il vous plaît ne nous, nous trollons pas trop parce que sinon on écoutez, va crever. Vous, vous êtes toutes ces petites pensées complètement dingues dans la tête de, du personnage que nous allons dorénavant appeler Ragnar le confus. <laughs> Il ne sait plus quelle est sa mission. <laughs> ah, beaucoup de guard. Il y a quelques trolls quand même. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe quand on va vers Dumkrag. Pas de bonnes choses à mon avis. Bah. Bon, je vais bientôt clôturer pour être sûr qu'il n'y a, <laughs> qu a pas un paquet de trolls <laughs> qui volent tout d'un coup. Et attention. Et je... clôture. Et nous allons aller vers... On va aller emmerder le roi. Hein. garde ok. Ok. Et comme ça, les gens. Et donc, c'est la gauche. Donc, nous allons aller au 32. <coughs> je fais encore ch un chapitre et puis je te le repasse. <coughs> vous avez parcouru environ 5 km à cheval. Lorsque vous apercevez à quelques distances la silhouette caractéristique de cinq grands loups maudits. Ça va chier. Des, glauques, des glauques les chevauchent et il semble se diriger vers une prairie située au bout du chemin. Soudain, l'un des glock s'écarte de ce compagnon et revient sur ses pas, lançant sa monture en direction de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous souhaitez vous cacher dans les sous-bois et laisser passer rendez-vous au 173, 176. Si vous préférez le combattre, rendez-vous au 340. On est mal, mais je vous rappelle qu'on va quand même utiliser le système de points de destin et à mon avis, il a des informations intéressantes. Mais on n'a pas beaucoup, de... on n'a plus beaucoup de points d'endurance, donc hésitation, combat, pas combat, pas combat, pas combat. C'est vous qui voyez. Les mecs, s'il vous plaît, faut être raisonnable. On a dépensé presque tous nos points là déjà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller se battre hmm Moi, je ne crois pas. Tout ça pour mourir dans son sang et son vomi Non. Soyons courageux. Soyons pleutres, pleutres jusqu'au bout, pleutres, 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 pleutres. Le choix <laughs> est entre vos mains. T'as mis quoi euh, Combattre ou pleutre Ou pleutre Ah, mais pleutre, il, il, a, il a une bonne. Euh... Les gens aiment bien pleutre. Et bien sûr, la pleutrise, c'est l'avenir, mon vieux. Mais c'est vrai que si on peut le réussir sans utiliser les points de, les points de destin, c'est pas plus mal. Mais ça dit, réfléchissez avant. N'oubliez pas que vous pouvez re-voter. Euh, mais alors, évidemment, ça efface le précédent en vote. Mais écoutez ceci ce sont des relativement petits. Enfin, ce sont des espèces de goblinoïdes, les glocks. Ils ont peut-être un sabre. Jilus, Ragnar, il a abandonné un chariot d'enfant au monstre. Il n'a plus <laughs> aucun honneur. C'est fini. <laughs> C'est son cri de naissance. C'est euh, Ragnar, j'emmerde les gosses qui vont crever. C'est vrai que si jamais, il, il, si jamais on est trop pleutre, je vais changer son nom en Ragnar le pleutre. <laughs> Alors, je vous laisse encore quelques secondes et je vais clôturer le vote. Et à mon avis, d'après ce que je vois, ça va être pleutre. Attention, je coupe. Euh. David dit Attends, qu'est-ce que tu veux dire par les PE de guérison On n'a pas de potion pour l'instant. On n'a euh... pas commencé avec une potion de guérison ou alors on sait qu'on a mal fait notre personnage. On a personnel. les pouvoirs de guérison. Ah oh oui, mais c'est vrai ça, on est bête. Les pouvoirs de guérison Ce qui disent, ceci. <coughs> si vous maîtrisez cette technique, vous pouvez rajouter un point d'endurance à votre total à chaque fois qu'il vous sera possible d'aller au bout d'un 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 paragraphe sans combattre un ennemi. Oh putain, on a la Régène, et tu n'y as pas pensé Donc ok, euh, je vous propose que, en gros, ça vaut bien... Ah, ça oui. vaut au moins 8 oui, points de vie. Bon, sorry, sorry. On, on s'est laissé beaucoup, On, on s'est laissé Merci en, beaucoup, David. En, 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 en La Régénération, on l'avait oublié. Euh, et donc, je vais relancer le vote par rapport à ça. Je vais nous remettre les points de vie et je vais relancer le vote parce que ça va peut-être influencer... ne ah, sais pas, on choix. a gagné combien de points de vie on... À mon avis, c'est plus, mais disons 8. Okay. Ça se va okay. Ouais, on va dire 8. Alors. Donc je vais nous mettre à 18. Merci beaucoup, David. Bon. Et je vais relancer le vote. Un reset. Bon, les mecs, s'il vous plaît. On a gagné un peu de points de vie, mais c'est pas pour ça qu'il faut jouer les... les chiens fous. Hein Et donc. Vous... C'est dangereux d'aller se battre. Vous pouvez re-voter. Alors que si on ouais, reste je, là, je, je, on, a je, je, déjà, on a déjà cette pièce d'or que pour ouvrir une belle petite boutique, hein, une fois que les, les maîtres des ténèbres auront euh, tout conquis, bah, euh, on fait avec eux, hein, on leur vend euh, des, des, des choses, hein. voilà. on fait ami-ami avec, euh, avec l'envahisseur, c'est comme ça que ça se passe, on va pas se battre quand même. Hein Donc voilà, on a plus de points de vie qu'avant, tenez-en compte pour combattre ou pleutre. Merci beaucoup David. Ah. Bien. Pleutre for life. <laughs> ah, J'adore. Combien êtes-vous encore 63, c'est pas mal. Mm -hmm. Alors, je vous laisse encore quelques secondes. Je suis d'accord. On veut un sabre. Ouais, oui. je suis d'accord pour faire un sabre avec leur colonne vertébrale. <laughs> Allez, je. Non, non, mais attends, les, les pleutres. Les pleutres restent quand même. Euh... Yo <laughs> Pleutre représente quoi! Pleutre représente! Et je clôture et nous allons voir ce que. Ce qui. Y a rien? Quoi? <coughs> euh, ok, on dirait. Ok, on va, on va refaire une troisième fois, désolé. Ah bah bravo! Ah bah elle est belle la Belgique là, ça nous fait un bel exemple de comment on utilise un, un site internet, merci Jélos! Je suis désolé, je me suis. En tabernacle! Oh. Okay. ok, ok, on refait. Donc, combattre ou pleutre, c'est. Désolé, c'est la troisième fois, c'est. Je... Je... Allez, les pleutres On va pleutrer Combattre Combattre on va, on va le buter On va le buter, c'est un, Glock, mmh. et son loup. Merde. Ouais, on va en chier. Tu vois, j'étais sûr que c'était euh, combattre qui allait gagner. Et puis là, paf, la pleutrise. Euh... Peut-être. En fait, on utilise la méthode George W. Bush. C'est-à-dire qu'on on perd, et on, on, <laughs> mais on ignore le vote perdant. Allez, hop. Je crois qu'on va bientôt pouvoir le. le faire. Ah, je crois que là c'est combattre, il va... Oh glory Pleutre for life <laughs> Mais attends, laisse, le... laisse les pleutres. Oh. Ok, là il y a une majorité de combats. Ah, là, 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 là. Zo... Ils vous... Il vous a eu à l'usure, les pleutres. <laughs> Mais la pleutrise ne meurt vraiment j... ne meurt jamais vraiment. Euh, 340. Tu vois, regarde, les pleutres, ils arrivent maintenant. Pleutre, pleutre. Eh bien il faut être plus courageux. Oh. On plottera une prochaine fois. Euh... Ok, c'est moi qui gère le... Je prends les notes du combat. Vous galopez à la rencontre du loup maudit et de son cavalier. Votre arme est prête à frapper. Le Glock vous voit et dégaine aussitôt son cimetière. Vous combattez le loup maudit et le Glock en considérant que c'est un seul et même adversaire. Ils ont 14 en habileté et 24 en endurance. Et on va les réduire en purée comme des petites salopes qui sont. Tiens, prends ça dans 7, pas mal. Bah nickel. Ah oui 7. attends. Ah oui, mais c'est là. Oui voilà. <laughs> euh, donc il a combien en habilité Il est 14 14. 24. Donc nous sommes à plus 5. Donc tu peux garder ça parce que je suis ici. Mmh. Et 7... Oh, pas pratique ça. On va le déchiqueter. Plus 5. Moins 12. Moins 12 points de vie pour l'ennemi. Donc il a perdu la moitié de ses points de vie et nous nous en perdons 0. Mmh. Lance le dé, je t'en prie, essaye de faire un bon score. Deux. Il est nul, il a fait 2! Yeah. Il a fait 2! Pleutre, 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 pleutre! Donc il perd 7 points de vie, il lui en reste 5, mais nous on en perd quand même 3, ce qui nous amène à 15 points de vie. Et tu as sa flèche ouais, mais... Par contre, euh, le chapitre précédent, oui. on n'a on pas fait de rencontre, donc il y en a un point de vie. Oui, oui, ok, ok. Aha. Faut faire compter ça. Tiens, tiens, tiens. Allez, on l'achève. Il n'a plus que 5 points de vie et je fais 8. Ouais, là, et il là, a... il, est, il est explosé. Sans problème, nous ne perdons pas plus de points de vie, donc nous nous retrouvons à 16. Tranquille, quoi. Tranquille. Je pense que ça valait le coup. Ouais, mais tranquille, quoi. Attends, 193. Je reprends le... Ça marche. Le schmorblux. Alors, la bête... Faire sur tomber le... Le, sa... le faire tomber sur le savant, c'était une bonne idée. <laughs> bah, je l'aurais euh, permis dans un jeu de rôle, mais bon. La bête sauvage et son cavalier sont étendus, reines morts, à vos pieds. Des pensées érotiques vous passent. Non mais non, c'est pas. Quoi ça. Vous remarquez alors un rouleau de parchemin glissé dans la ceinture du Glork. Yeah. Vous pouvez la prendre et, note... parchemin érotique. et noter sur votre feuille d'aventure dans la case objets spéciaux. qu'on oui, donc on a un parchemin roulé. Voilà. Le... Où est la case objets spéciaux euh... Il y a Un sac à dos. Je vais le mettre ici. Selon le cheval, le cheval, je vais quand même l'enlever pour le moment, il va pas dans le sac à dos. Et je mets quoi dans le, euh, le parchemin Un euh, parchemin roulé. Un rouleau de parchemin. De Glork. Maudit. Monté sur un, un warbus. De Glork. Objet spéciaux, c'est un autre emplacement. Mais en fait, les objets objet spéciaux, spéciaux indiquent... Indiquer deux pages plus loin. Ah, oui, non mais voilà, mais les, ob ah, les objets spéciaux, en gros, tu peux en avoir autant que tu veux, c'est les objets de quête, si je me souviens bien. Ah oui, en fait. Voilà, tu, tu les notes et c'est les trucs qui ouais, peuvent okay. survivre d'aventure en aventure. Euh, moi je dirais, tu les fous en dessous de repas et on n'en parle plus, quoi. Ouais, voilà, ok, ça marche. Bon. Mais là, mes chers amis, l'heure est grave. Et donc, quand l'heure est grave, je prends mon accent québécois. <coughs> Donc on a... Euh... Attends, merde, j'en étais où moi Bordel de foutre. Ah oui, ok. Donc on a ramassé le truc, mais... Les autres loups maudits précipitent dans votre direction le long du sentier. Si vous souhaitez les combattre, rendez-vous au 253. Si vous préférez vous enfuir dans la forêt comme un pleutre, rendez-vous au 126. Qu'est-ce qu'on va faire là ouais, Les autres arrivent. Oui, les autres arrivent. Ah, merde. Alors, est-ce qu'on les tue ou est-ce qu'on se fait tuer <laughs> <laughs> en tabernacle Alors nouvelle option Combattre Ou Pleutre C'est là qu'on va voir que, quelle est la, la teneur de troll Qu'il y a parmi nous Donc ouais ici ça va, ça va être Le prochain combat pourrait être chaud mais, euh, mais ça dit on a gagné encore un point de vie Oui oui c'est vrai Donc euh, j'avais mis qu'on était à 16 Maintenant on est à 17 Je, je vais noter ici pour le moment on va... Ouais ok on va... ok tranquille il y a beaucoup de pleutrerie, c'est bien, c'est bien. Je sais pas, moi là je, 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 je me sens... guerrier. Mais il faut, il faut être pleutre parfois, il faut être pleutre. Non, en fait. non, David, on fait attention à nos points de vie maintenant. On a fait Régène. On a fait le Régène, ouais. <laughs> Combattre, qu'est-ce que c'est Pleutre à vos jambes <rire> <rire> Nous allons f... En fait, on va l'appeler vent Ah, euh, oui, non, mais c'est... Ça, ça va être vent le barbare. Il n'a pas choisi son nom, c'est Ragnar, comme ses parents l'ont appelé. La team pleutre. <laughs> la team pleutre. Ah, là, là. Alors, tu es, tu es team Jacob ou team Edouard, juste team pleutre euh, Jacob, tu le sors d'où C'est Twilight. Ah, oui, 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 oui. Euh... Alors, je vais bientôt... Ça va pleutrer. On va voir si ça va pleutrer. Dans vais... la forêt ou dans blindé. Je vais clôturer, un blindé. clôturer le, le vote. Et, et, et ça nous dit... Ça pleutre. Pleutre à mort Ça pleutre, évidemment. Eh bien, je, je sens te... que nous n'allons pas le regretter. Je crois que vous avez raison. Euh, donc, euh, où est-ce que je... Ok. Si vous préférez vous enfuir dans la forêt. 126. Je peux Bien sûr. Hop, s'il te plaît. Vous chevauchez de plus en plus loin mmh. dans la forêt. Et dans votre fort intérieur, vous remerciez le prince de vous avoir donné un si bon cheval. Un cheval. Cheval Cheval Quoi que ce hein. <laughs> soit oui, pas du village. Euh, car bien que le sol soit entièrement recouvert d'un enchevêtrement de buissons et de racines, l'étalon blanc n'a jamais fait le moindre faux pas. Merci Polnareff. Mm -hmm. Bientôt les loups maudits sont loin derrière et vous et vous vous, vous, vous et votre che. Euh, regarde bien. Sont loin derrière vous et vous arrêtez votre cheval. La lumière commence à décliner. Il fait presque nuit à présent. Si vous souhaitez poursuivre votre chemin dans la même direction, rendez-vous 46. Si vous préférez aller à gauche, dans la direction parallèle au chemin que vous avez laissé derrière vous, rendez-vous au 143. Pourquoi est-ce qu'on changera, on changerait de chemin On est dans la bonne direction non, pour aller à la capitale. Il nous demande si on veut faire du hors-piste, en fait. Mais, aller à gauche, dans la direction parallèle au chemin que vous avez laissé loin derrière vous. Attends, si on regarde la carte, on se dirige mais vers on, où Regarde, la, la carte, c'est pas très compliqué. On fait, on fait, on fait un centimètre là. Ouais, Notre ouais. but, c'est entre le truc caille. Oui, non, non, mais ça nous amène genre à la tour de, tour de, de guet. La tour de guet. La tour de guet. À mon avis, c'est ça. On va aller à la tour de guet. Bon, moi, je dirais plutôt continuer, mais on ne sait jamais. Donc, vous faut votez. Voter. Il faut voter Continuer ou aller à gauche pour, comme ils le disent, dans la direction parallèle au chemin que vous avez laissé loin derrière vous. Donc, en fait, c'est la bonne direction je... Non, non, mais je pense qu'on est en train de faire, tu vois, ça. Et puis, en fait, ça nous... Les points cardinaux ne sont... Gauche n'est pas un point cardinal. Ah bon Ah, merde Donc, euh, je vous laisse voter. On continue ou on va à gauche Vote pleutre <laughs> Je sens que ça va pleutrer. Euh... Ça va pleutrer. Ça va rester, ça. Aïe, aïe, vous vous êtes vous êtes fort. Je suis, honnêtement, je suis content que vous soyez là. <laughs> bon. Mais là, il n'y a, a pas vraiment de pleutrerie. Hein. J'espère au moins terminer ce premier que... bouquin ce soir et euh, moi, je suis prêt à continuer jusqu'à. Pour moi, petites heures. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a congé demain. C'est ouais, lundi de Pâques pour tout le monde. Donc, mais euh, le, le vrai choix pleutre aurait été de rester sur la route, je pense. Mais bon. Alors. Je vous laisse encore 3 secondes. 1, 2, 3. <coughs> Et nous disons. gauche. Ah, on va dans les bois. Ah, bah bravo, les gens. Ah 43. Ah bah. Bon, j'ai besoin d'une autre bière. Et eh, t'as encore de la bière, toi Non. Eh bah, j'achète de la bière. Quoi, tu sors Bah, euh, non, non, je. Vais au, ah, au, oui. au frigo. Ça marche. Vous sortez bientôt de la forêt pour arriver sur une grande route, celle qui relie le, le port de Torrent à la capitale. Vous lancez votre cheval au galop. Si tout va bien, vous devriez avoir atteint Holmgard euh, dans la matinée. Rendez-vous au 149. On s'en sort pas si mal hein, là. 149. Tandis que vous parcourez la grande route à cheval, la lumière du jour diminue de plus en plus. Bientôt, il fera complètement nuit et vous ne pouvez plus voir les ennemis qui vous attendent dans l'ombre. Vous décidez donc de vous arrêter en lisière de la forêt et de vous cacher là jusqu'au matin. Vous pourrez par la même occasion prendre quelques repos. Vous vous aménagez une cachette sûre et vous vous y installez emmitouflé dans votre cape verte, Seigneur Kai. Donc, en gros, on a fait un petit... Donc on est dans la bonne direction. Ok. On, en fait, on est à l'endroit qui relie le port de... Quelque chose... De Torrent. Quoi En fait, on est sur le pont... Bon, euh, si vous voulez, je ne bouge, hein, ça ne changera pas grand-chose. Mais on est sur le pont euh, là. On est entre les deux. Ouais, on n'a rien fait comme chemin, quoi. Non. Mais on zigzague aussi. On est pleutre. Oui, on zigzague parce qu'on parce qu'on pleutrise, mais la pleutrise c'est c'est une manière de voir les choses à long terme. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on fait on fait un sommet sans rêve. dodo 256. Vous êtes réveillés par des crânes qui poussent leurs cris sinistres dans le ciel bleu du matin. <tousse> qui ne sont pas du tout les, euh, les... Je... Non, les... les montures des... Non, les montures des... Dans les crânes, c'est les... les... Oui, non, je me suis trompé. Ce, je ce, reste... ce, genre... sont... Je... ce sont les... Euh... Comment, -ce... Comment ça s'appelle dans les Anneaux Les de, ailes de la mort, là, ou les ailes de... Les montures des nazgûles dans Le Seigneur des vous Anneaux. Plaît, ouais, les montures des nazgûles, ce sont... Les... les ailes de la nuit Non. en <laughs> fait, les points de vie, oui, bien sûr. Euh, ça en fait <laughs> quelques-uns. Je vais changer ça, donc on était à 17, 18, 19. On n'a pas compté, on va dire qu'on a tout regagné. On est, on est bien, honnêtement. On triche peut-être, mais je crois qu'on est bien à 20. <laughs> ouais, au moins ça. Hein. On va dire qu'on ne triche pas, mais ouais. qu'on est à 20. Mais ouais, mais ouais. Euh... <laughs> Crâne, régène, régène. Mais ça va, c'est bon, on l'a fait, putain. Vous êtes oui, on est réveillé par les crânes, les ombres les merci. Ah, merci, merci. Et donc le cri mmh. aurait dû être un truc plutôt... Un truc oh comme man. ça. Vous vous frottez <laughs> les yeux, <laughs> puis vous jetez un regard à travers les feuillages qui forment un dôme au-dessus de vous. Les répugnantes créatures volent en direction du nord. Vous êtes sûr que les crânes ne vous ont pas vu, mais vous estimez préférable cependant, par simple prudence, de repartir sans délai. Vous remontez <laughs> donc, donc le sur triche de cheval à la loi. Et vous galopez sur la grande route en direction du sud. Un point de vie. <laughs> et rendez-vous au 224. Heureusement qu'on a pris soin. Hein. Ça guérison. génial la guérison. Donc je, je vais noter sur un papier pour le moment. Je, on est à 21. Euh, vous avez parcouru plusieurs kilomètres à cheval sans trouver trace de réfugiés ou d'ennemis. Vous dirigez alors vers un chemin... En fait, je précise, je crois que si on laissait le prince mourir et qu'on prenait pas le cheval, on... la, la partie était finie. Je pense. Ah bon Je pense, il me semble. Je crois que j'avais essayé une fois. Euh... Mais mmh. les gosses, on a pu les laisser mourir. Oui, mais on s'en fout des gosses. Il y en a bien assez dans le monde. Tant que des princes, il n'y en a pas beaucoup. C'est dingue. Vous vous dirigez alors vers un chemin qui s'élève un peu plus loin, à flanc de colline. Sur cette hauteur, vous devriez apercevoir la capitale. En arrivant là-haut, vous contemplez en effet un spectacle qui vous emplit d'espoir. Ah, d'espoir. Mmh. Mais ce qui vous fait frémir également. Mais qui vous fait frémir également. Vous n'êtes décidément, décidément pas au bord de vos peines. Rendez-vous au 153, je vais te passer. Ouais, c'est la ville qui est en train de se faire attaquer par les monstres, là. 153. Ça, je m'en souviens. Et ah, je, 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 je nous rajoute un point de vie. Okay. <laughs> au loin se dressent les hautes murailles blanches et les tours scintillantes de Holmgard, dont les étendards flottent au vent frais du matin. S'étirant vers l'ouest, le fleuve Heldil. Jaillit des monts d'Uncrag et se jette dans le golfe de Holm. Il faut... ouais, ouais. Euh... Or, soudain, vous distinguez au pied de la montagne une immense armée aux uniformes noirs qui s'avance inexorablement vers la capitale. A votre droite, la grande route mène à Holmgard, à travers les plaines. En vous lançant au galop, vous pourriez atteindre en moins d'une heure le camp fortifié qui entoure la ville, mais vous seriez la plupart du temps à découvert, offrant au crâne une proie facile. À quelques distances devant vous, cependant, une large rivière aux eaux boueuses coule paresseusement en direction du fleuve Elédil, dans lequel elle finit par se jeter. Vous pourriez abandonner votre cheval et profiter de l'escarpement de ses berges pour nager à couvert jusqu'aux abords de la capitale. Il existe enfin une troisième voie, celle du pleutre. <laughs> à votre gauche s'étend en effet le cimetière des anciens. Si vous marchiez parmi les tombes et les monuments funéraires en ruine, vous n'auriez aucun mal à approcher de votre but en échappant aux regards. Mais c'est là une zone interdite, car les forces ténébreuses restent tapies dans l'ombre de la nécropole. En attendant qu'un passant téméraire s'offre à leurs maléfices. Non, c'est vraiment pas le, le chemin du pleutre. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que vous souhaitez euh, prendre la grande route, donc le chemin euh, rapide euh, où on risque de se prendre plein de flèches et se faire attaquer par les, les gros bazars euh, Est-ce qu'on va choisir ce que je pense être la vraie voie du pleutre, à savoir abandonner les chevals et patauger dans la boue pour grimper contre, contre le mur Ou est-ce que nous allons nous sentir suffisamment courageux pour affronter les terribles périls du cimetière des anciens Et là, Mongilus tombe très bien, parce qu'il va pouvoir faire ce vote particulièrement important. C'est quoi Alors, euh, le grand route... Enfin ou où... non route plutôt voilà euh... pleutre <laughs> qui abandonné les cheval et patogé dans la boue non euh, ou où... cimetière enfin ou tombe ou où... un truc plus cimetière avec un seul R non c'est un seul R euh... et c'est tout et c'est tout alors non, je te fais un... le, fait... le truc c'est que la cité se fait attaquer ouais. et en gros soit on peut faire la route à fond de bol avec le cheval euh, mais on risque de se faire attaquer. Euh, on peut abandonner le cheval et patauger dans la flotte pour euh, remonter. Ou alors passer par le cimetière, mais Allez, il y a plein de fantômes. Pa pa patauger dans la boue en abandonnant le cheval, ça me fait trop penser à l'histoire sans fin, où euh, Arthas meurt. Donc, oh, je veux pas. oh non, il ne fallait pas parler de ça, je putain. Arthas, quoi. Allez, Arthas Arthas, Arthas. <laughs> Donc, euh, à vous de voter. À vous, les studios. En <laughs> même temps, la pleutrerie. <laughs> le... Ah, la pleutrerie existe encore Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du pleutre. Ça va pleutrer. Euh, tiens, en fait, j'avais pris une biérasse. Ah, t'as pris une autre biérasse, J'ai pris hein de la chimée. Il en reste encore de... une, après Non, c'est la dernière. Merde Bon, ben je serai à la mauvaise bière. J'en J'irai en acheter de la bonne, après. Votre pleutre Ça fait toujours plaisir de voir que les pleutres sont toujours présents. Y a-t-il des pleutres dans la place J'ai l'impression qu'en fait, ils vont gagner, les pleutres. Alors, je vais clôturer... trois. Wow. 2, 1, close. Euh, pour ceux, si jamais il y en a qui arrivent, je vous rappelle que pour voter, ben vous voyez bien comment ça se passe dans le chat. Il faut faire point exclamation, vote, espace. Le mieux, c'est de faire un copier-coller de, de ce qui euh, apparaît dans le chat au moment où je lance le vote. Mais euh, donc, point exclamation, euh, vote, espace et le mot. Et donc, euh, j'ai clôturé là, il me semble. Non. Hop. Et nous allons, nous avons. Le cimetière. Cimetière. Ok. okay. Ouh, dangereux. Vous n'avez vous mm -hmm. plus peur de rien. Vous n'êtes plus très pleutre, mes amis. Euh, les pleutres sans hardis. Et nous gagnons un point de vie. On est presque. En fait, on est au maximum. Est 23 de maximum. <coughs> ouais. Eh bien, je vais nous, nous mettre au maximum de points de vie. Ouais. Ok. Vive. As la régénération. La régénération. non, c'est trop bon. Sans ça, c'est quasiment impossible, en fait. Plutre solitaire. Euh, je peux continuer là Vas-y. Euh, alors, je commençais à lire le truc. Je vais vous le faire comme si c'était une chanson de Cabrel. En descendant vers le cimetière des anciens, <laughs> vous remarquez une étrange brûle qui baigne les lieux. Les nuages tourbillonnent sur cette étendue <laughs> grise, empêchant le soleil de passer et maintenant la nécropole dans l'obscurité permanente. Vous sentez un frisson qui vous parcourt le corps que la température fraîchit peu à peu. Votre cheval se met à regamber. Mais vous avez beau les prôner, il refuse... D'avancer. De, de se rapprocher <laughs> de cet endroit sinistre. Et donc, il ne nous reste plus qu'à abandonner notre monture pour continuer à pied. On laisse... On laisse Polnareff derrière. Ah non, mais non, mais c'est fini, hein, on a perdu le cheval. À cause de vous, on a perdu Polnareff. J'espère que vous en voulez beaucoup. Bon, tiens, je te laisse le cimetière. Je vais faire la musique. Et en plus, c'est une image. Bon, alors, ça fait comme ça. Je vous montre l'image juste après. Votre traversée du cimetière n'ira pas sans difficulté, car le sol est inégal et recouvert de broussailles épineuses qui déchirent votre cape et vous écorchent les jambes. L'air est lourd et immobile, des vapeurs pestilentielles s'exhalent des cryptes entr'ouvertes et un murmure lancinant parvient faiblement jusqu'à vous. Une sorte de chuchotement ininterrompu venu de nulle part et de partout à la fois. faut montrer l'illustration. Oui. Ouais. Vous vous approchez avec précaution d'un espace ouvert entre deux anciennes colonnes. Et vous écartez les broussailles en, en ayant pris soin d'envelopper vos, vos mains, dans un pan de votre cape, Or soudain, le sol se dérobe sous vous et sous vos pas et vous tombez dans quelque mystérieuse profondeur, dans un éboulement de terre et de cailloux. <laughs> Tabernacle Mauvais choix, messieurs. Et effectivement, on aurait dû rester pleutre. <laughs> ok, voilà l'horrible cimetière. C'est marrant, j'avais l'impression que ça avait mieux le, le point. Il faut que tout le lit. Attends. Ouais, voilà, c'est bon. Ah, ok, voilà. Donc là, vous avez le cimetière qui est rempli de cailloux. De cailloux. Et de morts vivants. <laughs> <de> mort vivant. <laughs> bon, ça va chier pour nos gueules à nouveau. Mais on a notre maximum de points de vie. Ça, c'est cool. Euh, parce que si on rencontre un fantôme, ça m'étonnerait qu'on rencontre un fantôme avec un sabre, honnêtement. Non, non, je pense pas. Je vous rappelle que le but de cette mission n'est pas de gagner, mais de récupérer un sabre. Euh, on va quand même essayer de prévenir le roi un minimum. Non non. nous donne un sabre. Le but, c'est de fouiller. <laughs> de fouiller du début à la fin. Je me souviens quand même que la première fois que j'ai fait les Loups solitaires, la première fois que j'ai, qu'on a eu le... le glaive du Summer, mm -hmm. ah, c'est beau. Est... On, on est fier, se... hein. on se sent fort. Je sais plus c'est dans lequel qu'on chope le glaive. Cinquième ouais, Quelque chose comme ça. comme ça. Vous êtes étourdi, mais indemne. Vous ah, avez oui. fait une chute de 5 mètres. Fort. en passant à travers le plafond d'un caveau souterrain. Les murs en sont parfaitement lisses et il vous est impossible d'y grimper. Un tunnel voûté par du caveau en direction de l'est. À l'entrée de ce tunnel se trouve le sarcophage de quelques anciens seigneurs. Ça sent mort vivant hein. Si vous souhaitez ouvrir ce sarcophage dans l'espoir d'y découvrir des objets de valeur, rendez-vous au 242. Si vous préférez quitter le tombeau et suivre le tunnel rendez-vous au 104. Si vous avez la, la discipline du sixième sens, ce qui n'est pas le cas, on s'en fout. Donc, euh, j'ai comme dans l'idée que le sixième sens nous dirait, faites le pleutre. D'où de pleutre, D'où de pleutre, D'où de pleutre, D'où de pleutre. On oui. va <laughs> ouais, le, sar le sarco. Sarkozy pour euh, sarcophage. Ah pour le sarcosage. Le sarcosage. Il n'y a pas de Il n'y a pas de sarcosage. Sarco ou, ou pleutre en fait. Si jamais on n'ose pas... Honnêtement, le, le tombeau, ça, ça pue le mort-vivant, mais peut y avoir du bon loot. Donc, euh, je, hmm. les deux sont bien. J'ai reçu un SMS. <laughs> C'est parti le... Ce sont les pleutres qui disent euh... « "Fouille, n'ouvre pas le sarcophage <laughs> !» Ah, il y a quand même quelques pleutres. Euh, par contre, attends... -ce que... Alors, nous allons. Oui, euh, petit moment où je regardais euh, tous, les, tous les gens qui sont abonnés à la chaîne Twitch, c'est cool. Vous êtes maintenant encore 63 courageux. Mais euh, cool. on n'en a pas encore fini. Tiens, tu peux brancher ça dans un de tes USB, s'il te plaît. Et nous allons. Nous allons voir Sarko. Le Sarko, mais forcément. Forcément. Par contre, il y a eu. Ah oui, ok, il y a eu quand même. Les plôtres sont toujours dans la place. Ça, c'est bien. S'il vous plaît. Ce tombeau sera notre tombeau. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et il ne trouva jamais l'USB. J'arrive jamais à le mettre dans le trou, hein. Je sais ce ouais. qu'il dit. Euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, nous allons chez Sarko. Mais je vais te laisser euh, lire ça, je sais, je sais bien. <coughs> Et il va falloir un 22. peu de dramatisme. Ah, il n'y a, a pas de description d'un combat, donc on va voir. 242. Pom, pom, pom. Le couvercle du sarcophage glisse à terre avec un bruit sourd. Boum Vous contemplez alors les restes d'un ancien roi qui repose parmi ses richesses, une couronne ciselée coiffe son crâne, et les mâchoires grand ouvertes de son squelette ressemblent à l'orifice d'un puits sans fond. Un lointain grondement s'élève bientôt des profondeurs de la terre. Un lointain grondement s'élève bientôt des profondeurs de la terre. Ça va chier. Si vous maîtrisez la discipline Kai du bouclier psychique, rendez-vous au. Dans le cas contraire, rendez-vous au. On vient d'avoir un pote qui m'a envoyé un message. Euh, Arrête de lire tes SMS et concentre-toi sur le truc. Ça, <laughs> c'est pas mal. Donc, euh, donc, on va chier parce qu'on n'a pas bouclier psychique. On n'a pas bouclier ça, psychique. Que ça, c'est le genre de truc qui ne sert jamais, mais quand ça sert, ça te sauve la vie. <laughs> Les amis, on est dans le caca. Vous ne pouvez plus bouger. Une force mystérieuse vous immobilise et vos yeux sont attirés par la bouche du squelette. Montrant des prof... Montant des profondeurs de la terre, vous entendez alors un bourdonnement grave, comme si des milliers d'abeilles en fureur étaient rassemblées là. Puis une lueur rougeâtre s'allume dans les orbites du roi mort et le bourdonnement augmente d'intensité jusqu'à devenir assourdissant. Vous êtes en présence d'une force maléfique plus ancienne et plus puissante encore que celle des maîtres des ténèbres. Des ténèbres Si vous possédez une pierre de Vordak, rendez-vous au 236, mais on n'a pas de pierre de Vordak. On a un savon <laughs> On a un savon Sinon, rendez-vous au 292. À mon avis... Et à mon avis, il va falloir qu'on revienne sur nos pas. À mon avis, ça va être le point de destin, là. Mmh. <laughs> on a un savon, quoi On peut savonner le squelette Ouais, ok, vas-y, je t'en prie. Alors, la dernière sensation que vous emportez dans ce monde n'a rien de réjouissant. Vous êtes en effet littéralement engloutis dans d'épaisses ténèbres, où vous menez désormais une existence d'esclave dans un univers hors du temps et de l'espace. Votre maître, pour l'éternité, est une entité maléfique dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Votre aventure vient de prendre fin. Bravo les gens Vous voyez pourquoi j'ai mis les points de destin Bon, on va revenir au début du cimetière. Hein. Alors... Donc, ne pas ouvrir le sarcophage. <laughs> Et donc, vous remarquerez dans le stream que j'ai changé. Nous n'avons plus que deux points de destin. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent les gens Et si le savon était la pierre de Vordak <laughs> <laughs> C'était peut-être ça. Mais on n'a pas été le faire identifier chez ouais, le sorcier. Exactement. Euh, bah tiens, euh, je t'en prie, continue. Je reviens tout de euh, suite. Donc, oh. nous sommes retournés. Donc, nous n'ouvrons pas <laughs> le sarcophage. Je vais faire Et donc, nous avons quitté le tombeau en allant au 104. Ah. Et, point de destin, hein. vous vous imaginez, hein. sinon on recommence à zéro. Zéro. Pour faire le persing et tout, hein. on va pas faire ça. Les parois sont humides et couvertes de moisissures. Il règne ici une odeur de renfermé qui vous étouffe à moitié et des toiles d'araignée vous, euh, vous balayent le visage. Vous sentez la peur vous serrer la gorge tandis que le tunnel s'obscurcit. Mais vous continuez cependant d'avancer et vous arrivez bientôt à un croisement. Le tunnel aboutit à un couloir orienté nord-sud. Comment il sait ça? Si vous souhaitez aller au nord, rendez-vous au 26. Si vous préférez prendre la direction du sud, rendez-vous au 100. Donc là, rien, rien ne nous dit. C'est le bol. Donc ça va être nord ou sud. Nord ou sud. Et c'est parti, les fous du volant. Allez-y voter. Honnêtement, rien ne nous indique la bonne direction. Donc, euh, démerdez-vous. Ah Sinon, euh, ça va la petite vie, euh, la petite famille et tout Je sais, je sais. Ça va être 50-50 à mon avis. J'aurais dû mettre Nord ou Pleutre. En fait, j'aurais dû mettre Nord-Sud ou Pleutre. En sachant que Pleutre n'aurait amené à rien. Mais je pense qu'on va changer le nom du personnage. On va l'appeler Ragnar le Pleutre. Ah, il a pleutré encore. Non, non, ici c'est... En fait, c'est juste... Vous prenez le Nord ou le Sud Sans savoir oui. où ça nous mène. Alors, je vous laisse encore euh, 10 secondes. De toute façon, il n'y a pas vraiment. C'est vraiment au pif. Hein. Euh, réf... y a la... la réflexion ne sert à rien. C'est vraiment au pleutre. C'est vraiment au pleutre. Et je clôture. Et nous disons avec. En fait, c'est la même chose. 48,6, ah. 48,6. Bah alors, c'est nous qu'on choisit C'est nous qu'on choisit. Euh, bah, a bah, priori, notre direction, c'est le sud. Ouais, La bah. bonne direction. Ah, on peut aller voir le roi. Donc je dis sud. Semaine, hein. Voilà. Donc nous allons aller au sang. <laughs> le couloir glacial tourne brusquement vers l'est et vous apercevez au loin une lueur verdâtre qui diffuse une faible clarté. Vous constatez bientôt que le couloir aboutit à une grande pièce et que l'étrange lumière, euh, lumière provient d'une sorte de coupe. Posée sur le haut dossier d'un trône de granit, sa Mais non Devant le trône se trouve une statue sur son socle. Elle représente un serpent ailé dont le corps a une forme de, une forme de S. Si vous souhaitez vous asseoir ce, sur ce trône, allez au 161. On a encore deux points de destin, tout va bien. Si vous préférez examiner la statue, allez au 133. Enfin, si vous semble plus judicieux de chercher une sortie qui vous permettrait de quitter cet endroit, rendez-vous au 257. Et donc, soit on s'assoit sur le trône, parce que il y a des moments où il faut y aller, faut... Ça, sort le... ça sort sur le trône. Quand, quand il faut trôner, il faut trôner. Soit mais... on prend la statue en forme de serpent, soit on pleutre. C'est parti, messieurs. Euh, à mon avis, il y a des... à mon avis la, stat... la statue, ça peut être intéressant. Moi, je je tenterai statue, mais maintenant, c'est vous qui décidez. <laughs> je vois qu'il y a déjà des... des mecs qui savent ce que font le trône. Pleutre, 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 pleutre. Donc, si jamais vous savez ce, que, ce qui se passe dans les bouquins, comme je disais, votez, mais ne le dites pas dans le chat. Votez en sachant que la bonne direction, mais n'allez pas dire dans le chat euh, non, non, il fallait prendre par là. Cela n'est pas du spoil. Il faut pas spoiler. Ne spoilez pas. C est, c est, c est, prendre des mauvaises décisions a aussi sa part de drôle. Hmm. Alors, notre pleutre représente. Je vous laisse encore quelques secondes parce que c'est important. Attention que les gens qui. C'est statue hein et pas statue. Overkill. Je vous laisse encore deux secondes. Une, deux, et nous fermons. Et nous allons pleutrer. Pleutre. On va pleutrer ça va pleutrer. Voilà. C'est peut-être plus prudent. Quoique la statue, ça me disait bien, mais le pleutre a une fois de plus remporté le vote. Et je vais te repasser le truc. Donc nous pleutrons. 257. Mais les gens, ils n'avaient pas fini de voter. 257. C'est 257 Ouais. Bon, bah, après avoir pleutré comme des villes pleutres. Vous trouvez une grande porte de pierre aménagée dans le mur est, mais il semble tout à fait impossible de l'ouvrir. Si vous voulez examiner la statue... <laughs> Donc, est de... on est de retour à la statue en forme de serpent et le trône. Ah. Parce qu'on ne sait pour... pas ouvrir la porte. Mais pourquoi il nous laissait un troisième choix, alors eh, Je ne sais pas. C'était juste pour vérifier qu'on était bien pleutre. Alors, la statue en forme de serpent ou le trône Moi, je, je, je... moi, je le sens pas. Ils pue tous les deux. Tous les deux, il pue, oui, bien sûr. Mais euh, en fait, on ne sait pas. Vrai, vous voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de jouer avec des points de destin, parce que on peut pas deviner là. Il n'y a pas, il a pas d'enquête. Si, si. Non, mais c'est pas qu'on ne peut pas deviner, mais moi, je me souviens. Ok. Donc euh, voilà, je ne dis rien. Moi, je me souviens pas. Hmm. Toujours Pleutrer, toujours. Je toujours. me souviens de passage de sorcellerie, mais le solitaire, je me souviens de quasiment rien. C'est vrai? Ouais. Je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 6, 3, 3, 2, 1. Ok, on s'en fout. Et close. Oh, c'est très proche, mais c'est la statue à 51%. Chiot Alors, la statue. 133. Quand vous vous approchez de la statue, celle-ci commence à se craquer, et soudain, elle explose devant vous, tandis qu'un véritable serpent ailé, débarrassé de son manteau de pierre, vous attaque férocement. <laughs> Il faut vous battre avec la créature qui est un serpent ailé avec une 16 en habileté et 18. Ouais, Allez, on, va, on, va, on va se le friter donc c'était le mauvais choix. Bravo les gens, 16-18 hein, donc. 16-18, c'est ouais. comme 14-18, mais... Euh, mais un donc, peu plus tard. 18, et nous, nous sommes au maximum de points de vie qui sont de 23. Euh, et donc 16, nous sommes à 19 nous, donc on est à plus 3 sur la table. Je vais lancer les dés.

que 4 points de vie, ce qui, est, ce, qui peut être ce qui peut être méchant quand même. Alors il y a les partisans du trône qui disent « Putain, voilà, le trône c'était safe. Bah merci, mais fallait le dire mieux. <coughs> » Donc, 266. Ça va, on l'a eu, on a perdu quelques points de vie, on va guérir, on a la, la discipline de guérison ça c'est que ça sert. Alors. « Tandis que le serpent ailé se tord de douleur, ah. dans les derniers soubresauts de l'agonie, la porte aménagée dans le mur s'ouvre avec un déclic. » Ah. Ah, elle fait « ah ». Ah, un euh, clic ». Ouais. Découvrons un passage secret dans lequel vous vous hâtez de vous engouffrer. <laughs> Aussitôt, après, la porte se referme violemment derrière vous. Rendez-vous à 209. Ok, on s'en sort. Euh, et donc là, nous venons de récupérer un point de vie. Je note sur le papier pour le moment. Je... Devant vous, un couloir monte en pente douce. Lorsque vous arrivez au bout de cette pente, une porte de pierre glisse dans le mur. Découvrons un autre passage. Vous franchissez la porte qui se referme aussitôt derrière vous avec un grincement. Et on regagne un point de vie. Eh ah ben disons, ça en fait des paragraphes pour pas grand-chose. Ah oui, oh maintenant il y a nouveau un truc. Le couloir aboutit bientôt dans une vaste chambre mortuaire dont les murs sont gravés de motifs anciens. Dans le coin opposé, un escalier de pierre mène à une porte immense. Non. De chaque côté des marches, deux chandelles noires diffusent une faible clarté. Vous, oui. vous remarquez alors qu'aucune cire ne coule le long des chandelles et tandis que vous vous approchez, vous constatez que leurs flammes ne diffusent aucune chaleur. Soucieux de quitter au plus vite cet endroit sinistre, vous examinez la serrure de la porte. Une broche sculptée semble fermer le panneau. Mais un trou de serrure apparaît également. Donc, je vous montre le, le truc. Hein. Et... Le trône de donnait glaive, gilus. Mais on n'a pas besoin oui. de glaive, on a besoin de... Attends, on a besoin de quoi déjà On a besoin de se barrer on du On a besoin de sabre. Là. Donc, si vous souhaitez retirer la broche qui est accrochée à la serrure... On va vous, vous montrer le dessin. Si vous possédez la discipline Kai de la maîtrise psychique de la matière... Hélas, non et enfin, si vous avez une clé d'or. On, on a juste un savon. Juste un savon, putain, on mec, le savon, sa... on aurait pu tout faire. On a un putain de savon. Ben, en gros, on a juste à retirer la broche hein, et voir ce qui va nous tomber sur la gueule. On n'a pas le choix. J'espère ah, que ça là, va suffire. 337. Il me manque le chapitre. L'eau. Au moment où vous ôtez la broche, un craquement assourdissant retentit. Utilisez la table de hasard. Rendez-vous au 317. 317, 317. Merde, merde, merde. On va crever, on va crever. J'aime pas le chiffre 317. Ce n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Instinctivement, vous plongez de côté Ouh. et vous atterrissez sur le sol de pierre. La promptitude de vos réflexes vient de vous sauver la vie. Car au même moment, un énorme bloc de granit s'est écrasé sur les marches de l'escalier, juste devant la porte. Bang Ça <laughs> fait super bien le bloc de granit. Je sais. Quelque peu malmené, mais indemne, vous vous relevez et vous regardez au plafond. Un rayon de lumière grise filtre à travers l'ouverture, ménagée par la chute du bloc de pierre, et diffuse dans la pièce une faible clarté. Vous pouvez même apercevoir un coin de ciel nuageux et... Ah <laughs> oh oui, c'est bon, ça va devenir mon, mon nouveau truc Facebook. Ok, merci euh, Baudeltrace pour l'image de Pleutre Time je garde, regarde, faudrait que tu me l'envoies. Donc, euh, oui. le caillou est tombé et donc on peut voir le ciel. Vous vous hissez alors hors du caveau et vous vous dirigez aussi vite que possible vers la porte située au sud de la nécropole. Au loin, vous apercevez la palissade en rondins d'un camp fortifié dressé autour de la ville. Rendez-vous au 61. Ça me tue, bon petit boudin. Ça me tue comme... Ce... On regarde encore un point de vue. En fait, on en regarde encore deux. Donc nous sommes au maximum. Ça me tue à, à quel point euh, ce, ce n'est que de la fuite ce bouquin mmh. ce n'est que du pleutre Non, non. Ah, mais non pleutre. mais j'adore l'illustration pleutre Ça va what pleutre. time is it it's pleutre time it's pleutre time yeah, yeah <laughs> come on with your friends na, 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 na. bon bref euh, je continue ou tu je continue pas vas-y encore un chapitre vous atteignez enfin on a tenu nos points de vie on a tout point de vue. Vous atteignez enfin la palissade en rondins du camp fortifié qui a été dressé autour de la ville. Et tandis que vous courez vers le poste de garde, vous entendez des soldats pousser des acclamations enthousiastes. Je réponds juste une question. Oui, il y aura une rediff sur YouTube. Hum. Euh, donc euh, ouais, les soldats poussent des acclamations enthousiasmes. Les dieux soient loués ils vous ont reconnu en dépit de vos vêtements déchirés, et de votre triste apparence de pleutre. <laughs> votre cape est en lambeaux, votre visage écorché, votre honneur n'existe plus. Et vous avez un sabre dans la poche. Vous êtes taché de sang, vous êtes couvert de la tête aux pieds de poussière, de cimetière et de honte. Patongeant dans le petit ruisseau qu'il vous faut traverser, vous avancez en titubant comme une merde vers l'une des entrées du camp. Rajoute un peu. peu à peu la vision que vous venez d'avoir dans le cimetière vous apparaît dans toute son horreur. Vous êtes épuisé, affaibli, glacé. Et juste avant de perdre connaissance, vous laissez, vous, vous laissez tomber dans les bras tendus de deux beaux soldats bien musclés accourus à votre rencontre. Rendez-vous au 268. Elle reprend. Oui. Attends, je trouve le 268. Et le pleutre dormit bien ce soir-là. Ah, quelques minutes plus tard, vous reprenez vos esprits tandis que l'on vous fait boire une rasade d'eau-de-vie. Épuisé mais heureux d'être toujours vivant. Comme tous les pleutres. Voilà. Vous avancez d'un pas chancelant, soutenu par les soldats du roi en direction du camp fortifié. Rendez-vous au 288. On va rencontrer le roi. Le roué. Le roué. Roi. Le roué, le roi. Le roi, c'est moué. Lorsque vous atteignez la palissade du camp fortifié, les grandes portes de chêne s'ouvrent sous votre passage et vous êtes conduit à l'intérieur de l'enceinte militaire. Un sergent aux vêtements tachés de sang et déchirés dans la bataille appelle un officier qui se tourne vers vous et reconnaît aussitôt votre cap de Seigneur Kai. Où sont les autres Seigneurs Kai, Mylord se demande-t-il. Demand <laughs> Nous avons désespérément besoin de leur science. Les maîtres des ténèbres mettent notre euh... oh armée. Les maîtres des ténèbres mettent notre... mettent notre armée à rude épreuve et nos pertes sont très lourdes. Vous révélez alors à votre interlocuteur le sort qu'ont subi vos compagnons, et vous l'informez de la mission dont vous êtes chargé, prévenir le roi. L'officier fait aussitôt signe à un soldat d'amener deux chevaux. Yes, on a gagné un de plus. Un instant plus tard, vous galopez tous deux en direction des hautes murailles de Holmgard. Rendez-vous au 129. En chantant la chanson ⁇ Pleutre un jour, pleutre toujours ⁇⁇⁇ Les autres sont morts, mais pas moi. ⁇ Vous parvenez devant la porte principale de la ville et vous contemplez avec révérence les murs gigantesques qui se dressent devant vous. Hautes de 60 mètres, les murailles de Holmgard ont résisté euh, tout à la fois au temps et aux maîtres des ténèbres. Nous pouvons encore voir la marque de l'architecte étouffée par son édredon. Mmh. L'officier et vous-même parcourez au pas de course le tunnel d'une centaine de mètres le, de long qui traverse le poste fortifié et vous arrivez enfin devant l'entrée de la grande tour de guet. Des civils et des soldats en grand nombre courent en tous sens, chacun s'activant à sa tâche. Si vous souhaitez continuer à suivre l'officier, rendez-vous 3. Si vous pensez que vous arriverez plus vite à la citadelle qui abrite le roi en vous dé débrouillant tout seul, rendez-vous au 144. Donc soit on suit le soldat, soit on l'envoie le, chier. <laughs> la pleutrise. Quel est l'enseignement des maîtres pleutres Des maîtres pleutriers. Hmm Donc nous avons les votes suivre ou va chier. Va chier, c'est pour le soldat. Va chier, va mais c'est rigolant, en suivant les commentaires. Qu'est-ce oh. que ça dit Il nous faut un sabre, ça c'est vrai ça. Uh -huh. And you will know, my name is the Plutus, when I flee the battle upon thee. Ça ne veut rien dire. Bon, on aurait peut-être dû le suivre. Hein. Enfin, on là, aurait je... peut-être dû le suivre. Moi je dis ça, hein. mais bon. Le... Là, là, c'était pas très pleutre, hein, les... les amis. Le suspense est insoutenable. Insoutenable. Ok, ok, bon, écoutez, je vais clôturer. Je crois qu'on sait très bien ce que ça va donner. Ah non Non, 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 52% de suivre. Ah, en fait, je pensais que ça allait chier, mais non. Les gens, les gens. On suit. Nous sommes des suiveurs. Bravo, vous êtes des suiveurs. Ah bah, maintenant, maintenant, on le sait. C'est la voix du pleutre. C'est la voix du pleutre, c'est vrai. C'est le, le quatrième enseignement des tablettes du pleutre. <laughs> Quand il y a quelqu'un qui peut mourir à ta place, toujours le suivre. Donc, nous allons suivre l'officier. Vous emboîtez le pas à l'officier qui franchit une porte en arcade, puis monte. Quelques marches devant un grand tôle. Des soldats couvrent, courent en tous sens, portant, euh, port, porteurs de parchemins. On n'a pas lu le parchemin qu'on a trouvé sur le putain Mais de mur. Mais on n'a pas pu le lire. Pourquoi Parce qu'il y avait juste, vous avez un parchemin. Et c'est le truc qu'on va remettre au roi à lue. la fin okay, du okay. Sénat, Des soldats courent en tous sens, port, euh, porteurs de parchemins ornés, qu'ils doivent remettre à des officiers postés le long des murs de la ville. Un homme au visage. Couturé de cicatrices, l'air hagard s'approche de vous et vous offre de le suivre jusqu'à la citadelle. Il porte la toge blanche et pourpre à l'usage de la cour du roi. Si vous souhaitez le suivre, rendez-vous au 126. Si vous préférez décliner son offre et retourner dans les rues populeuses, rendez-vous au 144. Donc nous allons faire le même vote. Euh, oui. J'ai des, des réminiscences de ce qui se passe à ce moment-là. va-fier. Oui. va <coughs> yeah. Vachère. Va cher. Tu veux vacher Donc, on a un type, je vous rappelle, on a un type qui porte les couleurs du de, de la cour du roi, qui nous propose de le suivre pour nous amener voir le roi. Ça peut être un piège. Donc, soit on le suit, soit on le suit pas. Non, non, c'est pas un piège. Il, on le suit ou il va chier. S'il si est couturé de cicatrices, c'est que c'est un pleutre comme nous. C'est un, un, un camarade pleutre. Non, non, les pleutres ne sont pas couturés de cicatrices, parce qu'ils ne se battent jamais. C'est vrai, ça. Ils ont la peau douce et des savons dans leur sac. <rire> Exactement <rire> Euh, on a, mine de rien, on a une hache, un bâton, une lance et un poignard. Et un et, savon parfumé. Et un savon, et on ne sait servir on sait servir de rien de tout ça, surtout pas du savon. et je sais pas, est-ce que le savon arrive un moment, probablement, avant d'aller voir le roi Peut-être dans, dans avant 5 faire 20, le, le jet de charisme Dans 5 bouquins. Ah, j'en sais rien. Si vous avez le savon parfumé, tu vois, genre dans la, la nécropole du destin. <laughs> Peut-être. Bonsoir vachier. Alors je vais clôturer les votes. Et. Alors, j'espère nous... que vous avez fait suivre. Nous cool! Suivre. Cool, okay. cool, parce que je me souviens de ce qui se passe à ce moment-là. On va peut-être mourir, hein, mais. Donc, on le suit, 196. Je vais te passer. <laughs> et Surtout que c'est un chouette chapitre. 196 196. Vous suivez l'homme dans une petite bibliothèque contiguë. Il pousse alors l'un des nombreux livres alignés sur les étagères et vous entendez un déclic. Aussitôt, tout un Clique. pan de l'étagère glisse sur lui-même, découvrant un passage secret. Si vous souhaitez suivre cet homme dans le passage secret, rendez-vous au Vnibug. Et si vous ne voulez pas pénétrer dans ce il sombre couloir, lésons, en fait. voilà. Si vous ne voulez pas pénétrer dans ce sombre couloir et faire preuve d'une pleuterie euh, honorable, vous pouvez quitter les lieux et retourner dans la rue en vous rendant au. Donc à nouveau, nous avons le choix. Il nous, il nous, laisse quand même beaucoup d'occasions de, de laisser le mec là où il est. Ouais, hein, mais bon. y a, ça fait la troisième fois qu'on a le choix de. De ne, rien, de, de ne pas suivre ce pauvre type. En fait, non, c'est la deuxième fois parce qu'avant, c'était l'officier, mais bon. Bah, en même temps, en même temps euh, on, on a tout régénéré. Hein, donc, est euh... Si, c'est simple, autre Oui, mais on peut crever en un coup. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. <coughs> J'aime bien sur la table du combat, il y a un effet T'es mort. <laughs> c'est T. Es. C'est ouais. pour. Euh, mort je sais pas euh, à la rigueur euh, quand tu rencontres nar le dieu du chaos dans, dans genre le, le 15e tome peut-être qu'il peut te buter en un coup impossible c'est impossible c'est impossible c'est un ajout au système de point de destin tout à fait oui c'est pour éviter d'avoir à recommencer le bouquin avec vous parce que sinon on a... si jamais on n'avait pas le système de point de destin on aurait perdu euh, deux heures de, de jeu et donc, c'est pour. Parce que c'est pas marrant pour vous de recommencer X fois le bouquin. Si jamais t'es tout seul, tu le refais vite et tu relis pas. Mais si, si on doit recommencer, ça va, ça va être un petit peu chiant. Et si jamais on n'a pas les points de destin et qu'on fait juste que retourner en arrière quand on meurt, il n'y a, a pas de il a pas d'intensité. mais oui, non, non, mais je suis d'accord. Hein. Enfin, moi, j'aurais de été pour tricher dès le départ, mais bon. Bon, alors, on pleutre Moi, je dis pleutre. Moi, je dis pleutre. Et je clore le vote. Tu clores le vote je clore... tu mets du chlore dans le je vote Je mets dans le chlore et on le suit. On va les suivre, mais bien sûr. Ça va chier. Euh... Où est-ce que j'étais Ah oui. Le, le code du pleutre. Vous pouvez créer le code du, le code du pleutre. Ah, le code du pleutre, oui, on peut faire ça pour la première. Règle numéro 1, soyez pleutre. <laughs> si vous pouvez fouiller, fouillez. Règle numéro 2, n'oubliez pas qu'un cheval, sur une courte distance, un cheval court moins vite qu'un homme. Tout à fait. C'est qui m'a pris ça. Bon. Alors. On va voir ce que ça donne. Vous marchez pendant presque dix minutes le long d'un couloir sombre et sinueux. Puis vous grimpez les marches d'un escalier raide qui mène à une petite porte en bois. L'homme actionne alors le loquet dissimulé, dissimulé au regard et la porte s'ouvre. Vous entrez peu après dans une pièce, dans une pièce richement décorée. C'est une chambre à coucher dont l'un des coins est occupé par une immense baignoire de marbre. Dans la baignoire se tient un vieil homme nu qui vous fait ⁇ bonjour !⁇ Non, euh, c'est pas ça. L'homme vous suggère de vous rafraîchir pendant qu'il demande audience au roi. Vous prenez un bain rapide et vous revêtez une toche blanche, particulièrement fif, laissez là par votre intention. Euh, sur une table de marbre. Quelques minutes plus tard, l'homme revient et vous conduit le long d'un couloir au mur recouvert de luxueux tapisseries. Tapisserie, 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 tapisserie. Vous arrivez enfin devant une haute porte gardée par deux soldats vêtus d'armure en argent. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait le bon truc. Ok. C'est complètement dingue. Je pensais que c'était le, le truc qui nous menait chez les brigands. Eh bien, non, apparemment. Eh bien, voilà. Et dans quelques instants, vous serez devant le roi! 350 ma poule, et je me demande si c'est pas le dernier. C'est la chapitre. fin. En fait, moi j'étais persuadé que c'était le truc qui amenait chez que que je le je dernier lise... chapitre. Tu veux que je lise le dernier chapitre? Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Laisse-moi, mm. s'il vous plaît. Vous entrez dans la grande salle du conseil, une pièce immense, magnifiquement décorée de tentures blancs et or. Le roi et ses plus proches conseillers sont en train d'examiner une grande carte étalée sur une table de marbre au centre de la salle. En fait, maintenant nous sommes bel et bien à la capitale. Ouais. Ah, ah ah ah, tu t'es trompé. Voilà. Ah, ah. Euh, Sont en train d'examiner une carte étalée sur une table de marbre au centre de la salle. Leurs visage expriment l'inquiétude et la concentration. C'est pas comme si le royaume était pas en train de se faire pourrir. Lorsque vous faites le récit de la mort de vos compagnons et des périls que vous avez dû affronter pour atteindre la citadelle, tout le monde vous écoute en silence sans jamais vous interrompre. Enfin, sauf le con, là. Enfin, quand vous en avez terminé, le roi s'approche de vous et prend votre main droite dans la sienne. Veux-tu m'épouser, mon ami Loup solitaire, tu as fait preuve de courage <laughs> « Tu as fait preuve d'une pleutrerie <laughs> !»« de, de courage et d'abnégation Ce sont là les qualités d'un véritable seigneur Kai hey, !»« c'est moi qui aurais dû faire le roi oh, !»« bon, oui. Ton voyage a été semé de dangers, et bien que tu nous apportes des ah, nouvelles oui. qui nous plongent dans le chagrin, ta détermination illumine ces heures sombres d'un rayon d'espoir. Tu as grandement honoré la mémoire de tes maîtres, et nous t'en portons louant. Toutes les personnes rassemblées dans la salle se joignent à cet hommage vous... et vous expriment leur profonde gratitude. Bravo, quelle pleutrerie Celle-ci seulement vous aviez été là quand les enfants sont sont fait tuer. <laughs> Quel dommage que vous n'ayez pas sauvé ces enfants. <laughs> Devant tant d'honneur, vous ne pouvez vous empêcher de rougir. Euh, le roi ah. alors lève la main et tout le monde fait silence tu as fait tout ce que le royaume du sommerlund pouvait attendre d'un de ses fidèles sujets reprend le, reprend le monarque mais notre patrie a encore grand besoin de toi les maîtres des ténèbres ont en effet retrouvé les puissances et re, retrouvé leur puissance et leurs ambitions ne connaissent plus de bornes notre seul espoir de les repousser se trouve désormais au royaume de Durenor. » En fait, voici la gueule du roi. Oui, de moi. oui, il faut, il faut faire un, un petit... Attends, attends, attends... Ouh Pourquoi ça fait le point quand c'est toi et pas quand c'est moi Parce que tu es nul. D'accord. C'est là que repose l'instrument de la puissance qui les a vaincus autrefois. Loup solitaire, tu es le dernier des seigneurs Caille, et tu possèdes la science que t'ont enseigné tes maîtres. Iras-tu à Durenor pour y chercher le glaive du sommaire, l'épée du soleil Seul ce don des dieux nous permettra d'écraser l'ennemi et de sauver le royaume. Si vous acceptez de partir en quête du glaive du sommaire, vous pourrez le faire en vivant l'aventure que vous propose le deuxième volume des séries, de la série Sous-Solitaire, la Traversée infernale. Et, là, je vous et si vous décidez de faire le pleutre, eh bien n'achetez pas <laughs> ce livre et restez chez vous <anytime> <laughs> à vendre des chaises et des meubles en kit et devenir riche dans votre village. Ou... Pleutre. Bon, voilà. Hein. Donc, réfléchissez, nous, mais réfléchissez nous bien avons, Nous avons réussi en perdant un point de destin. Je trouve ça plutôt honorable. Ouais, mais ça va pas durer. À mon hein. avis, on va en perdre d'autres. Es-tu partant pour continuer Oui, 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 ouais, Moi, je veux bien faire Donc, la traversée infernale. On va pas finir le deuxième bouquin, mais on peut continuer et voir un peu ce qui. Comment ça se trame. Tant qu'il reste de la bière, bah, euh, je suis prêt pour l'aventure. Tant hein. qu'il y a de la bière et de l'espoir. Ouais. Euh... Ben honnêtement, euh, enfin, je, je propose un vote, est-ce que vous voulez qu'on continue Mais vous allez nous dire de continuer. N'est-ce pas Et donc je sors... Allez. Deuxième bouquin. La traversée infernale. Mais tu dois changer le truc en dessous de l'écran alors du coup. Ouais, tout à fait. Alors premièrement, euh, éditer la scène. Mmh, mmh. <laughs> nous allons retourner à nos trois points de destin originaux. Ah parce qu'on a quand même 3 points de destin par aventure. Ouais. Hein. C'est pas très pleutre. ça. Au contraire, c'est très pleutre. Ah. Et euh, oui, oui, on garde le même personnage. Tout à fait, bien sûr. Alors là, gilus est en train de faire ce. C'est bizarre sa ça. Sa vieille ça a bougé ici. <laughs> Qu'est-ce qui a bougé Alors Regarde le. Il est plus, il est plus centré. Ah, ben euh... ah, mais j'ai peut-être. T'as agrandi la fenêtre. J'ai peut-être bien agrandi la fenêtre. Comme un pleutre que tu es. On va essayer comme ça. Euh... Hmm. Euh, je suis d'accord pour dire que la traversée infernale, c'est l'un des plus extraordinaires loups solitaires qui existent. <coughs> feuille Livre du jour, parcourir, ok, on va voir si ça marche, ça marche pas tout à fait, mais on va. Je vais quand même aller checker ce qu'il nous reste comme bière au frigo, parce que sinon ça va pas le faire. Et voilà, Eh hey trois, trois coups de klaxon et euh, c'est déjà joué. prêt pour la suite. Hein. Joué, joué. Alors attendez, je, je n'ai pas regardé ce que vous disiez. Euh, oui en fait euh, close et voyons ce que vous avez dit pleutre <laughs> très bon choix mais évidemment nous allons continuer n'ai euh... euh... pas pensé que les se représentait le roi ça devait être un conseiller c'est peut-être un conseiller en effet illustration en effet c'est un conseiller qui a une sale gueule qui est devant le roi c'est bien je, je vous le remontre. Que le, le roi il est vraiment c'est la caricature de roi d'univers de, fantastique. C'est le roi pompon. Aye. Si vous regardez bien, on a le conseiller. Et il y, y a le roi, c'est vraiment le, le barbu avec une couronne à la con. Ouais. Non, non, mais il a une tronche de roi. Oui, ça oui. Alors, attends, je vais juste voir un peu ce que vous, vous avez dit dernièrement. Ragnar le pleutre. Je, on va changer son nom. Ça va être Ragnar le pleutre. Roger la compagnie des fiers pleutres. Et de pleutre. La oui. guilde des pleutriers. Ah, ah, ah. On regarde le personnage. Oui, il faut le sabre. Il faut le sabre. Il faut le sabre. Euh, ne pas ajouter une discipline, tout à fait. Très infernale couverture. Merci. Ah, ah. Mana mana mana. Pleutre comme couleur. Ce déni de démocratie. Mais d'où vient ce déni de démocratie c'est un endroit où on peut trouver la série Sortilège sur Bruxelles. Euh, je, crois, je crois que maintenant, on peut peut-être l'acheter sur euh, simplement Amazon, je ne suis pas sûr. Euh, ouais. Sinon, c'est pas évident. vous faut sur eBay, il hein. faut aller voir. Souvent, c'est genre de questions qu'on nous pose dans les histoires qu'on est des 20. Où est-ce qu'on peut trouver ça aujourd'hui Mais le problème, c'est que nous, nous on ne se pose pas la question parce qu'on l'a depuis 20 ans. Donc, on ne peut pas répondre à ce genre de trucs souvent. Eh bien, nous allons commencer. On va pas le finir ce soir, à mon avis, mais on va commencer. L'attraction infernale. Bon, on va faire encore une heure, une heure et demie là-dessus. Ouais, tranquille. Mais il n'y a plus qu'une bière au frigo. Hein. Alors, règle du jeu. Premier chiffre. Non, mais je ne pense pas que tu prends toute la mesure de l'urgence de la situation. Non. Il n'y a plus qu'une bière au frigo. Si vous avez mené avec succès le premier livre de la série Loups solitaire, vos points d'habilité et d'endurance vous sont déjà connus et vous savez égale également quelles sont les disciplines cayes que vous maîtrisez. C'est que ces mêmes éléments que vous entreprenez votre quête. Vous pouvez aussi emporter dans cette nouvelle aventure les armes et objets qui se trouvaient en, en votre possession. Le savon. Le savon. On a le savon. Mais on n'a toujours pas de sabre. On, 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 on a le, le savon. Rappelez-vous cependant qu'on qu n'est pas de droit à le... de deux armes et huit objets. On, on a, a le, plus le, plus. le savon parfumé. Les expériences que vous avez vécues, monsieur. Ce... On a une discipline, une discipline supplémentaire. Bonne nuit, monsieur Robin. Ok, donc on a une discipline caille de plus. Eh bien, nous allons faire un vote. Euh... Tant, Tiens, il est ce qu'on qu n'a pas. Il y a camouflage. Qui... Alors moi, ce que je trouve déjà absolument incroyable dans ce livre, c'est qu'il y a une mouche écrabouillée dedans. <laughs> c'est pas mal. Euh... Vous voyez là. Fais fait gaffe à la bite de Hulk. Hein. Ah oui, oui, oui. ça c'est une mouche. <laughs> non, c'est une vraie bouche qui doit avoir 25 ans d'âge plus ou moins. Bon, alors un, alors je vous ferai remarquer que le, la première discipline qu'on peut acheter, c'est le camouflage, et c'est quand même un peu la discipline ultime du pleutre. C'est pas faux. Et donc le camouflage, hein, donc vous avez déjà entendu parler. La chasse, on l'a déjà. Ouais. Le sixième sens, le sixième sens. Qui nous permet de ressentir le danger à l'avance Le sixième sens, c'est vachement bon. L'orientation, on l'a déjà. La guérison, on l'a déjà. Euh, maîtrise des armes, on l'a déjà. D'une arme, euh, arme de merde, mais on l'a. D'une euh, arme de merde, mais on l'a. Le bouclier psychique, qui nous permet de résister aux influences néfastes qui essayent d'embrumer notre esprit. Ça nous aurait sauvé la vie la dernière fois. Ouais. J'ai dis ça, je dis rien. La puissance psychique, qui nous permet d'attaquer nos ennemis oh. grâce à notre psyché supérieur. Et euh, communication animale, on l'a déjà. Ok. C'est parti. Donc, euh, nouvelle... Putain, euh... une, deux, trois, quatre... Attends, il en manque un, là. Hmm. Bouclier, camouflage, psy, sixième sens... Attends. Une, euh... deux, trois, quatre... Non, attendez, il en manque un. Attends, Parce attends. Que on... il y en avait dix en tout. Camouflage. Une, sixième deux... Sixième sens. Euh, ça, on a... Ça, on a trois boucliers, quatre et il y a la maîtrise. Psychique. Ah oui, okay. la télékinésie. On va recommencer. La télékinésie. On recommence. Ouais, ok, c'est moi. Donc, nous disions Camouflage. l'âge. Je vais juste, je vais essayer de tout... de tout faire en un seul mot. Donc, je vais mettre sens pour le sixième sens. Mm -hmm. euh, bouclier. Mm -hmm. Psy puissance psychique ou euh, maîtrise, maîtrise ah oui, psychique donc, de télé... la matière, matière. matière. Télé ou télékinésie. Matière qui est la télékinésie. C'est intéressant. Tous sont intéressants. Le bouclier psychique, c'est rarement, mais souvent, il te sauve la vie. Et donc, c'est reparti. Voilà. Cette fois, c'est parti. On fait vraiment le, le vote pour le, la nouvelle compétence. kai Discipline kai Pousse-toi un peu sur la droite. Moi, je propose qu'on prenne éclaircite. <laughs> Absolute power! Euh, power! Alors, dire power! L Absolute power! Absolute Power! 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 power. <laughs> C'est dans un Texaverie avec un chat qui fait semblant d'être un chien. Et qui fait <rire> power! 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 Avec un B. On vous laisse faire. Hein. Nous, on est Nous, on a tout notre temps. Hein. Sérieusement. Nous, on est cool, on est comme Fonzie. <coughs> on est comme Fonzie, on est cool. Allez, hop, on va, on va clôturer. Vous avez eu votre chance. Et nous disons... Ouh, ça sent l'égalité. Ça sent l'égalité. Euh... Eh bien, nous avons une égalité ouais. entre sens et camouflage. Euh, moi, je propose qu'on laisse le plus pleutre de, de toutes les personnes qui nous regardent voter. J'hésite parce que sixième sens, c'est cool, mais camouflage, c'est pleutre. Eh. Écoute, c'est le pleutre, il va prendre camouflage. Camouflage. Le camouflage va lui permettre de, de, de se pleutrer dans, dans le moindre buisson. C'est parti. <laughs> T'as mis casemouflage. Alors, David nous sort une grande tirade. Le camouflage technique permet aussi à RKI de se fondre. Ok, oui. C'est un copier-coller, ça, voyons. Ah bah, ce sera le camouflage. Bon, c'est parti C'est parti. T'avais commencé la fois dernière, je peux commencer Non, j'ai terminé, vas-y, vas-y, vas-y. Tu m'as même pas laissé faire le roi. Je faisais bien le roi. Je faisais un petit peu la voix de Sam. Ah oui La voix de Sam. Ah, mais non, mais attends, mais pas du tout. Un petit peu. La traversée infernale. 40 jours pour un loup solitaire. Au nord du royaume du Sommerlund, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer ses fils... Et... Attends mais on a déjà lu ça Euh... Ah oui non non oui d'accord oui tout à fait. Euh, donc bref, il y a l'histoire des, des, des seigneurs des ténèbres, vous avez déjà suivi ça, ils ont été terrassés par le glaive du sommaire, tagada, tagada, bim bim. Vous avez affronté de grands périls. Et Péril. Oui. en vous rendant auprès du souverain, l'ennemi a déjà soumis la plus grande partie du royaume et son armée s'avance vers Holmgard, la capitale. Mais en dépit du danger et au prix de rudes pleutreries, vous avez réussi à atteindre le palais et à prévenir le roi. À la cour, on a fait l'éloge de votre habileté et de votre bravoure, Pff, menteur, mais on vous a également averti que votre mission était loin d'être terminée. À présent, il y a des gens qui nous disent qu'on aurait absolument dû prendre dans ce volume le bouclier psychique. Euh... Il est peut-être encore temps de revenir en arrière. Non, trop tard. D'accord. À présent que les si seigneurs on... K'ai sont morts, il n'y a plus, sur toutes les terres de Magdamund, qu'une seule force assez puissante pour venir à bout des maîtres des ténèbres. Et cette force, c'est celle du glaive du Sommeur. Yeah. Or, après la défaite de Vashna. Le glaive du Sommer fut offert aux alliés de Dur nord je, je sais que, à mon avis, le glaive du Sommer, c'est bo la bonne façon de le prononcer. Moi, je, quand j'étais petit, je prononçais Sommer. Mais ça me fait toujours... Je, ça fait un peu penser au prénom américain Sommer. 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 Hey, Sommer Sommer. Qu'on donne à, 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 des filles, à des espèces de poufias. Euh... Non, c'est Sommer. Voilà. Sommer. Désolé, désolé pour toutes les Sommers qui, qui regardent ça. ...fut offert aux alliés de Dur nord comme un symbole de la confiance et de la solidarité qui unit les deux royaumes. En échange, le roi... Alin, ou Alain, de -Nord. Alain, Alain. Le roi Alain de Durnor fit présent au Sommerlund d'un magnifique anneau d'or frappé du sceau royal de son pays. Et on sait bien faire naquer encore une fois. Cet anneau porte le nom de sceau de Hamardal. Lors de la cérémonie du roi, le roi Alain jura que le royaume de Durnor viendrait aussitôt en aide à son allié si jamais le Sommerlund se trouvait à nouveau menacé par l'ombre des ténèbres venues de l'Occident. Le roi vous a confié le sceau de Hamardal, et votre mission consiste désormais à vous rendre au royaume de Durnor pour y chercher le glaive du Sommer. Mais, entre-temps, les troupes ennemies ont réussi à forcer les lignes de défense de la capitale et s'apprêtent à assiéger la ville, tandis que le capitaine Gaïal de la garde du roi vous conduit à l'arsenal du palais pour, vous y rendre, pour, vous, pour y prendre les armes que vous emporterez dans votre quête. Les dernières paroles de votre souverain vous reviennent sans cesse à l'esprit. 40 jours, le solitaire! Tu n'as que 40 jours pour rapporter le glaive! Nous aurons la force de résister à l'ennemi pendant ces 40 jours. Après, il sera trop tard. Merde! Et on n'a toujours pas de sabre. <laughs> non! Putain, le... Franchement, j'arrive à ce moment-là dans un jeu de rôle. Je dis au roi: Écoutez, je suis super bon avec le sabre. J'en ai besoin pour réussir ma mission. Il y a bien un de vos soldats qui peut me donner son sabre. Et là, non. Et le roi devient: non. non, nous n'avons plus, plus de sabre. Nous les <laughs> avons tous fondu pour faire des canons. Mais nous n'avons pas de boulet. Ok. Euh, ah bah ben c'est parti. Le capitaine Gaïal et ses gardes vous escortent jusqu'aux portes de la citadelle. Là, un chariot bâché vous attend. Dès que vous y avez pris place, les portes s'ouvrent et le chariot se frire un chemin dans les, roues, dans les rues, oui. dans les rues populeuses d'Holmgard. Ah, vous savez, je commence à faire Renault maintenant. <laughs> la capitale du Sommerlund. Le voyage est court mais inconfortable. Bientôt, le chariot s'arrête et le conducteur vient écarter les pans de la bâche qui vous dissimule au regard. Voici le quai d'embarquement, Seigneur Kay. Allons, ce conducteur du chariot. Et voici votre navire, le sceptre vert. Le sceptre vert est le navire qui va nous amener... Merde. Qui va nous amener... C'est pas le Black Pearl, hein, mon vieux. Oh, L'homme désigne un navire marchand qui mouille dans le port près du quai d'embarquement. C'est qu'il bien. C'est une caravelle de belle apparence, soigneusement entretenue. Le, cap... oui, voilà, le... le capitaine en second s'appelle Ronan, poursuit le, con... poursuit le conducteur. Poursuit le conducteur. Oui, voilà. Il vous attend de l'autre côté de la place à l'auberge des joyeux dris. Puis l'homme vous salue et disparaît dans la foule en se faufilant avec son chariot dans les rues étroites de la ville. Vous traversez la place, mais alors que vous parvenez devant l'auberge, vous constatez que, les... que la porte en est fermée, à clé, et que les volets des fenêtres sont clos. Tandis que vous vous demandez ce qu'il convient de faire, parce que vous êtes non seulement un pleutre, mais en plus un con, <laughs> une main vous agrippe le bras et vous pousse dans un coin obscur faites-vous parce que vous êtes un pleutre si vous décidez de dégainer votre arme et combattre l'inconnu qui vous a ainsi agressé rendez-vous au 273 si vous préférez essayer d'échapper à son emprise en vous débattant tel un pleutre agressif rendez-vous au 160 donc c'est très simple combattre ou pleutre, ou pleutre. Non mais là, là, là tu, tu, tu forces un peu les gens, hein. tu pleutres un peu trop. Pleutre doit rester. Les gens ont le choix. C'est pleutre, c'est pleutre. <tousse> les chants, les je... Il faut laisser l'option du pleutre à ces braves gens. Plutre, 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 pleutre, pleutre, <laughs> pleutre, pleutre, pleutre. Évidemment. Alors à mon avis, c'est pas quelqu'un qui va falloir combattre. <coughs> Euh, on n'a pas de choix d'inventaire de départ parce qu'on on l'a eu dans le premier bouquin et ici on garde le même inventaire. Ouais, je pense que ça, on n'a pas le choix. Mais on, on est pété de thunes à part ça. Hein. On a 34 pièces d'or. Et on a toujours un parchemin qu'on n'a pas lu. Mais oui, c'est vrai, le parchemin des, des Glorques. Ça me semble bizarre ça. Ouais, à fond. On verra. Mmh. S'il faut, je l'effacerai de l'équipement. Mais... Bon, à mon avis, euh, les votes vont être clairs. Ouh. Ça va pleutrer... Je suis, na, 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 Je suis pas na, sûr que c'est la bonne na, na, solution, quoi. Pleutre. OK. 160. Euh... Et c'est intéressant, ici, d'avoir un bouquin qui ne tombe pas en morceaux. Je vais remettre le premier. Oui, c'est vrai. Vous retournez l'individu, qui semble être un homme beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que vous. Euh, sa lame pénètre entre vos côtes, et vous vous effondrez dans un gargouillement de sang qui fait... Non... Votre pleutrerie vous a encore une fois mené dans les griffes du destin. Ah bah bravo, <laughs> premier choix. Non mais, là, vous fini. mais non pardonnez-moi, milord. Ah non, vas-y, vas-y. Pardonnez-moi, milord. Je ne voulais pas vous faire peur. L'homme semble inquiet et la main ouverte qu'il tend vers vous ne cesse de trembler. Il faut un sabre. <laughs> sans, vous, sans vous départir de votre prudence. Vous êtes très pleutre. Vous acceptez son geste amical et quelques instants plus tard, vous vous asseyez avec lui à l'une des tables de l'auberge, dans laquelle vous êtes entré par une porte latérale. L'endroit est désert, à l'exception d'un couple de souris qui range un gros morceau de fromage. Il et il y a même une illustration pour les souris, hein, ce qui est très très important. Je pense qu'on ne peut pas faire sans. Est-ce que ça fait le point ça Fait le point. Ça ne fait pas le point avec toi, parce le point. que la machine ne t'aime pas. Non, la machine ne même pas. Bon, bref, c'était une photo de souris. Euh... C'est un dessin. Des photos et un dessin, ce n'est pas la même chose. Ferme ta gueule, Ellie. Le capitaine Kellman m'a chargé de vous amener à bord du Septrover, mais je dois tout d'abord m'assurer que vous êtes bien le seigneur Kai, qu'on appelle loup solitaire. Dit l'homme. Pouvez-vous donner la preuve de votre identité Le meilleur moyen de prouver que vous êtes bien le seigneur loup solitaire consiste à faire la démonstration que vous maîtrisez l'une des disciplines Kai suivantes. Vous avez le choix entre les disciplines suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on va lui montrer La guérison. La puissance psychique qu'on n'a pas. On s'en fout, donc on a pas besoin. On la maîtrise faire... des armes avec laquelle on n'a pas l'arme dont on a la maîtrise. <laughs> la communication animale qu'on a. Oh La communication animale avec les souris, c'est bon ça. Ben ouais, à faut... fond. Ou la maîtrise psychique de la matière qu'on n'a pas. On n'a pas. Guérison, arme ou animale. Parce qu'on ne peut pas lui démontrer un pouvoir qu'on n'a pas. Oui. Et le camouflage, il est où, hein bon. C'est vrai que maintenant, on a camouflage. Le dé nous, nous dit que ça ne sert à rien. Mais c'est pleutre. Est-ce que on a Vote eu Votre pleutre. Est-ce qu'on a eu une seule fois un moment où il nous demandait d'utiliser bouf... camouflage dans la, la, le précédent bouquin non, Je ne pense pas. Hein. Ça, ne ça ne sert à rien. On a pris le... la discipline qui la plus pourrie. Animal, ça m'a l'air cool. Hein. Votre savon. <laughs> on a toujours notre Subrepticement, sub vous enfoncez le, salon par... le, savon le savon parfumé dans le rectum du personnage. Vous êtes vraiment un seigneur ouais <laughs> Alors, allez, je vous laisse encore deux secondes. Moi, bon, ça, que ça je, va je, être, je, animal. Je crois que être animal. On va, on va euh, taper la discute avec les souris. Sans, de loin, de très loin, C'est animal. Bah, je te file le bouton. Ça marche. Mini, mini, 203. Euh, C'est moi qui fais. Euh. C'est loup solitaire, on trouve une bonne voix pour Lou solitaire. Ah, loup solitaire Bah, il va parler un peu comme jacouille. Hein. Vous avez fait Vous voulez un peu de fromage C'est le jacouille du Borinage. C'est ça. Vous avez posé cette question aux marins après avoir jeté un coup d'œil aux souris qui s'affairent à l'autre bout de la salle. Utilisant alors la discipline Kai de la communication animale, vous ordonnez aux deux rongeurs de vous apporter leur fromage, et un instant plus tard, l'homme constate avec stupéfaction que les souris viennent effectivement de déposer le fromage à vos pieds avant de disparaître en toute hâte. Rendez-vous au 268. Mine de rien, du fromage bouffé par des souris, ça doit pas être de première fraîche. Ils s'en foutent, quoi. Là. Ils ont tous la peste, là. là. Bah, on a beau jouer un, un jacouille... Euh... Ah merde Ça commence bien, ok. Mmh. Vous êtes sans nul doute... Ah oui, pardon, attends, c'est... Oui, c'est moi qui faisais la voix de ce gars, là, avant. Mmh. Vous êtes sans nul doute un hein, seigneur Kai dit l'homme, mais l'expression stupéfaite de son visage transforme plutôt en un ricanement méprisant. Ah putain, c'est là qu'ils arrivent, les méchants brigands. Ou plutôt, reprend-il, ou plutôt, reprend-il d'une voix ironique, vous étiez, un seigneur Caille À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une porte s'ouvre à la volée juste derrière vous. Vous faites volte-face et vous retrouvez face à trois brigands, putain, trois brigands qui s'avancent dans votre direction. Chacun d'eux est armé d'un cimeterre. Ils un sabre. Euh... Et vous devez les combattre en les considérant comme un seul et même ennemi qui a 16 ans d'immunité et 25 ans, oui. je ne sais. Il y a une illustration pour les, les, les trois brigands, mais quelqu'un, je, je ne sais plus qui, veut ah oui. toujours les, les illustrations. Les, les trois brigands, ils sont parfaits. Ils sont juste parfaits. Ils sont vachement bien. <laughs> Donc, eh bien, baston. Et nous n'avons pas l'option de fuir, mes chers amis. Je vais, je vais récupérer les, 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 pages, les, les dernières pages du bouquin précédent. Il pourrait faire le point. Hein. On est fou. C'est à cause des brillants. Bien ah, joué. Je suis fort. Hein. Ouais, bon. euh, on prends, a même changé prends, de bouquin. couleur. Je vais oui. prendre les dernières pages du bouquin précédent, qui sont de toute façon arrachées, pour nous servir de, de table de combat. <coughs> en supposant que ce sont les mêmes tables, j'espère. Ils ont donc... Euh, 16, ils ont 16 25 15. Donc nous sommes à plus 3. Et ils ont 25. Et nous sommes toujours à 23. 25. Bon, ben on va les aider. les balance. Je te laisse au combat du brigand. 10, Zéro ah, en euh, fait, non, 10. Euh, Étonnamment, sur cette table, c'est bien de faire euh, 0, donc 10. Ah ben oui, donc ça vaut 10. Donc nous le, leur faisons perdre 16 points de vie sur leurs 25 et nous n'en perdons aucun. <laughs> les brigands, je te jure. Quoi. Merci David pour le dessin des brigands. Ah bah voilà. Ah oui, les fameux brigands. Bon là j'ai fait que 3 par contre. 3. Euh, ils perdent 7 points de vie, il leur en reste encore 2. Euh... Et nous on en perd 3, nous sommes à 20. Ouais ça va, on va régénérer tout ça. Allez, ouais, oui. à mort et 6, 6. Euh, eux ils sont forcément morts, mais nous perdons encore 2 points de vie. On se retrouve à 18. Les combats sont vachement mortels. Hein. Honnêtement, sans la discipline de guérison, c'est quasiment impossible. Et nos chers fans, je suis désolé. On n'a pas lu le truc jusqu'au bout. Il y avait moyen de prendre la fuite par la porte latérale. Ça aurait été pleutre. Ça aurait été particulièrement pleutre. Mais bon. Moi non, je propose que le prochain. On va récupérer leur cimetière là, le combat est fait. Le prochain vote pleutre va compter double. Okay. Euh, ben, on est vainqueur du combat, donc on va au 333. Désolé, on a eu l'occasion d'être pleutre et nous n'avons pas. On a, oui, a dépleutré complètement. Le marin qui se faisait passer pour Ronan semble avoir pris la fuite au cours du combat. Vous fouillez rapidement les cadavres des autres brigands, mais vous ne découvrez rien d'intéressant, hélas. Vous remarquez cependant que chacun des malfaiteurs porte au poignet à gauche un tatouage représentant un serpent. Il est clair que celui qui leur a donné l'ordre de vous tuer, quel qu'il soit, connaît déjà la nature de votre mission. C'est Tulsadoum. 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 C'est Voldemort à mon avis. Vous quittez la taverne par la porte latérale et vous, trouvez en... Et vous découvrez en passant devant un escalier le cadavre d'un marin dissimulé sous les marches. Cousu à l'intérieur du col de sa veste tachée de sang, une étiquette porte ce nom. Ronan oh <laughs> Heureusement que sa maman a cousu ses heureusement, vêtements. Avec heureusement son nom heureusement que Bobonne lui, lui, lui faisait des dominos. Voici donc celui avec qui vous aviez rendez-vous et que vos ennemis ont assassiné pour prendre sa place. Vous couvrez son corps et tel un pleutre, vous sortez de la taverne en prenant la direction du port dans lequel est ancré le sceptre vert à quelques 300 mètres du quai. Si vous souhaitez rejoindre le navire en empruntant l'un des canaux qui sont amarrés le long du quai, rendez-vous au 300. Donc, euh, est-ce qu'on va prendre un, euh, un canot Canot. Okay. Ou, si vous préférez essayer de retrouver l'imposteur qui s'est fait passer pour Ronan, rendez-vous au 67. Hmm, allons-nous céder à la vengeance Alors, canot ou retrouver. C'est parti, nouveau vote Et c'est vrai qu'on va venger Ronan McDonald. <laughs> Je vous en prie, votez. Cano ou retrouvaille? Euh, le vote est ouvert Oui. Vote pleutre, il n'y a pas de pleutre ici. <laughs> <Si. rire> il n'y a que du courage. C'est absolument abominable, il n'y a pas de bonne solution. Nous ne sommes plus peut-être. Plus Mine de rien, on a de la chance d'avoir quand même une vachement bonne habilité depuis le début. Hein. Mm -hmm. Parce que sinon, ça aurait beaucoup plus chié pour nous. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. On n'a pas beaucoup de points d'endurance, mais quand même. Au fait, on a déjà gagné plein de points de vie. Hein. Euh, un seul, hein, non bah, on a fait... Un chapitre ça. On mais depuis le fait... de combat. On a fait deux chapitres. Hein non, c'est un chapitre depuis le combat. Euh... Ah oui, ok, oui, non, c'était un. Nous sommes à 19. Je, je, je remettrai ça. On va voir si, si on retourne à 23 dans les tours qui viennent. Alors, euh, Telexal, pour, euh, on, on, euh, on a bousillé trois brigands et euh, on a retrouvé le cadavre du mec qui se faisait passer pour notre euh, informateur. Et la question est est-ce qu'on va le poursuivre ou est-ce qu'on va l'ignorer et aller au bateau Exactement. Donc, euh, c'est vote canot ou vote. Euh, donc, canot, c'est pour aller au bateau et il y a poursuite. Il y a retrouvé Retrouvé pour partir à la recherche du mec pour lui péter sa gueule. Il reste encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close Et nous allons. On va partir oh Égalité Ah merde Euh. On retrouve moi bon, je dirais ouais on va lui péter ça On va le retrouver enfin, va le bateau pêter. va pas partir on sans lui nous lui les sa putains de Kay, quoi <coughs> ok on va partir on va retrouver, retrouver l'imposteur alors vous arrivez très vite à la conclusion que l'imposteur a dû s'enfouir par l'entrée principale de la taverne s'il est resté dans les environs il doit probablement se trouver sur la place principale ou à proximité vous fouillez les ruelles et les maisons aux alentours de la place mais vous ne découvrez pas la moindre trace du fuyard culé il de... camouflage aussi c'est un pleutre voilà. Ah, c'est un frère pleutre Plutôt que de perdre votre temps en veine recherche, vous décidez alors de revenir sur le quai. Là, vous pleurez pendant quelques heures en vous chiant dessus parce que vous êtes vraiment une merde, et vous détachez la mare du canot et vous ramez en direction du sceptre vert, en éprouvant un sentiment de malaise. Vous ne vous attendez pas à ce que vos ennemis se manifestent aussitôt dans le bouquin, dès les premières heures de votre mission. Rendez-vous au 300 et je te passe le livre. Ça marche. Une bière. Alors. Euh, au fait, combien de livres Personnellement, j'en ai 22 ici. Enfin, c'est un peu. En fait, c'est surtout à, à Noriel ces bouquins, mais je les ai pris pour moi parce que. Ha, comme ça. Euh, on ne va pas faire que des loups solitaires au fait dans ces, dans ces vidéos. Il euh, y en a un que j'ai très envie de faire parce que. Ceux qui, me... Ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, Gilus, savent que je suis un grand fan de Frankenstein parce que j'ai fait une vidéo en verre du raccord sur Frankenstein. Or, j'ai, avec la gueule de Karloff sur le bouquin, Frankenstein le maudit. Et si je me souviens bien, c'est un bouquin où on peut jouer soit Frankenstein, donc soit le docteur Frankenstein, soit le monstre de Frankenstein, attention. Et on en, a... on en avait un aussi avec Dracula, avec la gueule de Christopher Lee sur le bouquin. D'ailleurs, c'est bizarre que... Là c'est Karloff, donc c'est Universal, et l'autre c'est Christopher Lee, donc euh, Hammer, enfin, on s'en fout. On va, faire, on va switcher, on va pas faire que Loup Solitaire, mais euh, Loup Solitaire, ça va être vraiment la série continue. Je reprends. En arrivant à proximité du bateau, vous constatez que l'échelle de Coupé a été relevée. Un marin à la mine peu engageante est accoudé au bastinage et vous lance des injures. Culez. De toute évidence, il croit que vous êtes un réfugié qui essaie de monter à bord comme passager clandestin. Mais lorsque vous lui criez que vous êtes le loup solitaire et que vous venez d'être trompé par un imposteur, l'échelle est à nouveau baissée. Morité, ça ne servait à rien, cette, cette petite description. En prenant pied sur le pont, vous êtes accueilli par un homme de haute taille vêtu d'un uniforme euh, passe, passementé d'or. Son visage est presque entièrement caché par une abondante tignasse de cheveux roux et une grande barbe également rousse. Levez l'ancre! ordonne-t-il d'une voix tonitruante. Les hommes d'équipage se précipitent aussitôt à leur poste comme si leur vie en dépendait et se mettent au travail. Le capitaine vous conduit ensuite à sa cabine et vous offre un verre de wonlo, l'un des alcools les plus forts qu'on puisse boire dans cette région. Vous lui faites alors le récit de ce qui vient d'arriver, et vous remarquez que son visage prend une expression soucieuse. Je fais le capitaine parce que j'ai plus de voix. Grosse, il a une grosse voix. Tout cela sent la trahison, dit-il d'un air sombre. Il est clair que l'ennemi a déjà dressé des plans pour faire échouer votre mission. Il ne faut plus compter sur les faits de surprise, et quant à moi, j'ai perdu un courageux second. « Espérons que... »« Espérons que j'ai perdu un courageux second. » Je vais reprendre la même. « Espérons au moins que la traversée jusqu'au royaume de Durnord sera sans histoire. » On n'en doute pas. On est sûr, on est sûr. Mm. « Vous le quittez quelques instants plus tard et vous retournez sur le pont, juste à temps pour voir disparaître à l'horizon les tours de la capitale. Vous descendez ensuite dans votre petite cabine en éprouvant un sentiment mêlé d'orgueil et d'appréhension. » Nous avons une petite un petit dessin des tours de la capitale. C'est joli comme tout. Utilisez la table de hasard. Ok, pas de choix. Une Un. Ah oui, ça peut être bon. <laughs> non, c'est un bon 64. résultat. Le lendemain matin, vous êtes réveillé par les cris des goélands qui tournoient autour... qui tournoient au-dessus ah du clip un, un fort en fait. vent enfle les voiles. Quelques instants plus tard, vous prenez votre petit déjeuner en compagnie du capitaine Kellman qui semble plus optimiste que la veille. C'est peut-être bien, en fait. Là le... la 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 la. Ouais, il ne se passe rien. Il vous annonce que le sceptre vert vogue à bonne allure et que vous devriez arriver dans, euh, dans une semaine à Port Bax, le port principal du royaume de Durénor. Puis soudain, un cri retentit dans le nid de ah euh, non, c'est quoi le cri Terre, Terre des, bah Gaulois. Non, des Gaulois! <laughs> Terre à bâbord! Avant! Hurle le vigie! Ah merde, non! Eh. Terre à bâbord! Hurle la vigie! <laughs> Terre à bâbord! Okay. Le capitaine et vous-même montez alors sur le pont, affro euh, affrontant à la froideur de la brise. Je vais faire le capitaine. <laughs> C'est Manon, l'île la plus au sud de l'archipel des Kilundin dit le capitaine en montrant une côte rocheuse et accidentée qui se dresse au loin. Les marchands l'appellent la pointe des naufragés. Nombreux sont les capitaines qui ont les fini navires. leur. Hein, ouais. nombreux sont les navires. Oui, nombreux sont les navires qui ont fini leur carrière sur ces rochers de granit. Le capitaine vous tend une lunette d'approche pour vous permettre de mieux observer l'île. Les rocs pointus de son rivage sont parsemés d'épaves. Ce sont les carcasses fracassées des navires qui s'y sont échoués ou que la tempête y a précipité. Vous êtes fasciné par le spectacle de ces coques déchirées et vous imaginez la scène terrifiante qui ont dû se dérouler lors de chacun de ces naufrages. Puis brusquement, vous vous apercevez une ombre noire suspendue au-dessus des pointes rocheuses de Manon. On dirait un petit nuage qui semble se déplacer dans votre direction. Mais un instant plus tard, vous comprenez que ce qui fait ce nuage est en fait une nuée de bétalzanes auxquelles sont probablement mêlés des crânes. Aussitôt l'alerte est donnée. Parez au combat Parez au combat Si vous souhaitez rester sur le pont, préparez vos armes et rendez-vous au 146. Si vous préférez rester dans votre cabine. <rire> <rire> ok <rire> Bon, les mecs, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Hein. Dites. Sérieusement Sérieusement Là, ce serait un oh. petit peu exagéré de se planquer dans la cabine, quand même. On est, on est le Seigneur, le solitaire. On a, on a, payé pour cette cabine. On a, on C'est notre cabine. On n'a pas payé pour cette cabine. On, on l'a donné parce que nous sommes est, le héros. On est protégé dans on la est cabine. Gentil, on est le pleutre. On n'est pas le pleutre. On est le, le solitaire. On est, on est le pleutre. <laughs> on est le loup pleutre. On est le loup pleutre. <laughs> les aventures de loutrouillard, les, les aventures de loup pleutre. Je vois les votes, c'est pleutre, pleutre. Loup pleutre, êtes avec nous. Il n'y aura pas. Ça va, ça va, ça va être beau. Ça va être beau. Des aventures de loup pleutre. Je vous rappelle au cas où vous êtes arrivé un peu plus tard que pour voter, c'est point d'exclamation vote et puis combattre ou pleutre dans le cas, dans le cas présent. N'hésitez pas à faire des copier-coller, c'est encore le plus facile. Allez, je pense que. Les décisions ont été prises. Attends, non, attends, non, 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 laisse, laisse. Nous n'avons pas été pleutres pendant, pendant assez, assez longtemps. Depuis le, le moment où on a laissé les, les, les enfants, enfants mourir. mourir. C'est c'est vrai. On n'a pas été si pleutres que ça. Je vais clôturer le vote. Pleutres, je suis fier de vous. Et nous sommes pleutres. <laughs> 65% de pleutres. Ça marche. Je ne sais pas s'il si lui faut... Non, être je, vais, je vais lire ouais. le paragraphe pleutre. 34. <coughs> 34. Imaginez pleutre solitaire qui, euh, entre avec une, une petite trace de pisse dans son pantalon, descend. Tandis que vous fermez la porte de votre cabine, vous entendez les cris frénétiques de l'équipage qui se prépare à repousser les assaillants. Oh, le Soudain, héros. un bruit sourd ébranle le navire. Hé eh pleutres pleutre solitaire. Quelque chose vient de heurter le pont arrière. Des hurlements aigus retentissent alors que vous reconnaissez aussitôt... Ah oui, euh, des hurlements aigus... Par le pouvoir du pleutre ancestral. <laughs> des hurlements aigus retentissent, Gilus. <laughs> Ce sont des glorques qui s'égosillent ainsi. Ah. Oui. Les Betalzan ont déposé des glorques sur le bateau et bientôt la porte de votre cabine s'ouvre à la volée. <laughs> je <Pitié> <laughs> Mais je combats pas, je suis pleutre. Trois de ces hideuses créatures à la peau grise vous font face en brandissant leur épée à la lame tranchante et ruisselante de sang. Puisqu'ils ont déjà tué des gens. Euh, il vous est impossible de prendre la fuite. Il nous est impossible de prendre la fuite, messieurs. Nous allons devoir combattre en les considérant comme un seul et même ennemi. Moi je dis, franchement, là je dis, on utilise camouflage et on se... On, <laughs> on se... se fait passer pour une carpette. <rire> <rire> on se fait passer pour une tête d'oreiller. <laughs> je fais comme ça. Genre, genre, ouais. Je suis un tapis. Bon, mais bah, ils bon, ont 16, et 16, ils sont 16-14. 16 quand même. Donc on mmh. sommes à plus 3. Et c'est parti, je lance les dés. Là c'est un combat euh, à mort. Hein, donc. On a largement récupéré, récupéré tous nos points de vie. Hein. Mais oui, on mais était, oui. Il y a bien eu 4 chapitres depuis euh, le mmh, dernier combat. Mais bien sûr. Ok, ça marche. Hop 2! Je sens que notre karma est en train de tourner. Hein. On, a été, on a trop pleutré. On a là. trop pleutré. Euh, donc, attends. Nous sommes à 23 et eux sont à 14. <laughs> Votre donc. se cache sous le lit. Donc, euh, <laughs> ils perdent 6 et nous perdons 3. 28. Deuxième dé. 9! Ok, ah. là, là, ils sont, ils sont niqués. Euh, ok, mais ils sont morts. On a perdu 3 points de vie, nous sommes à 20. Ouais, euh, ben. <coughs> 345 Pleutre, mais, mais fort <laughs> Pleutre, mais digne. Mais digne. La dignité dans la couardise est quelque chose de euh... difficile à accomplir. Mais Ragnar, le pleutre, est un très bon exemple pour ça. Alors attends, parce que j'avais vu. Ne perds pas le chapitre, s'il te plaît. Non, non, je ne vais pas le perdre. Ah, motherfucker. Bon, ça n'est pas grave. La bataille ça va être dur pour, pour nous les plus pleutres hein. une bataille féroce s'est engagée sur le navire tandis que les glorks s'efforcent de prendre le contrôle du sceptre vert Perchés en haut des mâts les crânes sont en train de déchirer les voiles avec leurs serres et leurs dents tranchantes comme des rasoirs pendant ce temps les bethalzane retournent vers la pointe des naufragés pour aller remplir leurs filets d'autres glorks avides de participer au combat Bientôt une silhouette menaçante apparaît sur le pont jonché de cadavres. C'est un dracarim un cruel guerrier à la solde des maîtres des ténèbres d'ailleurs je vous le montre c'est le pays oh, c'est le pay qui est sur la couverture aussi, euh... et donc oui le dracarim il n'est pas là pour rigoler et pour faire de la barbe à papa il taille en pièces quiconque se trouve sur son chemin, marin ou glorque, et s'avance vers vous en brandissant un glaive d'un noir de jet, on va peut-être pouvoir récupérer. Parvenu devant vous... C'est un glaive, c'est un sabre, tu n'as rien compris. Ah oui, c'est vrai. Parvenu devant vous, il se lance à l'attaque, et il vous faut le combattre jusqu'à la mort, ce qui est bien difficile pour un pleutre tel que nous. Mais euh, il est 16-24, il va falloir lui faire la peau. Donc nous avons toujours 20 points de vie, parce qu'on n'a pas, pas récupéré, et il a, lui, il est 24. Il est, 16, peu, il est un peu plus fort que le précédent, mais ça devrait aller. C'est eh, un drac hein, c'est pas pour rire. 2 hein. <laughs> Ragnar est un modèle. <laughs> Donc nous perdons 3 points de vie à nouveau, on se retrouve à 17, c'est un peu moche. Ah. Et lui perd 6. Il est à 18. Ensuite. À 10. 10, oh. voilà. Ça, ça chie dans sa gueule. C'est la force du pleutre. C'est quand tu brandis ton arme devant toi en fermant les yeux, tu vois, Il vient et en, en per... protégeant ton visage avec ta main gauche. 16 points de vie sur ses 18. Il ne lui reste plus que deux points de vie et nous n'en nous perdons pas. Et <tousse> <tousse> dernier <tousse> <tousse> coup. Pleutre pleutre, 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 pleutre. Nous perdons quand même un point de vie et lui est mort. Donc nous sommes à 16. Ah bah ben voilà. La pleutrerie triomphe toujours du mal. Je, je vais changer les points de vie. <tousse> Qu'est-ce que ça dit? Euh. Ben bah non, je regardais, c'est juste. Euh... On utilise le camouflage. <laughs> bon Ben mes chers amis, euh, je lis le suivant et puis je te le, le truc. Ok. Parce que je n'ai fait que des combats là. C'est pas très pleutre tout ça. C'est pas assez pleutre tout ça. Trop de combats. <laughs> Voyant que leur maître est mort. Les Glocks désemparés battent en retraite vers la poupe du navire. Fais les Glocks désemparés. Le capitaine Kellman rassemble alors ses hommes et se lance à l'attaque, repoussant les immondes créatures qui, dans un concert de grognements rageurs, sont contraints de sauter par-dessus bord pour éviter d'être taillés en pièces. Constatant qu'ils ont perdu la bataille, les crânes s'envolent des mâts et s'enfouissent en direction de la côte que l'on aperçoit à l'horizon. Euh, merci, Seigneur Kay, dit le capitaine, On vous en vous serrant la main. Nous sommes fiers et reconnaissants de vous avoir avec nous. Dans votre fort intérieur, vous vous dites qu'il est bien heureux qu'il ne soit pas rendu compte que vous étiez caché dans votre <laughs> cabine, oui. comme un vil pleutre. Au là, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. À part que tu te sens un peu mal, si tu n'es pas un vrai pleutre. Exactement. Une longue ovation retentit sur le pont du navire et vous vous sentez encore plus mal. Ce sont les marins qui vous rendent hommage en même temps que leur capitaine. Vous aidez ensuite à soigner les blessés, tandis qu'on répare la mature endommagée. Et deux heures plus tard, le navire est prêt à repartir, les voiles gonflées de vent. Et vous vous êtes gonflé de honte Mais vous vous en foutez Parce que personne ne le sait Et vous voici à nouveau en route Vers Durnord au 240 Ce qui n'est jamais que deux pages plus tôt Après trois jours en mer Durant lesquels il ne s'est rien passé Tu parles Vous commencez à trouver le temps long Si vous maîtrisez la discipline Kai de la guérison Vous pouvez récupérer tous vos points d'endurance Juste un, un petit truc Oui il y a David Latapi qui la vidéo ne n'avance plus pour lui. Euh... Oui en fait c'est vrai qu'on est on est où maintenant. Mais euh... je vais nous mettre dans les mers. Mais par contre est-ce que vous voyez encore que est-ce que ça a planté pour tout le monde ou ça a planté que pour euh, une personne? actualiser ok Et on a carté la carte est la même dans le bouquin ici la carte est la même donc je voilà. vais garder cette carte là ainsi il faudra peut-être que je prévois ok ça va bien pour vous donc nous récupérons, nous récupérons tous nos points d'endurance grâce à la guérison euh, vous retrouvez en ce cas le total d'endurance vous disposez au départ si vous ne maîtrisez pas la compétence vous récupérez la moitié des points perdus bon s'en fout dans l'après-midi du quatrième jour, vous êtes sur le pont du navire en train de bavarder avec un homme d'équipage lorsqu'une odeur de brûlé se dégage soudain des cales. Je suis étonné qu'il y ait un dessin des, des fumées qui, qui sortent des cales. Ah, bah, c'est. Attends, c'est. Si vous souhaitez descendre dans cette cale, rendez-vous au 29. Si vous pensez qu'il est préférable de crier au feu oh! Rendez-vous au 236. Je vais parler un peu moins fort pour les voisins. Enfin, si vous décidez d'aller plutôt prévenir le capitaine, rendez-vous au 201. Je vais vous faire un petit vote. Donc, décembre pour aller voir ce qui se passe. Feu pour crier au feu. Ou capitaine pour aller prévenir le capitaine. Pour aller pleurer au capitaine. Il y a deux options pleutres ici. Voilà. Soit crier au secours, soit aller chouiner dans les robes du capitaine. Donc, vous avez trois choix. Très pleutre. On, on, on vous a donné, en fait, on est mal barré parce que vous allez toujours choisir les trucs les plus peu, les plus pleutres, et ça va nous nous mener à, à la mort. Mais non. Barque en fufu. À mon avis, on va, on va plus encore tout conquis très très longtemps parce que moi, je suis assez bien claqué et j'ai plus de voix. Bah. Mais moi, j'ai encore de la voix à vendre, mais je suis très claqué aussi. On va voir. Je voulais, On vous laisse voter. Mmh. Mmh. Allez, hop. On, nous allons clôturer. Eh bien, moi, j'aime bien les deux. <laughs> j'aime bien les deux. Et. On vote au feu. Crier au, au feu. feu. Au de, feu. De loin. <laughs> Vous imaginez un jacou qui fait ⁇ Au feu Au feu, messire !⁇ Il y a feu au bâtiment, messire La panique s'empare du navire. Saisis d'une véritable frénésie, les marins rassemblent tous les seaux et les couvertures qu'ils peuvent trouver pour combattre l'incendie. Les flammes jaillissent de l'écoutille et il ne faut pas plus d'une heure pour maîtriser le feu. Les dégâts sont considérables. Les vivres et les provisions d'eau douce ont été anéantis et la structure centrale du navire gravement endommagée. Bravo les gars. Le capitaine émerge alors de la cale enfumée et s'approche de vous le visage noir de suie. Il porte un paquet sous son bras. Je dois vous, par... oui, pardon. Ah oui. Je dois vous parler en privé, my lord dit-il à voix basse. Sans rien répondre, vous le suivez aussitôt dans sa cabine, rendez-vous au 222. Ah oui, il y a le capitaine avec le truc. Là, nous voyons le capitaine. Le capitaine avec l'étrange piège. Après avoir soigneusement refermé la porte de sa cabine, le capitaine ouvre son mystérieux paquet et en répand le contenu sur une table. Il s'agit d'une cruche de faïence noircie, de lambeaux, d'étoffe calcinées qui dégage une odeur d'huile. Okay. « Cet incendie n'est pas un accident, » déclare le capitaine Kellman d'une voix solennelle. « C'est un acte de sabotage. Cette cruche d'huile et ces chiffons que j'ai trouvés sur le plancher de la cale n'avaient rien à y faire. Quelqu'un à bord de ce navire est prêt à risquer sa vie pour nous empêcher d'atteindre Durmort. Vous contemplez tous deux les chiffons brûlés comme s'ils pouvaient répondre aux questions que vous posez. Et soudain, un cri retentit au-dessus de vos têtes en brisant le silence qui règne dans le euh, dans, dans la cabine. Navire revu Navire revu ce babou bravo Le capitaine saisit aussitôt ses lunettes d'approche et se hâte de monter sur le pont euh, par une échelle d'écoutille Si vous désirez le suivre, rendez-vous au 175, si vous préférez fouiller rapidement sa cabine, rendez-vous au 300. Maintenant, je sais exactement ce que tout le monde va faire. <laughs> fouiller on va être farfouillé. Mmh, farfouillé, voilà. <laughs> J'en étais sûr, on va couler. Donc nous pouvons pro en profiter pour voler le sabre. C'est un, 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 un marin, il doit avoir un sabre. Alors dans la, dans la cabine faire... du capitaine, vous trouvez un du savon. fromage, du sabre. savon, <laughs> de l'alcool. <laughs> farfouillé, 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 farfouillé. Votre fouillé. Attention, c'est pas vous fouiller, c'est farfouillé. C'est farfouillé, oui. On peut fouiller les trucs, mais on peut les farfouiller aussi. Oui. Quand on farfouille quelque chose, c'est un peu plus lamentable. Voilà. C'est ah, un peu comme si on faisait la fouine. C'est une chose, dans tous les jeux de rôle où il y a la compétence fouille, je la, je la change toujours en farfouille. En farfouille, oui, tout à fait. Non, la farfouille, c'est au-delà de la fouille. C'est de la farfouille. Ça ne s'explique pas. Je, je pense que c'est unanime, <laughs> en fait. À mon avis, il faut attendre un peu plus. Euh, à, Bienvenue de retour, David. Et il faut attendre un peu plus longtemps pour que les gens votent, parce que j'en vois encore qui votent après. Euh... Eh bien, il faut décider vite, les gens. Pourquoi vous votez euh... Il faut voter pleutre. Et pour la bite de Hulk. T'as vu, c'est marrant avec la lumière derrière moi. Quand je me mets d'une certaine manière, on dirait qu'il manque des cheveux sur le haut du crâne, que il... j'ai une espèce de... Il te manque des cheveux sur le haut du crâne. Non, non, non. Je suis un tous. moine. On dirige une tonsure, effectivement, de moine trapé. Si j'avais pu. J'aurais été moine trapé. C'est. Le, le 100%. Far... farfouille. Farfouille. 100%. 100 points. 100% de farfouille. 100%. 100 de farfouille. Je suis fier de vous. Vous êtes des beaux pleutres. <rire> <rire> si ça se trouve, le capitaine va mourir. Hein. Peut-être. Pour qu'on lui vole son fromage et son alcool. Tout... Ah, pardon. Oh, tu veux Oh, euh, moi je veux bien. C'est le 315. 315, ouais. Tout en gardant un œil sur la porte, <laughs> vous fouillez rapidement les tiroirs et les papiers disposés sur la table ouv ouvragée, mais vous ne trouvez rien de suspect. Il n'y a là que des cartes maritimes, des instruments de navigation. Vous êtes sur le point d'abandonner vos recherches lorsque vous découvrez un petit levier disséminé sous la table. Vous l'actionnez et un panneau glisse aussitôt, révélant une cachette dans laquelle un petit coffret à la serrure de cuivre a été déposé. Si vous voulez forcer la serrure de cette boîte, rendez-vous au 190. Si vous préférez remettre le coffret à sa place et rejoindre le capitaine sur le pont avant qu'il ne soupçonne quelque chose, rendez-vous au 175. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille de la maîtrise psychique de la matière, rendez-vous au Schneewasser. Bon. <laughs> Je me souviens ouais. de ça. Ça va, ça va, ça va chier. Mm -hmm. Parce que je sais ce que vous mais avez oui, choisi. Mais oui, mais tout le monde. Tout bref. Voler ou ou euh, ah bon, dépleutrer. <laughs> Faut pas mettre abandonner. Les gens vont pas voter pour abandonner. Mais les gens vont quand même pas voter il pour mettre, ça. Il tout mettre... le monde veut savoir ce qu'il y a dans ce putain de coffret. Il fallait mettre dépleutrer ou impleutrer. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a dans ce putain de coffret, évidemment. Mais qu'à mon avis, honnêtement, je pense que c'est une mauvaise idée euh, pour, euh, pour la survie du personnage. Tu vois, c'est là qu'on voit ceux qui ont déjà fait le bouquin. Oui. Mais on va voir. Bon, a... C'est bon, on a guérison. Bon. Je suis pas sûr. <laughs> ça ne règle Je suis pas, pas tout. sûr, je sais plus exactement ce qui se passe. <laughs> on s'est recoupé un, une main ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il n'y a pas un, un, un bouquin de, de, de où On peut perdre une main et on perd euh, genre 5 points d'habilité. Je crois que dire. oui, oui, je pense bien. Ah là là. Bon, je, je vous laisse encore un peu de temps, hein, mais euh, vous êtes des crapules. Je vous le dis. Mm. C'est vous qui votez. C'est c'est démocratie. Hein. Ici, on est une somme en démocratie, mais vous êtes des crapules. Non, on est en pleutrocratie. En, en pleutrocratie. <laughs> c'est la pleutrocratie. <laughs> C'est les gens qui ne votent pas qui ont raison. Je vous laisse encore 10 secondes. Je vous laisse encore une seconde d'après le dé. Oh, oh putain Et nous disons... Voler, évidemment Voler Ok, c'est parti Donc nous allons forcer la serrure du truc. <rire> voilà. <rire> je... Mais je m'en souvenais, hein, mais moi j'ai rien dit. Alors... Vous vous servez d'une règle en fer comme d'un levier pour forcer la serrure. Il faut imaginer la scène, hein Loup pleutre est, un... enfin, pleutre solitaire est en train de forcer le bazar comme un vieux charognard. Vous ressentez soudain une douleur cuisante à votre poitrine. Le coffret comportait un piège. Une petite aiguille enduite de poison vient de se planter dans votre chair, tandis que vous tentiez de faire sauter la serrure. Cette minuscule fléchette vous est fatale, et vous mourrez sur le coup. Votre mission s'achève ici, en même temps que votre vie de pleutre. Bravo, bravo. C'était un beau point de destin. Je proposerais bien qu'on arrête là, en fait. Donc nous en retourner. <laughs> on va se terminer sur cette pelotrerie On va retourner en arrière. Je vais noter le. Il le faudra livre. trouver parce que j'ai même pas gardé la page. Pour te dire. Euh, mais c'est là où il a, il a sa. Où il y a le portrait du on capitaine. Le dessin. Okay, y a... Voilà. Y eh des... ben non, non. La guérison ne servait pas. C'était une mort, une mort instantanée euh, au bout de. <laughs> Merci pour les petites têtes de Isaac. Alors, nous allons retourner au chapitre, au chapitre 222. Euh, ah bah, je vais mettre un marque-page. On, hein. euh, on va utiliser ça. Donc, nous allons arrêter au chapitre 222. Mais on a du savon. Et nous avons perdu. <laughs> C'est vrai que le savon, ça. Ah Ah Putain, le poison ah. Et donc, euh, nous avons perdu notre premier point de dessin. Je sens que celui-là, on va, on va le faire en. En plusieurs, points, en plusieurs fois, parce que ça va être, ça va être le bordel. Euh, <laughs> eh bien, je pense que ça, ça s'est très bien passé. Oui, oui oui, bien oui, 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 oui. oui Et il y a encore 51 personnes qui sont restées jusqu'au bout. Assez je, je pense que nous avons eu de très pleutres euh, aventures ce soir. <laughs> oui. Et, euh, et ça commence bien. Alors, à quand la suite euh, Déjà, première, euh, deux choses. Propos de la suite, c'est que donc ici au, à Bruxelles, c'est le BIF qui est pour nous un, un festival très important, qui est le Festival du. le Brussels International Fantastic Film Festival, c'est le Festival des films fantastiques de Bruxelles qui dure deux semaines et qu'on fait de manière très intense. Donc les deux prochains week-ends, c'est certain que vous ne nous aurez pas. Dans trois semaines, je vais essayer de, de le refaire avec lui pour bien faire. Il a un nom, lui. C'est qui lui il s'appelle John mcnurgle Stein. Ok, donc je vais, on essaie, on réessayera de faire, de continuer l'ousséliter à deux. Euh, si à un moment je me retrouve tout seul pour pour faire ce truc-là où je dis voilà je le fais ce soir-là mais que Nurgle n'est pas disponible, on fera un un one shot, on fera euh, un défi de fantastique ou quelque chose comme ça. Euh, et donc ici nous arrêtons. Pleutrement après avoir perdu après, un non, point d'estin. Après une mort particulièrement déshonorable. Déshonorable. Mais et qui va très bien à, à Pleutre solitaire. Voilà. <laughs> euh... Ou à loup Pleutre, ça dépend. Ragnar le Pleutre. Ragnar le Pleutre, on peut le dire comme ça. Et donc, euh, cette vidéo va se retrouver oh. sur YouTube. Ça va être assez long d'ailleurs. C'est pas grave. <coughs> euh, et, et je vous tiens au courant pour la suite. À nouveau, pour la suite, euh, tenez-vous courant via Facebook et Twitter. Et euh, Twitch. J'ai quand même une question. Euh, vous allez voir Kevin Smith, euh, il vient oui. en Belgique ou pas finalement Bien sûr, il est invité au bif. Ok, euh, j'ai ouais. eu les jetons qu'avec les attentats, il venait pas. Pas que je sache. Non, non, mais j'ai euh, cru. Ça m'étonnerait. Ah. Mais on verra bien de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, euh, merci à tout le monde qui est resté jusqu'au bout. Euh, on a eu des, des moments très intéressants. Euh, hum. beaucoup de votre pleutre euh, et on continuera la prochaine fois heureusement on a une bonne habilité je crois qu'on a des chances de bien continuer avec ouais, non, mais euh, merci d'avoir participé à cette aventure et j'espère vous revoir tout aussi nombreux pour la suite des aventures de de Ragnar le pleutre à je savoir fais... le loup solitaire je crois que je vais, pour la prochaine fois je vais garder les choses telles quelles ça s'est bien passé bien passé je trouve hum. euh... mais la présentation est bien et tout hein, moi quand je vois l'écran là c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Ça me donne ouais. envie. Hein. Allez, tout le monde, euh, on se tient au courant. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à aller voir les. Si jamais vous nous découvrez avec ce stream, allez voir l'histoire au coin des 20. Ben, bien sûr, ça c'est. Euh, normalement, on Allez sous, sur la zone geek, en en vous sous, les émissions. Euh, vous avez euh, des, des petits liens pour les envers du raccord l'histoire au coin des 20, Tipeee, Facebook de zone geek, Twitter de moi. Mm. Euh, et on va, on va se démerder. Et donc euh, je vous demanderai de faire un dernier vote pleutre. Ah oui ok ok. Pleutre honneur. Non il n'y a qu'un seul. <laughs> ah, y a juste... <laughs> pour bien se souvenir de ces hmm. grands moments. Donc nous allons continuer la, la prochaine fois ce, cette aventure avec deux points de destin et euh, en espérant que ça se passe un peu mieux. Mais j'y tiens si on meurt. On meurt et on recommence à zéro et on lira un petit peu plus vite, on essaiera d'aller un petit peu plus vite dans tout On trucs. reprend toutes les aventures Non, là, on reprend au, au non, bouquin. Ouais, on... Bien sûr, on va, on va reprendre à zéro, mais surtout. Oui, d'accord. On garde, on Ragnar le pleutre. Euh... Bon bah et là-dessus. Avec ses bah, 100% de pleutre, on vous dit à la prochaine. Bien, bye 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 bye. Et merci d'être venu.